Yo Zephyr, putain Zephyr, en ce moment tu reviens en force Zephyr mon frère, bien joué à tes premiers. Oh là 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 là. Bon attendez bien tous, bienvenue à tous, c'est reparti pour une nouvelle aventure. Alors les likes, est-ce que les likes seront là? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous êtes prêts à exploser les likes? On fait les 1000 likes avant 2 minutes. Ou 1 minute, 2 minutes, 1 minute, je sais pas. On est déjà à 200 likes. C'est un truc de... 300 likes. Ouh. Va-t-on battre le record? On est à 39 secondes, 40 secondes. En moins d'une minute, peut-on avoir 1000 likes? 42 secondes, 43 secondes, 44 secondes, 45. Mais vous, vous avez un décalage. Mais pour moi, aider. Wow, 650 likes. Et on commence à 1000 likes, les gars. Voilà, il y a les élèves qui commencent à arriver. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il y a des nouveautés, les gars. Regardez là-bas. Il y a un nouveau skatepark. Il y a un skatepark, les gars. J'ai vu ça, il y a un skatepark, putain. Oh là là, on n'a pas battu le record, mais attention, les 1000 likes arrivent. Le record, c'est les 1000 likes en moins d'une minute. Je crois que c'était en 50 secondes. C'était ça, le record. Bienvenue à tous, mes amis. Bienvenue, vous êtes chaud ou pas? T'es le meilleur, je te kiffe. Je suis sur Discord. Oui, justement, après le live, les gars, il y a un grand événement sur Discord. C'est les 1 an Discord. On va aller tous sur Discord après, ne vous inquiétez pas, on va parler, etc. Y a pas de soucis. Bon, bah c'est parti pour une nouvelle aventure. Les élèves commencent à arriver, on est à l'heure. Vous avez fait les 1000 likes en moins de 2 minutes quand même. Oh Sébastien, le petit don d'habitude Sébastien. Mais Sébastien, ne te ruine pas pour moi frérot. Tu m'en as déjà fait beaucoup là ces derniers temps là. Merci infiniment mon Sébastien. Le petit 2 euros de famille tout le temps là. Ouais, attends, on va essayer de trouver les potes là. Ils sont où les potes? Merci à tous, bienvenue. N'hésitez pas à lâcher un petit like, 1000 likes en moins de 2 minutes. Bravo les gars. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ça va? Ça va très bien. Ouais, moi ça va. Vous avez passé une bonne nuit? Vous allez être content. Attendez, oui attendez, laissez-moi juste 10 secondes. Hein. Oui. Wow, le skatepark. Oui, en vérité c'est moi qui l'a construit. J'ai une bonne nouvelle pour vous en plus aujourd'hui. Dites-moi monsieur. Alors, pour vous tous. Hein. Alors j'ai fait une grosse commande. Parce qu'aujourd'hui, Luigi doit faire un cours de mécanique et ça va être pour l'électricité. Alors j'ai une bonne idée, on attend le livreur. En fait, on va vous remplacer toutes vos chaises. Ouais, oui. J'ai commandé 25 chaises électriques. Oh putain, je me casse. Oh putain. Alors attendez, mais j'ai pas fini. Mais vous êtes malade ou quoi monsieur? Vous allez pas me les alors. Vous allez pas me les. Mais alors. Vous allez pas me les. Je lui laisse une télécommande, le premier qui répond faux, il appuie sur la télécommande et puis monsieur, on balance une décharge. Vous allez pas me les recruter. C'est une bonne idée. Je vais mourir. Ah bah, pourquoi pas? Oui, c'est bon, monsieur. Ah bah, vous oh, il y a skatepark maintenant, monsieur. Il y a skatepark. Vince Dog, lui aussi, Arthros Gaming. Toujours les mêmes, je vous vois. Merci pour vos dons, les frérots. Hein, vous êtes fous, les frérots. Vous allez vite vous en habituer, va. Ouais, allez, ouais, FPKO, oui. Oui. Vous pouvez, s'il vous plaît, aller enlever les vélos. Je vais acheter à manger pour la nuit. Hop. Alors, bonjour, monsieur. Que voulez-vous à manger? Bonjour, monsieur. Bah arrête, c'est automatique, qu'est-ce que tu me dis là? Wesh mon grand! Ah, wesh sais, frérot! Eh hey, boutonneux, ça va ou quoi? Bien dormi quoi? Je vais faire un salut. Il faut que je fasse un salut à toutes mes potes là. Ça va ou quoi? Bien dormi? Ouais! Ah tranquille, tranquille! T'as vu ça là? Regarde, viens, on va se visiter! Viens! Regarde ouais, le skatepark! Putain! Tu mec! Il y a un nouveau skatepark frère! Wow! Il est où Momo? Oh merde! Mec, on va pouvoir ça. On va pouvoir. Je laisse là ouvert parce que faire les saluts. Mais je suis brun, viens! Ah t'inquiète, j'ai. Wow! Regarde-moi ça, c'est bien fait! Wow! Stylé! Wesh! Pas mort, wesh ping pong, ça va ou quoi? Ça va! Vas-y, ramène-toi! Ouais. Vas-y, mets-toi face à moi, c'est poil de carotte, moi, t'inquiète! Pop, comment ça va, frérot? Ah, mon bras! Ça va la bonne? Ah, tranquille! Quoi ce délire? Wow! Putain! T'es énorme, t'as vu? Je peux jouer! Ah, t'as pas de vélo et t'en. Mais t'es un sérieux, monsieur propre! Comment ça pas bug, maintenant, les gars? Comment ça bug? Bug! Il s'est pris la barrière et bam, il s'est flingué le petit Momo là.
Faites F5 si ça bug, les gars. Je me demande, ils doivent engager les meilleurs portugais. Poil de carotte. Les meilleurs. Oh, t'as vu, maman, t'as fait une tacrette. Tout le monde dans la cour, les cours vont commencer. T'as fait une tacrette, tout le temps. Faites F5. Et y'a mon frère qui est mort, j'en ai dans le commun. J'ai pleuré un frère, j'ai tout oublié. Je l'ai fait. Bah, en fait, t'inquiète pas, t'as de l'attente en plus. Eh bah, moi je vais tomber dans le coma direct. Vas-y, merci beaucoup, hein. Vas-y, je vais retourner. Madame. Y'a pas de bug, les gars, qu'est-ce que vous dites là? Y'a pas de bug, les gars, arrêtez vos conneries, j'ai le live là. Ah ouais, y'a un bug vraiment. Ah bon, bah, c'est bizarre, les gars. Actualisez, dites tout le monde d'actualiser. Oh, c'est bizarre. Allez, putain. Ils sont où tout le monde là? Ouais, je peux jouer. Wesh, maman. Moi j'étais dans le coma. Attends, excusez-moi, je suis bloqué. Attends, bon. Mets-toi là, ta solution. Toi, ta petite tête va. Je vais compter jusqu'à 3. Dans 3 minutes, si vous n'êtes pas dans la cour de récréation, je colle tout le monde. 1, 2, 3. Attends, on fait salut. 3. Ça va ou quoi, négro? Gros nez. Allez, lui, il commence à m'énerver. Il commence bien, ce gueulin. Allez, hop. Vas-y, on va en trois et demi, tranquille. Vas-y, en plus. Dégagez. On se casse. Re, tout le monde, les gars. C'est bon, maintenant? Maintenant, c'est bon, les gars. Bonjour, tout le monde. Bonjour, monsieur le proviseur. Bonjour, monsieur le proviseur, ça va? Vous avez bien dormi? C'est le débarquement. Wesh, monsieur le proviseur. Bien ou quoi? Wesh, petit russe, ça va ou quoi? Ah, oh, ça va tranquille. Ah, j'étais tout seul dans la chambre hier, je me suis fait vraiment lâcher. On a joué à FIFA et tout ça, mais jouer à FIFA tout seul contre les potes, c'est la merde. Bien dormi, ah, bien voir le sang, ça fait plaisir. Ouais, tranquille. Bah, ouais, tranquille. Ah, plein de trucs à se dire après là, t'inquiète. Merci Noah. Parce qu'il paraît, ouais. T'inquiète, on verra après. Gros nez. T'inquiète, négro. Gros nez. Eh, poil de carotte là, on attend que toi là. Quoi? On attend que toi là, poil de carotte là. Attends-moi, pourquoi? Ferme ta bouche là. Appelle-toi, va. Attends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas possible là, il m'énerve. Mais il voit pas encore clair, il me parle, il regarde à côté. Putain. Eh, tu peux boutonner, wesh. Oh non! Déjà! Oh non, Bouddha! Putain, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas ma classe, elle pue la merde. Deux, bien rangés, deux par deux, bien rangés, on se dépêche. Dans la vérité, ma classe, moi je vais faire la classe 3 si les ça continue. Gars, comment ça va sinon? Bordel. Si ça continue, toi, ta classe solo, elle va aller en code, t'as compris, toi, c'est la classe galo de la retenue. Ouais. Allez, bouge-toi là, on a pas que ça à faire. Allez, c'est bon. Eh, ouais, t'as vraiment bon là. Eh, de quoi t'as une bosse au niveau de ton crâne, frère? Il est où le boutonnet là? Il est pas là? Je sais pas, faudrait que j'aille voir l'infirmière, elle me fasse un petit massage, t'as vu, parce que bon, je me suis... Ouais, bah, déjà, elle t'a pas de bouse à bouse alors. Oh, les puceaux là, vous allez la fermer la là, classe. Vous allez boutonner la classe 2 par 2 là. C'est toi qui es puceau, reste ouais, tranquille, bah, carotte. Tout le monde là dit que vous êtes puceau, c'est vrai? Apparemment, ouais, vous n'avez jamais pécho. Nous, au niveau du skatepark. Vous y arrivez pas aussi. Ouais, c'est nous qui va pécho l'infirmière avant vous. On va pécho l'infirmière avant vous. J'en ai marre. J'en ai marre de voir leur tête là. On a tous mis la langue dans la bouche de l'infirmière ou pas? Bonjour. T'as dit quoi, maman? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire exceptionnellement là, parce que je crois que c'est la grève des bus aujourd'hui là, où Conway comme ça là, et tous ceux qui sont endormis à l'internat, ils sont pas là là. Ah d'accord. Je suis pas bon, content là. Donc on va peut-être donner un coup ou assembler là. On va tenter le coup tous ensemble, tous les élèves. Une grosse roue, attention. Oulalala, ça va être la merde. Le bordel. Les secteurs et les intelligents. Alors, attendez. Pas contre. Taisez-vous, je colle. Pas contre. Ferme ta bouche. Monsieur Luigi, professeur, là, s'il y a une fois couillé, ça va tout mal aller. Ça va finir dans le bureau du directeur. Hein, parce que là, je vous ai aidé beaucoup ouais, d'enfants. Super. Attends, je vais chercher les autres. Et vous, là. Je vous ai prévenu, monsieur le directeur. Tout de suite, allez, venez. Oh merde, il y a tout le monde qui sera avec, ça partit en couille. Un par un, et je vous brise. Est-ce que c'est clair? Et toi, tu m'avais pas manqué, hein. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Luigi, dernière chose. Si vous êtes sage, là, pendant les cours de ce matin. Moi et le personnel enseignant, on a prévu une petite sortie, une petite surprise pour vous, les ouais petits.
On vous donne le Oh putain, ça m'a dévoilé, ne criez pas. Oh putain, il a une grand-mère qui crie. Vogueule. C'est qui là avec sa voix de merde là? Toi aussi, vous aussi monsieur, vous criez. Ils ont des cordes vocales mon frère, laisse tomber. Oh, boutonneux. Vous aussi votre corde vocale bug. Bon, bah. Quoi, monsieur? Ah, il est où? Boutonneux, va prendre ta tenue là. Mais il a chaud! Quand il a chaud, il va avoir des boutons, sinon, si. Faut qu'il reste comme ça, il a chaud. Regarde son visage, il est déjà en âge. Après, il va avoir des boutons à la nuit, Swesh. Oui, voilà. Bon, écoutez-moi. Pour le cours de mécano aujourd'hui, j'ai envie d'être sympa avec vous. Mais vous criez fort, que vous êtes moche. Malgré que vous êtes moche. On est moche. On vous retourne le compliment. Toi aussi t'es moche. Voilà, voilà. Toi aussi t'es moche. Oh, arrête tes conneries toi. Bon, malgré... vous voyez. Ne faites pas gueuler s'il vous plaît. Malgré que vous êtes moche. Aujourd'hui je vais vous faire un petit cadeau. Ouais. On va pas rentrer tout de suite dans la classe pour le premier cours. Vous allez juste me suivre, vous allez vous rassembler, mais vous allez pas gueuler tous en même temps, d'accord? On va à la concession de mon papa voir des voitures. Non. On va se mettre. Continue, alors. Je vais vous présenter aujourd'hui. On va essayer de faire un petit peu de la réparation sur un vélo. D'accord? Oh. Pour le cours de mécanique. Oh. D'accord. Vous c'est moins ouf que ce que je pensais. Hein. Ouais, tournez-vous tous tout doucement. Oh, oui. Avancez maintenant. Mais tout doucement. Il a pas compris lui. Non, mais oh, tout doucement, espèce de. Regardez-nous là. Donc voilà pour ce cours aujourd'hui. Oui. Le vélo il va arriver et chacun de votre tour, je vais vous faire un petit peu travailler sur le vélo. Pour l'instant, on n'a pas encore de véhicule, mais bon, le vélo c'est aussi de la mécanique. Ah, vous allez travailler. Et vous allez travailler sur le bus, non? Les gars, on est d'accord, ça bug pas. Tout va bien les gars, le chat. Bon, calmez-vous, je vais le vélo y arriver. Ah, j'y couvre. D'accord. Allo Amazon, le vélo, c'est pour quand? Bordel. Et hey, c'est livré avec Chronopost, on est là pour 3 mois. Ouais. Wow. T'as pas sonné? Non, j'en déconne. Oh putain. Oh putain, c'est du lourd. Oh. Bon, restez tous là-bas. Restez tous là-bas. Boutonné, il est monté dessus. Vas-y, casse-toi avec. Boutonné, arrête de le barrer. Ah, monsieur, ça va. Bon, Boutonné, viens, rapproche-toi maintenant. Reviens près de moi. Allez, Boutonné, fais des allers-retours. Allez, dans la merde, ça y est. Boutonné, dans ce vélo qui est là devant toi, les roues sont crevées, d'accord? Bah non. J'ai mes roues, ils sont crevées. T'es d'accord parce avec que moi? T'es trop gros. Mes roues sont crevées. Monsieur Christo. Je vois pas crever, monsieur. Moi aussi, je le vois pas crever. La chaîne. Mais c'est pas grave, c'est juste une mise en scène. Vous êtes... Taisez-vous, vous êtes trop fermé là. Ils t'ont pas crevé quand même, les pneus. Sous-con. Bref, les roues sont crevées, d'accord? La chaîne est cassée. Go les 2000 lives, les gars. Comment tu comptes y prendre? La chaîne n'en est pas cassée non plus, frère. La chaîne, il est là. Monsieur. C'est qui fait le malin là? Je vous jure, elles sont pas crevées. Bon, c'est bon, Igor, embarque mon boutonneux là. Il m'a cassé la tête. Toi, bon. Tu vas me faire. Mais monsieur, c'est pas cassé. Tu vas venir avec moi. Monsieur, mais c'est pas cassé la fête. Boutonneux, non. Vite, boutonneux, pars-toi en courant, tu vas avoir des problèmes. Oh putain, allez, hop. Allez, oh, mais, Y. Mais il a rien fait, monsieur. Vous avez vu ce qui se passe? Vous êtes sérieux moi, là loin, il a pas pris ses vitamines. Pourquoi vous le mettez en retenue? Vos bouches. Il a fait quoi? Vos bouches là. Il a fait quoi? Vos bouches. Vos bouches. Faut lui donner. Ferme ta bouche. Faut lui donner les vitamines C2 et tout. Bon, moi de récupérer moi. Oh, vos gueules, j'ai un truc à dire. Maintenant, n'oubliez pas, ne pensez pas fort à votre muscle. Si vous avez rien à dire, parce qu'en fait, si vous pensez très fort à ce muscle, ben il y a des bruits bizarres qui se passent et on se comprend pas. Ok, pensez juste à votre muscle N si vous devez dire une connerie, parce que vous faites que ça, dire des conneries. Pas de soucis, ouais. Toi, le moche là qui lève son doigt, dis-moi. Très bien, c'est noté. Oh, je fais un exercice. Et de quoi le moche? Bon, toi là, carotte, désolé pour le retard, bienvenue à tous. Approche-toi. Carotte, rapproche-toi et fais l'exercice que j'ai demandé à Boutonneux là. Alors, tu peux me dire comment? Bon. Bon, les pneus sont crevés donc il me faut un crip, un crip. Un crip. Un cric. Un cric. Imbécile, là. Un cric. Oui. Et un cric.
Et voilà, il faut... Et tu retournes le vélo, pour ça va plus vite. Faut un tournevis pour dévisser. Enfin, une pince. Je vais enlever, tac. Je vais changer les pneus. Alors, je vais remettre la chaîne avec ma main. D'accord. Voilà. D'accord. Comme ça. D'accord. Là. Là, j'ai remis la chaîne. Et pour... D'accord. Et pour la révision totale, tu vas penser quand même à faire une révision, quand même. Oui, j'ai révisé mes devoirs hier. Ça commence pas... Mais quoi, bah non. Commence mais pas. Quoi. Regarde les freins. Fais une révision du véhicule, dépêche-toi. C'est pas un vieux, ça. Ah, vidéo. D'accord. Ouais, bon, les freins, est-ce qu'ils marchent bien? Attends, je vais essayer. Monte dessus, tu pars pas, tu pars pas. Commence pas à vouloir partir. Le frein arrière marche. Le frein avant marche. Aïe. Voilà. Hey, maintenant, y a qu'un frein, t'es au courant ou... Voilà. Y a qu'un frein, je m'en fous, y a deux, celle-là. J'ai installé deux, putain. Vogueule. Moi, j'ai installé deux. Vous pouvez pas comprendre. Moi, j'ai installé deux, moi. Voilà, comprendre. J'ai fait un traficage. Vogueule. Y a deux freins. Vogueule. Double frein. Voilà, plus de freinage, carotte. C'est mieux. Niveau 2. Oui. Carotte. Maintenant, tu me dis combien tu me fais payer pour cette réparation, le dévis. Tu vas me le faire à combien? $5,000. Avec tes propres mots. T'emmènes, Derek. Voilà, je vous fais à 90 000 parce qu'on se connaît. 90 000 parce qu'on se connaît et faut payer la moitié en avance. Sinon, voilà. Quoi. Ouais, d'accord, maintenant, Carotte, en sachant que tu n'es pas le patron, d'accord, Carotte? T'es pas le patron des mécanos. Si je te demande de faire un prix, est-ce que tu le fais ou pas? Non. Pourquoi? Au moins, t'es clair. Hein. Ah, parce que je suis pas le patron. Sinon, le patron va m'en renvoyer. D'accord. D'accord, tout à fait. C'est bon, Carotte, tu peux reprendre ta place. Je lui dis de me payer au noir, tu vois. Dans la... Au noir, tu vois ce que je veux dire. Ping-pong. Carotte. Ouais, mais t'as doué. Carotte, dégage. Le badminton. Bon, ping-pong. L'exercice, là, maintenant, c'est que la couleur de mon véhicule, je l'aime pas. D'accord? Je vais te demander. Les gars, on va faire du trafic après dans la récré, on va planter nos. Comment tu comptes? Il veut du rose. Boutonneux, il veut du rose. Donc, Dedad va demander à la partonne quelle couleur elle veut. Ah, boutonneux, quelle couleur, Matelougué? Bien sûr, voilà, c'est ça que je veux l'entendre. Je veux l'entendre que tu dises d'abord, tu demandes au client quelle couleur il veut. Quelle couleur vous voulez? Parce que ne pensez pas que si vous changez. Ça dégage! Oh là là! Putain! Non, excusez-moi, c'est un problème. Sinon, t'as des problèmes de corps vocal quand tu parles trop fort, c'est le bordel. Ouais, tu parles fort, ça grésille. Ouais, quand tu parles trop fort, ça grésille, ça nique les oreilles de tout le monde. Oh bah, bébé. Moi, il a des oreilles vocales. Oula, oula. Aïe, aïe, ah, mais toi aussi, moi aussi, celui. Bon, oh, Yagalo, ferme-la, j'ai un truc à dire. Pensez très fort. Pensez très fort à votre sensibilité. Certains de vous ont une sensibilité trop élevée. Ce qui veut dire, c'est que quand votre sensibilité est trop élevée, on se comprend pas là. Puis, vous écoutez pas ce que j'ai dit hier. Hier, j'ai dit quoi dans le cours RP hier? Hier, j'ai dit, si vous voyez que quand vous êtes en mode de parler avec une personne, si vous vous entendez que c'est trop le bordel, bah, essayez de fermer juste vos bouches. Ça sert à rien de continuer à gueuler tous ensemble. D'accord. Est-ce que t'es bon au niveau de ma corde vocale? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nickel. C'est bon. C'est bon, nickel. Donc, continuez l'exercice là. Momo, il est fou. Alors, donc, de vous aider, monsieur Louis, quelle couleur souhaitez-vous pour votre magnifique vélo de type BMX? Voilà, donc, made in France. Maintenant qu'on parle de couleur, alors, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs couleurs dans la mécanique. Il y a la primaire qui est tout le véhicule. Non. Ferme ta bouche, toi, Momo, commence pas à me saouler là. Il y a la secondaire qui est la moitié du véhicule. D'accord. Et après, on a le nacrage. Le nacrage, c'est le nacrage qui se met au-dessus de la primaire. Ouais, donc maintenant, je vais te demander, en nacrage, je vais te demander un rose bonbon. Regardez le proviseur. Je vais te demander un noir. Ouais. Sanson? Ah, qu'est-ce qui est rose et qui attend? Le fils de la galo, là. Tu l'embarques, c'est bon. Comment ça, le fils de la galo? J'ai rien dit. Allez, dégage, je trace ta route. Oula. Vous dites bien, Motelou. Mais j'ai rien dit, moi. Prends le pistolet, maintenant. Ping-pong, prends le pistolet et mets-moi en couleur ce véhicule. Oh, pas tout de suite. Attends, vous pouvez vous décarter un petit peu, faudrait pas que vous ayez de la peinture sur le tambour. Oh, on s'écarte. Je vais me faire écarter tout seul. Attends, je vais le mettre en retrait. Pourquoi il souffle? Il gonfle le pneu? Il gonfle le pneu, là? Bah non, c'est la peinture, elle fait un peinture. Ah, d'accord.
Bon, maintenant... Donc maintenant que la couleur est mise, il va falloir attendre une bonne quinzaine de minutes le temps que ta tête et vous redonne... Ping Pong, ferme ta bouche, Ping Pong. Ping Pong, ferme ta bouche. Il est toujours contre le vélo. Alors, maintenant, j'ai un autre truc aussi maintenant à vous dire. N'oubliez pas que même si un client vient pour quelque chose genre la peinture, n'oubliez pas que vous êtes le patron ou même l'ouvrier. Vous devez gagner de l'argent. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui demander s'il n'a pas besoin d'autre chose. Genre... les jantes ou alors même une réparation. Et à chaque fois que vous mettez la peinture, n'oubliez pas à la fin, quand vous avez mis la peinture, toujours demander s'il n'a pas besoin d'une réparation ou alors d'un nettoyage de son véhicule. Voilà, il le doit client être est toujours roi. Voilà, par d'accord. Contre, lève ta main, c'est pas parce que tu fais l'exercice que tu as besoin d'ouvrir ta gueule. Okay. J'ai mal aux jambes. Oh, motologue. T'as mal aux jambes. Tu casses la tête, toi, boutonneux là. C'est pas de donc sa voilà, faute. Maintenant... C'est un fragile. Ouais, je m'en fous, commence pas, toi. Un fragile, mais qui reste bien fragile, alors. Bon, est-ce que vous avez tous compris l'exercice ou pas? Oui, chef. Stop. Après. C'est quoi ces bruits-là? C'est qui fait ces bruits-là? Mais vous avez pas de respect, en c'est fait. C'est lui, hein. À côté de vous moi. Vous êtes qu'une bande de mioches, en mais fait. Non, hein. C'est ça, pas en moi. Fait. Vous voulez tous c'est lui là-bas, en fait, là. C'est lui là-bas, regardez, là. Regardez-là, à côté de moi, de carotte. Et en plus de ça, vous êtes une belle bande, vous êtes une belle bande de personnes qui se trahissent entre eux. Bah au non, j'ai pas dit que vous, tu m'as donné des téléphones vous. Pour revendre. J'ai jamais dit moi. Qu'est-ce que tu racontes quoi on a jamais dit pour les téléphones. Ouais, on a jamais dit ça, c'est resté entre nous, on n'a pas dit. Mais est-ce que Paul de Carotte vous a dit que il dit que Ping Pong pue? C'est faux. Il dit que le boutonneux. C'est faux. Il peut pas lui dire bonjour, de le lui connaît, faire la bise. C'est faux. Est-ce qu'il a dit, est-ce qu'il vous a déjà dit que le boutonnier peut pas lui faire la bise parce qu'il a peur de ses boutons? C'est faux. Est-ce qu'il vous a parlé? C'est pas le seul. Pourquoi tu mens? Mais tout le monde sait que c'est faux parce que vous voyez mal. Vous voyez mal, monsieur. Vous confondez. J'ai mal de quoi? C'est toi. Vous me confondez, monsieur. Moi aussi, je peux aller aux toilettes. Non. S'il vous plaît, monsieur, je peux aller aux toilettes. Je peux l'accompagner. Ok, boutonneux. D'accord, boutonneux vous et l'autre là. Quoi, pour lui aussi là, poil de carotte, tu peux dégager aussi aux toilettes. Moi aussi, tu peux y aller. Ping Pong, toi aussi, il va aux toilettes. Et Momo, tu peux aller aussi. Et l'autre surveillant, tiens, le dessus. On va aux toilettes. Oh merde. Chier, là. Oh merde. Putain, qu'est-ce que. Tu peux venir alors que. T'es où alors les toilettes? J'ai rien dit, frère. Doucement. Doucement. Ah, j'allais me pisser dessus, mec. Allez, on va pisser. Celui qui court, je m'occupe de son cas. Ouais, ouais mais t'as pas toi, on peut aller, on est gros, on peut aller aux toilettes, on est pas Martinel, hein. Eh. D'accord, ok. Eh, tu veux. Oh, y'a Batman, il a fait son tour. Lucas. Oui, excusez-moi. Lucas, tu vas rester ici deux minutes. Mais je vais pisser, je peux plus. Ah, mais attends, je vais pisser vite. Je m'en bats les steaks. Vas-y. Eh, tu veux tenir ma bite quand je pisse aussi? Vas-y, c'est bon. Recoulez là, t'es en train de fuir. Ça va, Ping Pong? Ah, dégage de là, toi, dégage. Tu vois, il a un petit kiki, wesh. Ah, moi, c'est un chinois, c'est normal. Plouf. Eh, Ping Pong. Bon, Dumbo là, tu te roules. Oh, il a. Donc, moi, quand je pisse, je paie en même temps. Donc, excusez-moi, je pète en même temps. Ah. D'entendre dire que Moto Nugi était la femme de ménage. Ah, ça fait du bien. Donc, elle va devoir nettoyer les diotes. Oh, allez, toi, tu viens avec mais lui, mais lui, il fait caca. Hein? Oui. Oh, regardez pas là. Toi, je m'occupe de ton mais cas, j'ai rien fait. Comment tu réponds à un éducateur? Mais j'ai tout de suite. Mais j'ai dit juste qu'on est grand, on peut aller tout seul. Oh putain. Ouais, donc comment tu m'as répondu? Tu vas venir avec moi. T'inquiète pas, je vais pas faire ton éducation à moi. À ma manière. D'accord. Allez, suis-moi. Tu viens ici. Et tu me fais 30 pompes. Et tu les comptes à voix haute. Putain. T'es pas content? 60 pompes. Non, c'est bon, allez. C'est bon. Hey, il est chiant. Et tu les comptes à voix haute. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, et il s'enfuit en vélo là-bas, 34, 35, regarde, il le skate pas, 6, 7, 38,
attendez. T'inquiète pas, j'irai m'en occuper, mais je m'occupe d'abord de toi, tu vois. 60. Riku, il y en a un dans ce skatepark en plein heure de cours, tu vas me choper, s'il te plaît. Et toi, merci. La prochaine fois, d'accord. Merci. Tu vas faire le tour de l'école. D'accord. Maintenant, je vais aller chercher tes autres potes. Là. Pendant la récré, les gars, on va les planter. Apparemment, Boutonneux a fait quelque chose. Boutonneux a réussi à activer l'ascenseur. De freinage avant, bien sûr. Un liquide de train. Alors, question simple. Est-ce qu'on peut trouver des tambours à l'avant? Mais non, c'est pas une voiture. D'accord, puisque vous êtes aussi intelligent, vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a que compose un système de freinage avant. Alors, il y a un disque, les tambours, les étriers de frein, non, les freins. Non, il n'y a pas de tambour. Il n'y a pas de tambour. Hein. Ah d'accord. Mais c'est celle de Aria qui a des tambours alors. C'est ça. Ben voilà, ben c'est tout alors. Les voilà. Il y a les étriers, il y a les freins, il y a les disques, il y a les comment ça s'appelle les cylindrés. Il y a les freins, les disques. Non, c'est pas tout à fait tout ça comme ça. Non. Bah et si, c'est ça. Il y a des roues qui forcent trop. Et il y a les roues, il y a les jantes. Voilà. Sans, je m'en occupe, c'est bon. Bon maintenant, regardez maintenant, je vais vous apprendre maintenant comment faire pour faire un bon RP mécanicien. Donc je vais vous apprendre. Les clients viennent vous voir dans votre mécanisme, dans votre entreprise. D'accord. Il vient vous voir, il vous dit, ferme ta bouche. Il vient vous voir, il vous dit, bonjour monsieur, aujourd'hui je viens pour telle peinture. Vous n'allez pas juste lui faire sa peinture et lui dire, voilà monsieur, votre peinture est faite, payez, au revoir. Non. Voilà monsieur, j'ai mis une peinture brillante. Oui. Ferme ta bouche toi, t'es... Made in China. Mais je dis oui, je savais que c'était... Ferme ta bouche aussi, donc... D'accord. Donc voilà, après, ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez lui dire, écoutez, la qualité de peinture que je vous ai mise, c'est la meilleure de toutes. Il faut en fait que vous le motivez, en fait, à débourser de l'argent, en fait. Vous lui dites, écoutez, je peux vous proposer tel outil, je peux vous proposer telle marchandise pour telle somme, et vous serez l'unique à l'avoir. Moi, je vais pas vous mentir, une fois, j'ai acheté une Camaro, il y a une personne qui m'a arnaqué, Camaro. Et je peux vous dire que ça fait bien. Qu'est-ce qu'il veut, le roux, là? Qu'est-ce que t'as, Leroux, depuis tantôt? C'est une marque de voiture, Moukat, voyons, putain. Ah, chevrette, un Camaro, ok. Ouais, c'est comme une Chevrolet, ouais, vas-y. D'accord. Qu'est-ce que tu veux quoi? Ok. Tu lis donc, pas, maintenant, oh merde, désolé, j'ai pas vu Vaudou, merci Francisco, merci mon pote. Ok, monsieur Prop. Les gars, vous êtes prêts après ou quoi? Ton véhicule. Tu comptes t'y prendre comment pour vendre ton véhicule? Vous êtes prêts après, les gars, pour faire du sale? Boutonneux a réussi à mettre le truc, apparemment, je crois. Mais tu vas où pour vendre ton véhicule? Tu vas où pour vendre ton véhicule? Par la concession. En fait, toi, monsieur Prop, je vais t'expliquer un truc. Y'a pas que tes cheveux qu'ils ont oublié de pousser, hein. Ton cerveau aussi, allez, vas-y, va t'asseoir, là. Retourne. Oh. Ou quoi? Ben vous aussi vous êtes moche là, maintenant fermez votre bouche là, toi là qui lève sa main là. Approche-toi. Ouais. Approche-toi. T'as que lâche fort ici. Pour vendre mon véhicule dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Non je vais pas péter, sinon tout le monde va faire pareil après les gars. Toi. Ça va partir en couille. Ah. 2000 likes, l'infirmière phase 2. Ça arrive hein, il y a des fragiles dans la vie. 2000 likes c'est trop facile, 3000 likes on fait un autre truc avec l'infirmière. 3000 likes les gars. 3000 likes, on fait du sale à l'infirmière. Je viens de poser, là. On va rentrer dans l'infirmière, on va le faire des câlins à l'infirmière. Regardez, okay. Regardez la balle, regardez. Qui vient de dire ça? C'est quoi la question? Merci El Max pour tes 1 euro. Merci mon petit El Max. Ah là, il n'y a plus personne qui assume. Hein. Quoi? J'ai pas entendu. Bon, ouais. Le boutonneux, t'es où le boutonneux? Le boutonneux, rapproche-toi le boutonneux. Je suis là, moi, monsieur. Approche. Approche. Si maintenant t'achètes un véhicule, d'accord? Oui. Et que t'as un souci lors de ton achat de véhicule, comment tu comptes t'y prendre? En sachant qu'on a une application de la ville qui est l'application du gouvernement. Tu comptes t'y prendre comment? Portugais. S'il est plus garanti, je sais pas, je vais voir dans un problème, dans besoin d'aide. D'accord. Et tu fais quoi dans besoin d'aide? Est-ce que tu patientes ou pas?
Ou est-ce que tu cries? Ah bah j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide. D'accord. Démontez le vendeur. C'est bien, vous tenez, tu peux rejoindre les autres. Est-ce que vous avez tous compris comment ça se passe? Oui. Ou pas? Oui. Non, ouais. Pas trop. Oui. Bon, Roboto nous deux. Stop. Bien vu. T'en connais un rien. Donc maintenant, vu que maintenant je veux que vous deveniez des bons mécanos, les mécanos c'est des personnes musclées, je vais vous demander à tous de faire 10 pompages. Mais pourquoi vous êtes pas musclés, ouais, vous, je viens monsieur d'en faire 30. 10 pompages, ferme ta bouche. Mais pourquoi vous êtes pas musclés, vous, monsieur? Ferme ta bouche. Mais vous avez dit que... musclé. 20 pompages. 20 pompages pour toi, dépêche-toi. Hein? C'est dégueulasse. Ça part en couille. Non, on n'est pas pédé, wesh. On peut pas avec nous. On peut pas avec nous. Wesh, moi je vais pomper personne. Bon. On pompe personne ici. Monsieur le surveillant, tous ceux qui font pas des pompages en bas. Ok, attends, je vais pompager, Vas-y, je pompe, Moi je vais musculariser. Je me suis trompé. Moi j'ai bois, ouais, mais attendez, on a pas le droit de manger, les gars. C'est bon, j'ai compris. À la récré, on va manger. Le moutonneux, les pompes. N'oubliez pas que en étant mécano, fermez vos bouches pendant que je suis en train de parler. En étant mécano, ouais, monsieur le surveillant, Tenez, il fait pas. Voilà, je fais mes pompes. Oh, il fait quoi celui à côté de moi là? Ah, il est menotté. En étant, il arrive pas à faire les pompes, regardez. Ferme ta bouche, toi, la galo. Ferme ta bouche. En étant mécano, je vais vous expliquer en fait. Vous allez avoir des moteurs à soulever qui sont assez lourds. Donc le cours de sport est très important en fait. Vous comprenez? Monsieur le professeur, alors. Fini. Arrêtez maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cours de mécano. D'accord. Alors, il n'y a pas que la réparation des véhicules dans le cours de mécano. Il y a aussi plusieurs affaires. Arrête. Bon, monsieur le surveillant, la personne que vous avez essayé de menoter tout à l'heure a quitté la ville, c'est pour ça que... Ouais, j'ai vu. On s'en fout, tu vas m'écouter ou pas? Maintenant, il y a quelque chose d'autre qu'il y a. Il n'y a pas que la mécanique directement sur le véhicule. Quand vous êtes mécanicien, il y a aussi la police qui peut vous appeler des fois. Ou alors même les ambulanciers qui peuvent vous appeler des fois. Bon, ça sera pour le prochain cours. Bah, appelez un opticien, monsieur le coup. Enfin. Oh là là. Ah, mais c'est là. Go. Wouhou. Allez, les gars, on va commencer le trafic, les gars. Ils sont où? Ah, bouton. Hé. Attends, mais où est-ce qu'ils se cassent? Mais ils se cassent tout. Mais je suis en train de manger. C'est malin, ça. Attendez les gars, on va faire le trafic. Ma voix. Tu voulais pas me parler d'un truc tout à l'heure? Ben justement, je te tiens au courant. Je vais aller voir avec la bande d'abord. Ok, d'accord. Si ils ont mis au point. C'est un putain de truc de ouf que je viens de faire. Ah ok, au calme. T'inquiète pas. Bon, il faut qu'on retrouve la bande les gars, faut qu'on va au dortoir là. On n'a pas le droit d'aller au dortoir. Oh ouais, t'es bien, t'es trop bien, moi t'as trouvé d'or de boudin. Oh, pas de problème, mon petit, Wesh, ça bug ici. Freestyle, mon frère, wow. Excusez-moi, monsieur le directeur. Wow. Ah, y'a pas de problème. Alors, vous aimez le petit skatepark? Oui, monsieur. Je peux pas pédaler vite, les gars. Est-ce que j'ai géré pour la construction? Bon, là, on n'est pas là pour faire du skatepark, les gars. C'est vous. Oui, ça va, petit, là? Oui, vous inquiétez pas. Momo, ouais. Suis-moi. Vas-y. Viens, on va là-bas.
Hé hey, t'as toujours la marchandise? Il est où, boutonneux? Bah ouais, je l'ai toujours, frère. Boutonneux m'a dit tout à l'heure qu'il a trouvé un truc pour actionner le courant. Mais il faut le retrouver. Pendab. Tu vois, l'ascenseur, il a des cigarettes, je crois qu'il y a des trucs ou quoi, des clopes ou quoi, mais il va rien partager, ce radin. Il faut qu'on s'infiltre. Ouais, ouais, boutonneux, c'est un radin, wesh, gros. Et il a dit, il a des cigarettes, moi j'ai des cigarettes, Luigi m'en a donné là, wesh, tout à l'heure. Sérieux? Oui, il a dit, il en avait, il l'a même pas fait croquer, wesh. Ouais, ouais, j'ai des cigarettes, t'en veux? Vas-y, on va fumer quelque part. Où est-ce qu'on va fumer? Envoie une. Mais allez, gars, faut qu'on va planter notre marchandise après, hein. Faut qu'on va planter notre marchandise à la récré de 45 minutes. Mais de quoi tu me parles d'électricité? Moi, je suis pas ingénieur chez EDF, mon frère. Mais c'est boutonneux! Apparemment, il est en train de faire, là. Il m'a dit, à la première récré, il a trouvé le truc pour actionner l'électricité de l'ascenseur. On va pouvoir accéder au passage secret. Quel ascenseur? Au passage secret. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ah, les gars, vous avez arraché la plante hier ou quoi? Ouais, ouais, j'ai arraché. Elle est encore ou... J'ai arraché, moi, t'inquiète. Ah, ouf. Ouais, c'est bon. Donne une clope, là. On va aller fumer quelque part. Vas-y, bah ouais. Vas-y, viens, on y va. Je te suis, Regardez, on a fermé ici aussi. Vas-y, vite, balance. Vas-y, attendez, je vous donne une cigarette chacun. T'as roule, Momo. Ouais, de quoi sous-sauter les mecs, hein. Les gars, la pause de 45 minutes, on va aller dans l'ascenseur. Non, mais bon, il a trouvé l'électricité. Attends, je vais l'appeler. Ouais, donne-moi toujours, je vais l'appeler, boutonneux. Tiens, vas-y, je vous donne le briquet, tiens. Vas-y, je te donne le briquet pour que t'allumes, après tu le passes à Paul de Carotte, et Paul de Carotte après il me le repasse, t'as vu? Ouais, t'as roule. Putain, il répond pas, le gars! Allez, il répond! Putain, il est où encore? Il est en train de trafiquer le truc, à mon avis, là. Il est rentré, je suis sûr qu'il est rentré dans le dortoir. Allez, basse le briquet, là, mais il est chelou, boutonneux, quand même, la vérité. Allume ton cigarette! C'est Ping-Tong qui l'a. Vas-y, oh, Ping-Tong, t'es en train de attends. Ouais, t'as raison, il cache. Oh, ah ouais, tu caches ton cigarette côté de téléphone. T'as ah bah, mon téléphone, frère, bah oui, bien sûr. Vite, faut qu'on fasse vite, s'il y a un surveillant qui arrive, on est dans la merde. Mais c'est bien un chinois, lui, hein. En plus, tu peux bouger avec le cigarette, ouais, c'est lourd. Tiens, t'as eu? Ouais, merci frère. Allez, on fume, les gars, vite. Attraper, mon là, téléphone, frère, c'est tellement discret. Là, tu reconnais les chinois, toi. Rendez-moi le briquet après, wesh. Moi aussi, je vais en fumer une. C'est mon briquet. C'est la première fois que tu fumes ou quoi, Paul de Carotte? Ouais, j'aime ça, putain. Oh putain, boutonneux m'appelle. Wesh, frérot, t'es où? Toi, t'es où? On est en train de fumer une clope, nous. On s'est mis dans un petit coin, on est en train de fumer. Et t'arrives. Vas-y, t'es où, là? Mais on est au fond, à côté du salle de sport, là. On est là-bas. Et t'as réussi à actionner l'ascenseur? T'as réussi à mettre le truc électricité dont tu m'as parlé là? Mec, je me suis filé avec le blond là. Je me cherchais, attends un peu. Viens au fond. Vas-y, j'arrive. Vas-y. Oh, merci Tunzi. Ah. Merci mais Kevin. Mais en vrai, t'as pas remarqué, il pue de la gueule. Il pue de la gueule, c'est horrible. Comment il pue de la gueule, Wiggy? Ouais, c'est vrai, mais il y en a plusieurs dans la classe. J'ai putain, trouvé, mon vois, téléphone propre, il est pas si propre que ça, frère. Il est bloqué, ouais. Vas-y, t'as pas une autre cigarette? Il y a quelqu'un, il y a... C'est boutonneux qui arrive. Paul de Carotte, tu vas pas me taxer toutes mes cigarettes, ouais, je t'as cru quoi? Hey, toi aussi, Paul de Carotte, t'as ton téléphone qui reste à ta main. Qu'est-ce que tu portes là? Ouais, mais c'est pour cacher la cigarette. Vas-y, une dernière, là, j'ai pas pu l'apprécier, là. Passe la cigarette, ouais, et les briquets. Une dernière, frère. Vas-y, c'est la dernière, hein. J'en ai que 10, hein. Ah, et vas-y, ça y est, il vient de fumer là. Mais il où t'as eu ça? Mais c'est qui va donne va ça, frère? C'est qui donne les cigarettes? C'est Luigi. C'est Luigi m'a donné, wesh. Mais mec, c'est un fou, lui. Je sais pas c'est quoi son problème. Viens, on le balance, on se fait des couilles en or.
d'avoue mec. Mais non, on fait du chantage, on lui dit ouais, on lui dit ouais, on te balance et puis ouais, ouais, tu... oh, ouais. Vas-y, attends. Balance le briquet, ouais, le briquet. On lui, arrête, t'as vu. On lui ouais. dit tu nous donnes toute ta thune ou sinon on balance que tu nous as pas des clopes. Les... Merci Tounzi, t'as un briquet. Le briquet, il s'appelle Reviens. Je te le dis direct. Je garde le briquet moi. Moi, je... regarde, moi j'ai mis mon téléphone dans la map pour qu'on voit. Ouais, t'as vu comment ça marche bien? Comme ça, on voit même pas gros, c'est collé là, c'est grave bien. Meilleure technique, frère. Bon, Audrey, t'es en train de laisser ton téléphone, ouais, mais. Pas, ouais. Pas besoin de faire ça, ouais, tranquille. Faites gaffe, les gars, y'a un pion juste derrière. Oh, y'a un pion là. C'est bon, t'as pas vu. Vas-y, dépêche-toi de finir. Goûte 2! Fini. Goûte 2! Putain, sa feuille m'appelle! Ouais, je suis là, boutonneux, là, derrière toi. Là, à côté de grillage, on est là. Fais le gardien à vélo. Ok, merci, mec. Pèse de Golemon. Il est aveugle. Hein. Il nous a vu là. Il a dit, fais gaffe. Il y a le gardien, apparemment. Vas-y, viens, on bouge. Viens. On bouge, on va le voir. Moi, je vais faire un petit tour. C'est stylé, on se balade avec des vélos. On dirait des... Qu'est-ce que tu fais, frère? Allô? Allô, quoi de neuf? Mais enculé, putain. Ouais, j'étais là. Ah, mais tiens, c'est pas lui, ça. C'est son double. C'est son double maléfique. C'est pas lui, ça vient. Il est là-bas. Putain, je parlais à PNJ, frère. Ouais, frérot. Alors, quoi de neuf? Tu as actionné l'ascenseur? Viens. Mec, j'ai... L'ascenseur. J'ai allumé tout ce que j'ai vu, j'ai allumé. Après, je sais pas si ça va marcher. Mais y'a les boutons pour descendre, t'as réussi à mettre les boutons, toi t'es un génie de l'informatique là. T'as réussi à mettre les boutons. La plaque elle est mise, maintenant je sais pas si ça marche. Mais quelle heure on va à quelle heure? J'ai remis après. Là t'es en train de me dire qu'on peut aller dans l'ascenseur, frère, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache? T'es parti voir, t'as pas essayé, mais t'es fou ou quoi? Je sais pas ça marche, je sais pas. Qu'est-ce j'ai qu'on fait? J'ai tout allumé, ce qui était éteint, j'ai allumé, autant on, une on va après les cours ou? Parce que la nuit là c'est risqué. On va après les cours? Ah oui, non. Ils sont partout. Les gars, il a réussi, putain, c'est un génie. T'es un génie, frère, mais partout. T'es sûr que ça marche? Non, je suis pas sûr. Mais viens, on va voir les autres, viens. Prends un BMX, vas-y, frère. Le vélo. Ah ouais, t'es fou, toi. Oh, poil de carotte. C'est... Oui? Mais je fais rien, monsieur, c'est mon vélo pour me... C'est, je vais pas au skatepark. Quand on te dit stop avec le vélo. Mais monsieur, c'est pour nous balader vélo, dans la cour, pour se parler, c'est mieux. Pour se rejoindre. Non. Mais regarde-le là. Ranger. Oh putain. Va le ranger, dépêche-toi. Prochaine récré, vous aurez plus de temps. Vous allez pas faire que du vélo, on est dans une cour de récréation. D'accord. Monsieur. Je peux vous parler, oui. Vite fait. Dites-moi. Apparemment, vous avez donné des cigarettes à des gens. Oui. Vous êtes. Ils vous ont vu, ils vous ont vu fumer. Ah, vous donnez comme ça des cigarettes, vous? Mais si non, le. Non, j'ai donné à votre tata. J'ai donné à ton pote Momo là. Il mais tu vas avoir. Moi, mais si il te balance, tu vas avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Mais si. Mais s'il me balance, moi j'aurai des problèmes. Mais lui aussi il va avoir des problèmes. T'as pas compris ou quoi? Mais vous êtes gentil au fond alors. Et même toi, si tu me balances, tu vas avoir des problèmes, t'as compris? Mais vous êtes gentil, au fond, là. Et bien sûr, tiens, je vais t'en donner, mais tu fermes ta bouche. D'accord. Ah. Mais qu'est-ce qu'il monsieur fait, lui? Pourquoi il nous écoute? Oh, les puceaux, vous je m'appelle décalez, pas là. Le hérisson, déjà, donc le roux, tu vas vous te décaler. Vous décalez, là, les puceaux. Oh, les puceaux, tout pas. Ah, mais l'hérisson, il est là, l'hérisson, on peut te parler, après? S'il te plaît. Et pourquoi il fait des pompes, monsieur prof, là-bas, wesh? T'es un ouf, lui. Merci. Monsieur, l'hérisson, on peut te parler? Ouais. On devrait le parler, attends, l'hérisson. Attends.
Hein, on devrait le parler, non? On avait un truc à lui dire, l'hérisson. On va le niquer sa race, les gars, Vous l'avez vu, le hérisson, là-bas? On va le niquer sa race. On le met loin, l'encol. On le fait croire qu'on veut être pote avec lui, et on l'emmène dans un coin, et on tabasse, on nique sa race. Vas-y, dis-lui. On lui fait bouffer les fils. Le deuxième frein, c'est pour sa gueule. Il est passé au boutonnet, wesh. Eh, lui, à chaque fois, il disparaît. Il est là. Non, il a fait le truc, là. L'ascenseur. Il a trouvé le truc. Ah ouais, c'est vrai, ouais. T'inquiète, on t'explique là, le russe. On t'explique là. Vas-y, cool. Ouais, il a dit qu'il demandait un truc au pop, il arrive. Okay. Il a demandé un truc au pop. T'es qui, toi? Lui, c'est qui? Je suis son frère. Frère de qui? Frère de qui? Le frère hérisson. Ah, d'accord, bah, pas de soucis. Le hérisson, mais wesh. Le hérisson, mais de quoi vous parlez, les gars? Pas de soucis, mais on peut parler à l'hérisson, on va pas parler à son frère. Ouais, on veut parler à l'hérisson. On a un truc pour lui. Frérot, y'a pas de problème. T'en bats les couilles de toi, frère, t'as pas compris. Vas-y, bouge, va l'appeler. Non, on va voir le hérisson. Y'a un bruit. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Vous êtes tellement musclé que vos lins, votre vêtement ont déchiré. Non. Elle est vieille. Merci Romain. Petit salut de la possession super le RP. Merci Romain, mon pote. Ah ouais, en plus il sent pas très bon. Tu devrais te laver, mon frère. C'est du pic, mon père. Il l'a lâché. Il est parti bosser chez les flics. Ça paye moins. Viens. Ça y est. Viens, l'hérisson. Ok, viens. On va parler là. Attends, faut que je parle au hérisson. Ouais. De carottes, oui. Et ping-pong. Merci, oui. Merci. Vous connaissez un élève qui s'appelle Enzo Telco? Non, pas du tout, on connaît pas. Venez, je dois vous parler, Paul de carotte et de ping-pong. C'est moi sur ça, je m'occupe d'eux. Attendez, on finit un truc, non? Ah bon, bah attendez. On finit un truc, on arrive. Hérisson, reste ici, bouge pas, on arrive, on a un truc. Putain, on aura pas le temps de le tabasser. Enzo Telco, là, il veut vous faire des problèmes. Et j'en ai rien à faire de vous. C'est pas ça mon but. Ouais. Le problème, c'est que je vais toucher mon petit business là, avec vous, là. Ouais, avec nous, tu vas avoir des couilles en or. Il ressemble à quoi déjà ce... Il est aussi moche que vous, c'est pas ça le problème. Comme vous alors. Comme vous et nous. Non. Monsieur, qu'on lui règle pas de soucis, monsieur. Problème. Là, on va régler un problème, on va le régler son problème aussi. Promis, monsieur. Et après, on aura des cigarettes en échange. Des cigarettes. On pourra avoir des cigarettes, oui. Il m'a donné. Vous allez vous faire des couilles en or, hein, puis vous allez avec nous passer un peu de temps. Vous vendez. Par contre, surveillez ton langage ping-pong. Vous ramenez l'argent. Grave bizarre, vas-y, viens, on va parler, hérisson. Mais il est où le russe? Tyrus, il est où, Tyrus? Tyrus, il est où? Viens. Arrête. Il est là-bas. Viens, regardez. Viens, Tyrus, on va parler, sera plus viens. Tard. On va le niquer sa race, mec. Putain, bon, les gars, ouais, si vous avez quelqu'un qui a tabassé, vous voyez Costa, c'est mon pote. Il vient de me bloquer un mec. Il vient de me bloquer un mec et j'ai pu le passer gratos. C'est un bon gars. Ouais, hérisson, viens, on a un truc à te proposer. T'as besoin, tu veux des cigarettes? Viens. Ah, c'est bon, moi je fume pas. Viens vite là. Tu veux du shit? Viens par là. Viens vite, on va parler business. Eh, vas-y, viens, on va du bon shit, ça. Vas-y, ramène ta gueule, t'inquiète pas. Venez dans un coin. Viens, on va parler. Viens, on va parler. Ça m'intéresse pas le business, vas-y, des mecs. Mais viens, là, putain sa go, lui. C'est pire qu'une go, je te jure. Ouais, putain. Ah, vous voulez faire un business? C'est bon, vous voulez faire un business? Oui, on a besoin des... Vas-y, dépêche-toi. Bah, on va parler à mon petit frère, lui il aime bien le business. Tu comprends pas quand je parle? Oh, c'est un botch. Tombez-le, la vérité. Nique-le, Saras. Chopez-le, plaque-le. Putain, le mec, il a un groupe sur lui, il tape le mec. Regarde, il se fait entourer. Ah, il est niqué. Oh non. Oh, derrière toi, il y a hérisson, frère. Vas-y, le mec il veut faire le faux, il a 5 personnes sur lui, il veut faire le faux, c'est quoi ça? Nique-le, achevez-le les gars. Achevez-le. Lui? Non, pas lui. Ah, faites. Non, non, frère, oh putain, chinois, doucement. Putain, fais... Oh. Putain, lui. Oh, aïe! Faites gaffe, y'a les flics! Ah, mais arrêtez! Au secours! Wesh!
Non, on est tous KO. Costa, faut que je te parle. Hérisson, c'est un ouf. Il veut nous faire des trucs. Vous faites trop les malins avec moi. Vous étiez à 5 contre moi, je vous ai tous niqué. Ouais. Costa, attends, il y a un avec lui. Oh putain, attends. Y'a les flics. Oh putain, y'a les flics. Y'a les... On se casse, arrive, ouais. On se casse. Oh putain, mais comment vous courez aussi vite? Le mec, il est pas RP. On a 4, on a 5 personnes sur lui. Normalement, tu joues RP, tu dois pas taper. On est d'accord, les gars. Il a 5 personnes sur lui. On est un groupe. Il doit se laisser faire, il doit pas faire discuter. J'ai plus ma lampe, je suis mort tout à l'heure, là, j'ai plus ma lampe. J'aurais tapé avec une lampe là, putain. L'autre il a un pied de biche. Wow, merci Solal. Bienvenue à toi, mon pote Solal. Bienvenue dans le gang, dans la team HyperMX. Ils sont où, wesh? Vous êtes chumeau ou quoi? Pas, mes parents m'ont pas dit. J'ai eu un souci, j'étais à l'hôpital. Avant j'avais des violons, mais là. Visiblement, ils ont... Monsieur. Il y a un pédophile là. Ils sont où? Bah non, ça va. Comment ça, un pédophile? Ah, ils sont là-bas. Arrêtez! Les gars! Y'a tes collègues là-bas. On va régler son compte. On va régler son compte après les cours, vous inquiétez pas. J'ai un pied de biche. Je vais voir quoi. Y'a mon pote qui a un pied de biche, je vais lui mettre un. Pied de biche dans sa gueule, ce qu'on a! Y'a moyen d'avoir du stuff! Viens! Où t'as pris le pied de biche? Tu l'as pris où? Wesh, boutonneux! Les gars, on va le niquer, les rissons, putain! Il a fait trop le malin, on était 5 sur lui, il nous tape, il est con, quoi! Il faut. Où tu l'as pris le masque Géro? Regarde le marteau, putain! Vas-y, à la fin des cours, non, à la récré de 45 minutes là, après, à manger, là, on l'en tout, on lui met une patate, on le met, on le sèche à terre! Tu vois, le pied de biche, il a sorti de ton queue, quoi! Et apparemment, y'a un professeur qui m'a dit, Enzo nous veut du mal! Enzo, je sais pas quoi là, il a dit qu'il nous veut du mal. Lui aussi, faut le faire c'est gaffe. Qui Enzo, wesh? Je sais pas c'est qui, c'est moi. Qui, je sais pas c'est qui, mon frère. Il est où, chinois? Ah, mais Enzo, je sais c'est qui, c'est celui avec la crête non, avec la crête brune. Les gars, attendez. Là-bas, je te montre, viens. Hier, yeah, on a réussi. J'ai compris. Vas-y, Greg, on parlera tout à l'heure, on va vous expliquer. On se rejoint, j'ai un bail là pour l'avoir, l'autre. Bah, nickel. Allez, let's go là. Luigi. J'ai même pas vu quel coup on avait, les gars, c'était écrit quoi comme coup pour le classement? Quoi de médecine? Et c'est qui le gars torse nu là, wesh? Il est absent, le proviseur. Bah, celui qui est torse nu, c'est qui a dit ça? C'est Momo, hein, si j'ai reconnu la voix. Ah ouais, t'es là. Ouais, c'est moi. Bah, il a volé une voiture et du coup, bah, il se retrouve dans cet état là, quoi. Vas-y, ah, ouais, gros, t'as plein de canettes, vol des voitures et tout. Lâche-toi. À 3000 likes, on fait du sale à l'infirmier, ok, vas-y. Allez, on commence à se ranger les petits. Il est où ping-pong, wesh? Il est où ping-pong? Ah, ouais, bah oui, mais il était à la route du. Non, il fabrique des iPhones, la ping-pong. Bon, on se calme. Un peu de discipline, on va monter en cours de médecine. Alors, votre professeur, il n'a pas pu préparer son cours aujourd'hui, donc je vais faire un cours de médecine parce que j'étais moi-même médecin en Afrique quand j'étais plus jeune. Ok, cool, c'est la vie. On vous suit. Oh, c'est vrai. Allez, on va monter. Vous allez faire des invocations vaudou. Vous allez sortir votre serpent, monsieur le proviseur. Faut que je te parle en dessous. Ah ouais, non, c'était pas un serpent, c'est plus un arbre à moi. Ouh. T'allumes. C'est chiant ce bug, on a réglé pour autant. Nawak savait monter le point, mais c'est revenu normal. Voilà. Ouah, les petits, est-ce que vous avez été sages au moins, les petits, là, au début du coup? Oui! Je vais y aller avant, y'a plus de place, frère! Moi, je me mets au fond, wesh! Ping-pong, c'est ta place, ça! Voilà! Ah, ouais, comme d'hab! Oh, d'accord. Vous dans le calme. Mais qu'est-ce qu'il fait là, hérisson? Pas dans notre classe, lui?
Ouais, on est en classe maintenant. Ah non, mais là c'est cool, assembler là parce que cet après-midi là on va faire une sortie. La ferme le roue. On va vous amener faire du vélo là. D'accord. Bon voilà, là je suis là en tant que professeur remplaçant parce que votre professeur, monsieur Chalet-Haussement, il avait des papiers à l'administratif à faire. Là, il a pas pu préparer le coup. Donc moi-même, comme je vous ai dit, j'étais moi-même médecin en Afrique là quand j'étais plus jeune. Je faisais la médecine pour dames que pour les dames. Voilà. Et donc je vais. Ça va parler de vaudou? Ah non, pas du vaudou. Ah, c'était plus la médecine en profondeur sur les dames, mais je peux pas trop vous raconter les petits. Ah, monsieur, on veut savoir, monsieur, on veut savoir. Bah oui, on veut savoir. Ah oui, non, il a raison, non, 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 on veut savoir. Ah non, 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 on veut savoir tout en détail. Ah non, non, non. Bon, bref. C'est chaud, je vais vous raconter un petit peu. Alors, on va. Ouais, c'est un petit peu constant, c'est un petit peu chaud à l'intérieur, ouais. Bon, bref, arrêtez, bref. Ouais. En fait, je voulais d'abord vous faire un coup de bouche à bouche, mais bon. Hier, je suis retour à la maison. Non, c'est pas possible avec moi parce que hier, je suis retour à la maison. Vous savez, il y a madame Jeffrey à la maison, madame Picao à la maison. Ah oui. Elle était à la maison. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a téléphoné à madame. Elle m'a dit. Monsieur le directeur, désolé. Oui. Juste un truc. Oui. Arrête de couper la parole. Si vous avez besoin, monsieur le directeur, pour l'exercice bouche à bouche, je me porte volontaire pour le refaire. Non, bref, et d'ailleurs, elle m'a tapé l'infirmière, elle m'a dit. Bon, bref. Oh my bon, god. Alors, je vais faire commencer le cours. Donc, le cours, début du cours, qu'est-ce que vous faites, les petits enfants, quand vous voyez quelqu'un, il est par terre, là. Hop, il est par terre, il bouge plus. Premièrement, on fait moi, quoi? Moi, je sais. Allez, toi, dis-moi. On prend non, Snap. C'est pas bon, ça. Oh, d'accord. Non, faut pas. Alors, dis-moi, toi. On appelle une ambulance. On fait quoi? D'abord il faut regarder si la personne est respire, parce que si elle respire encore, on peut peut-être prendre des petites claques, comme ça, petites claques pour voir si... Hey, réveille-toi là, debout. Sur ses fesses. Voilà, peut-être. C'est une super méthode, ça. Ouais, sur les fesses. Est-ce qu'elle a pas la peur, madame Jeffrey? Ouais, là, madame Jeffrey, elle a pas fait sur mes fesses, elle a tapé dans ma tête avec le bâton, mais bon. Bref. Oh merde. Oh, c'est une vilaine dame, hein. Ouais. Bon, bref. Vous avez aimé ça, monsieur le directeur, ou pas? Eh, tu l'as Picali? Moi, j'aime pas quand madame Picao tape à moi. Est-ce que vous en avez demandé? Ah non. Eh, vous allez voir, quand madame va venir, vous allez voir où elle est. Elle va tous vous taper, hein. Ici, moi, c'est une maman, ma petite dame. Maman, elle va taper tout le monde. Elle va dire, oui, qui c'est les problèmes là? Bon, bref, allez, on continue, les petits. Allez, qu'est-ce que tu veux, petit chinois? Ouais, mais vous l'expliquez, qu'est-ce qu'on fait, puis on voit une personne qui est à terre. Pas la suite de la quelconque, quoi. Alors, tu envoies une personne, voilà, on met ta tête un peu en arrière, elle respire, puis vraiment elle est blessée, on la met en PLS, et après on appelle les plantes avec le 911. Tout à fait, alors la réponse exacte c'était, on regarde si elle respire, on dégage les voies respiratoires, c'est-à-dire on défait la cravate, tout ça, on défait la ceinture, on regarde si elle respire bien le monsieur ou la dame. On met en position la terroire de sécurité, voilà tout ça. On met en position la terroire de sécurité et après on appelle l'ambulance. Allô, le 911, ici monsieur Picao, il y a devant moi quelqu'un d'inconscient. Je vous signale qu'il faut venir de suite, il faut venir à cette adresse. Vous donnez vite l'adresse où vous êtes, au cas où le téléphone il va couper. Hop. Qui est chaud pour l'event après le live d'iPro Discord? Voilà. Ah oui, après on va se retrouver tous sur Discord, les gars. C'est la fête, c'est les 1 an Discord. C'est les 1 an Discord, on va faire la fête sur Discord, les gars. Plein de cadeaux à gagner. Mais on regarde si elle est consciente ou inconsciente. On la met en PLS. Matas Kardak. On la tape. Mettez un doigt dessus, qui comment pas avec l'alcool? Non, si la personne est respire pas, on ne met pas en PLS. Il faut faire quelque chose, les petits. Moi. Allez, dis-moi toi là-bas, là. Nicolas. Massage cardiaque. Nicolas. Non, Nicolas, là-bas, non. Peut-être tu vas pas me dire une connerie. Mais tu vas juste... Non, je Nicolas, toile sur moi. Toi, j'en ai rien à foutre. Bon, bref. Faut faire du bouche. Toi, là-bas.
Et c'est une prison, on peut même pas pisser. Mais qu'est-ce qu'il fait Nicolas, lui? Nicolas, il file comme le vent. Nicolas, il peut pas aller pisser parce que sinon je vais le retrouver comédien, à New York. Bon, ouais. Désolé, j'ai fait un petit mal. Monsieur, je peux accompagner Nicolas si vous voulez, comme ça. Non, ouest de la classe. Bon, dis-moi, toi, qu'est-ce qu'on fait si la personne est aussi pupille? Parce qu'avec vous, elle est pupille depuis longtemps. Hein. Ah, ça fait du bouche à bouche. Du bouche à bouche. On fait un massage cardiaque. Bout à bout, cardiaque. On fait trois massages cardiaques, trois compressions, et après, hop, on fait le bouche à bouche. La bouche à bouche, elle est où, madame l'infirmière? Elle est partie? Prenez monsieur Luigi, il a dit qu'il se proposait. Je peux aller le chercher! Je peux l'accompagner! Y'a moyen qu'on aille tous voir l'infirmière, s'il vous plaît? D'accord. Non, monsieur Luigi va chercher, je crois. Elle a des bons likes, madame l'infirmière, monsieur Luigi. Déjà, les gars. Hey, Yaboutonneux, il est sorti! Yaboutonneux, il sort de la classe! Oui, la vite dans la classe là! Dépêche-toi! C'est pour accompagner! Mais qu'est-ce que ça fait? Merci tout de suite! Donc, qui veut faire le bouche à bouche là? Voilà, il faut un volontaire pour faire le bouche à bouche avec monsieur Luigi! Monsieur. Avec Luigi, c'est bon pour moi! Toi, poil de carotte! Allez, le bouche. Parle de carotte, t'es sérieux, gros? T'as baissé dans mon estime, frère. Je suis désolé. Attends, je prends une photo. Ouais, non, ça veut dire si quelqu'un est au c'est pas une jolie dame. Je vais prendre un snap. Vous faites pas bouche à bouche, vous êtes comme ça, les petits. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Jolie dame, pas de bouche à bouche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est malade? On va lui faire le bouche à bouche. Non. Il faut lui faire le bouche à bouche, là. Hop, moi je vais. C'est pas avec l'infirmière? Non, frère. Ah, je mets pas mes lèvres sur ses lèvres, moi, vous êtes fou. J'ai pas envie d'avoir des yeux comme lui, moi. Frère, c'est trop tard maintenant. Comme je dis à tes camarades, si c'est pas une jolie bomba, une bomba d'Afrique, là, tu lui fais pas bouche à bouche. Oh putain. Alors, c'est comme ça qu'il va mourir, le monsieur. N'oubliez pas que même si c'est des messieurs, il va mourir. Même si c'est des messieurs. Vous prenez pas des photos, hein. Putain. Ah non, le pauvre qui prend une photo, je lui baisse la culotte. Ah, moi. La culotte, carrément. Il m'a pris pas la langue, comment il a fait avec mademoiselle l'infirmière. Allez, vas-y. Ah, arrête tes conneries, putain. Putain, il m'a mis de la langue, putain. Dégueulasse. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui vient de se passer? T'as baissé dans mon estime, poil de carotte. Non. Poil de carotte a embrassé, J'ai filmé en plus, Momo, il veut le faire. Momo, il veut le faire sur Snap direct. Allez, Momo, ça va sur Snap. Allez, Momo, Momo, tu vas prendre trop cher. Allez, Momo, vas-y. Allez, Momo, vas-y. On va prendre. Regardez, le petit Nicolas et Momo, vous allez faire tous les deux la démonstration maintenant. Allez, vas-y, wesh, vous êtes sérieux, mais. Allez, Nicolas, debout. Allez, Momo. Allez, Momo. Putain. Allez, Momo. Le premier sort son téléphone, je le nique. Est-ce que Momo, il peut faire la PLS sur les gens? Allez, Momo, vas-y. Sérieusement. Allez, Momo. Allez, Momo, je filme ça. Allez, Momo. Allez, on regarde. Bon d'accord, Nicolas il veut pas se lever, on lui réserve quelque chose. Allez, Kamel, tu vas venir aussi. Pardon, mon petit Nagano, tu vas venir aussi, tu vas faire aussi. Comment ça, moi je fais pas, moi. Moi c'est pas possible. Ouais. J'ai des allergies. Les poils de barbe, ça m'irrite. Ton papa il m'a dit... Allez, Momo. Si vous voulez, je vous organise un petit entretien avec votre papa. Il va faire construire autre chose dans les cages, si vous voulez, mais je fais pas des bisous. Non, justement, ton papa il m'a dit que tu vas faire ça, grand médecin. Alors vas-y, faut venir. Ok. Le premier qui balance la vérité, il prend trop cher. Allez, Momo. Non, je peux pas, les gars. Il pue trop de la gueule. Non, c'est... Oh putain. Un frident, s'il te plaît. Laisse-le mourir, c'est pas grave, laisse-le mourir. Bon, t'es à quoi là? Je lui mets frident. J'ai 3000 likes. Ah, merci. Maintenant, bon. Attention. Il y a trop de Non, c'est pas possible. Bon, ça va pas te dire quoi. Allez, Momo. Oh, non, je peux pas. Oh putain, il pue de la gueule sa mère, wesh. Oh, je peux pas, non. Vous sentez pas. Oh, je peux pas, j'ai trop mal. Vous sentez pas, c'est bon, je suis en PLS, frère, il pue trop de la gueule. On va tourner en classe.
Pauvre infirmière. Exemple, Momo là. Pauvre infirmière. Momo, gua champion. Ah non. Ah, oh, vous êtes des tortueurs. J'ai besoin de voir l'infirmière, monsieur le directeur. Luigi, fais-lui une bouche à bouche, Luigi. Je suis pas bien. Luigi, t'approches pas de moi, ma tête. Là, ce que je suis en train de voir, c'est que le cours est en train de partir en sucette. Ouais, pas compris, en fait. Bah, c'est avec. Allez, on va faire n'importe quoi. Bah, nous, on a compris, c'est votre haleine. Ça part en prudent. Bon, on va manger plus de chewing-gum. On en parle de ton haleine là. T'as mangé des curlés? Non, lui, il peut pas la gueule. Bah, ouais, moi, je bouge. Il a mangé des curlés. Non, je mange 3 fois par jour, moi. Bah oui. Bon, allez, s'il vous plaît, je veux continuer le coup. Merci. Allez, on continue. Bref. Bon, maintenant, on va dire que vous êtes devenus des médecins. Hop. Vous arrivez donc devant une victime. Elle est debout, mais elle saigne beaucoup. Explique-moi. Alors, on va prendre un autre. On va prendre, ben, tiens, mon petit Nagano, là. Dis-moi. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais? La personne saigne beaucoup, là. Elle se rappelle pas grand-chose. Elle est en train de mâcher sur la rue. Elle va chez le médecin. J'ai pété les gars. C'est toi le médecin, mon petit, je crois. Arrêtez de me dire n'importe quoi, les gars. Actuellement, j'ai encore la tête qui tourne de la laine de Luigi. Allez, dis-moi alors. Réfléchis là, dis-moi. Ah, si c'est beaucoup, on fait un petit Nagano qui va répondre. 3000 likes, on va faire du sale à l'infirmière pendant la tête, vite, on appelle les urgences directes déjà parce que moi je vais pas faire grand chose. On va faire du sale à l'infirmière, les gars, d'accord. On va la kidnapper. Au médecin, mon petit, bientôt. On va l'amener dans ma chambre. On va l'amener dans ma chambre, l'infirmière. Moi, je suis par les équipes de commerce. Moi, dans le compte de mes commerce. Bon, d'accord, alors toi là, dis-moi toi. Ah, trop bien. On va l'emmener dans ma chambre, les gars. Sur la plaie avec un tissu propre de préférence. Ouais. N'oubliez pas pour les rapports. Pour les rapports sexuels, toujours se protéger. Ouais, quand vous êtes des médecins, n'oubliez pas. J'avoue, quand vous êtes des médecins, vous avez du matériel dans l'hôpital. Je vais pas péter, après tout le monde va faire pareil, ça va partir en couille, les gars. Tout le monde. Et elle pour faire la pointe compression quand vous avez dit monsieur là. Viol là, arrêtez de dire n'importe quoi, les gars, vous êtes fous et vous êtes violent vous. Donc pour le monsieur là, vous l'avez donc soigné à la tête. Et après vous dites là, vous faut poser des questions, on lui demande quoi monsieur là, dites-moi. On demande quoi monsieur? S'il va bien. Ouais, déjà s'il va bien. Après son nom, son prénom et s'il a de l'argent aussi. Comment ça s'il a de l'argent? Pourquoi s'il a de l'argent? Tu veux lui faire les poches toi petit? Voleur. Ah non, c'est pour qu'il puisse payer les factures, hein, parce qu'après l'hôpital est ruiné. Oh le mec, vous avez de l'argent, on vous soigne, vous en avez pas, on vous laisse crever. Ah ouais, t'as tout compris. Ah c'est dur comme méthode. Là, bon bref, je vais vous expliquer les petits. Donc, la bonne méthode, c'est, on dit, bon monsieur, vous trouvez où, là, on est dans quelle ville? Parce que si le monsieur, il vous dit, là, on est à Cuba, il y a un problème, là, parce que si on est à Los Santos, on n'est pas à Cuba. Voilà, après vous dites, par exemple... Ouais, d'accord, mais là, je crois toi un peu t'embarquer directement à l'hôpital. Vas-y, je m'évanouis, juste pour vous lire. Bon, bref. Non. Bon, ensuite, après, vous lui dites, voilà, donc, si c'est Willy, c'est plutôt... Ah, vous regardez, là. Infirmière, on a besoin de vous, là. Infirmière. Vous êtes des bâtards, juste pour toi, le crime, parce que j'oublie pas ce que t'as fait, l'autre fois, là. Ah tu ouais, m'as mis en PLS, aussi, là, donc juste pour toi, le crime, je le fais. Vite, juste pour toi, le crime. Mais aidez-le, Pili. Tu m'as mis en PLS. Oh, comment ça dommage, Yoru. Oh, mettez pas votre fesse dans sa tête. Donnez-lui un petit sucre. Le sauvez pas, il est roux. Ah, c'est bol de carotte, comme par hasard. Ben non, c'est pas déshydraté. Il a fait trop de Big Mac, ça, c'est trop de Big Mac, moi, je vous le dis. Faut faire le bout à bout à Matascarda comme il a dit monsieur Defray. Les gars, vous me faites faire n'importe quoi, les gars, les abonnés. Vous faites faire le bout à Matascarda, tout, la totale. Hein. Je vais vous donner la parole à la fin du coup, monsieur Hugo. Ah, c'est... merci, monsieur. Moteur provident. Oh putain. Ah voilà, le ça petit, voilà. C'est bon. Allez, on continue, on continue maintenant. Voilà. Parce que le coup, il va bientôt finir. J'ai encore plein de choses à vous apprendre. Ah, pas maintenant, petit là. Oh putain, moi, ah si, examinez-le, peut-être qu'il est tombé sur la tête. Regarde, l'infirmière m'a dit de venir. Mon sucre, il est à l'infirmerie. Bon, allez, amenez-lui le sucre alors. Amenez-le, prenez le petit, prenez-le. Ok, bon, va à l'infirmerie. Et pas de bouche à bouche en secret là-bas. Moi, j'ai un hamburger. Du bouche à bouche. Vous devez l'accompagner avec l'infirmière si vous voulez, monsieur le promoteur. Ouais, wow, c'est moi aussi je peux l'amener. Ouais,
Ouais, moi aussi, je peux l'amener aussi. Ça va, t'as pas trop mal? Si, j'ai un peu mal. C'est qui lui? C'est qui lui? Lui? Oh. Encore un petit don, merci Tunzi, t'as un fou. Madame? Vas-y, ferme ta bouche, toi, on est occupé là. Allez. Bon. Ferme ta bouche. Silence! Oui. Alors? J'étais pas bien. Je te donne du sucre et. On peut se donner rendez-vous dans ma chambre à la récré. J'ai un truc à vous montrer. Quoi faire? Mais j'ai un truc à vous montrer. Vous venez à la récré, on va aller au dortoir. J'ai un truc à vous montrer. Bah, fais-moi voir là. Mais non, il est dans ma chambre, dans mon sac à dos. Je l'ai fait exprès pour vous. Bah, t'as qu'à aller le chercher et tu me ramènes à mon bureau. Bah non, il faut que vous venez. J'ai envie de vous montrer. C'est un truc que je peux pas déplacer. C'est pas chance, frérot, pas chance. D'accord. D'accord, bonne chance. Si tu veux. Ah, ferme ta bouche, pourquoi il a pas parlé lui? Pourquoi il est là? Pourquoi je le vois dans les airs? Ouais, d'accord, on fait comme ça. Ouais. T'as ta tête, bah, toi, si vous veux. Et moi, t'as ta tête. Vous venez, vous pouvez me donner votre numéro et après je vous appelle et pour vous me trouver. J'ai pas acheté de téléphone encore. Mais allez. J'ai pas de téléphone, je te dis. Mais allez. Tu vas pas pleurer. Non, mais voilà. Où est-ce qu'on se retrouve alors? Bah, je sais pas moi, devant le dortoir. Vu que c'est là-bas que tu veux me faire. Mais vous venez tout seul. Tout seul. Hein. Tout seul. Ok. D'accord, j'emmènerai pas le mécano. Cool. D'accord. Tout seul. Merci. Okay. Attendez, j'ai un truc pour vous là. On va le faire un câlin. Ça, c'est parce que vous êtes trop gentil. Non. Mais non, c'est un câlin. Entre l'infirmière et l'élève, non. Pourquoi vous allez aller en prison? Désolée, mais. Bah ouais, on n'a pas le droit de faire ça avec les élèves. Mais moi, j'ai un gros cacahuète, moi. Ah, mais. Ça me regarde pas tout ça, mais. Voilà quoi. Entre les élèves, tu peux faire avec. Toi, t'as un joli pistache. De ton âge, mais pas avec moi. Je peux voir votre pistache? Non, ça ira. C'est privé, ça, petit. D'accord. Rendez-vous tout à l'heure. Merde. Ok, mais après, rendez-vous quand, si. Attends, je fais le malade. Vas-y. C'est le principal. Ah, merci. Oui? Oui, monsieur le directeur. Ouais. Simplement pour vous dire, là, il faut... Ah, merde. Il faut amener... Après le petit, là, il faut l'amener, là, parce que les surveillants ont décidé de fouiller tous les élèves. Ah ouais? Pourquoi? Monsieur le principal, monsieur le principal. Ah, je sais pas tout, moi. D'accord. Moi, j'ai... Monsieur. Oh, putain. Principal. Mais ferme ta bouche, toi, t'es puni. Je veux savoir pourquoi je suis... Mais pourquoi alors, il est dans les airs? Je sais pas, on m'a mis comme ça. Je sais pas, il doit avoir des petites... Eh, hey, Minette ah, ouais. Oh merde. Ouais. Il y avait un petit problème, bah... Hey, arrêtez de me menoter, là. Pourquoi attaché? Ouais, pourquoi j'ai but de 8, moi? D'où j'ai 145? Oh merde, j'ai la 8 sur moi, putain. Monsieur le mécano, là, il est attaché, là. Détachez-moi, là. Putain, ils sont chiants, ils menottent tout le monde, putain. On dirait qu'on est en prison. Eh, hey, démenottez-moi, là, putain. Oh, pas en prison, là. Sans. Après, ça dit... Voilà. Ouais, nanana, on voit que c'est lui qui menotte tout le monde. Démenotte-moi, s'il te plaît. Et poil de carotte, poil de carotte, il en avait sur lui, là. Non, j'ai rien, moi. C'est quoi? Il a vieilli ses poils de carotte. Moi j'ai un télécopie qui est poil de carotte. L'autre là aussi là-bas là. Mais je me casse, ouais. Je t'ai donné l'autorisation. Comment ça y est là-bas? Le gars. Ah putain, je suis dans la merde. Et je rentre. Oh merde. Oh merde! Attends, c'est pas bon ça! Je dois pas faire ça!
Oh non. Il m'a attrapé, frère, je suis dans la merde, j'avais des 8 sur moi. Mais oh, arrêtez, c'est pas à moi, c'est 8, j'ai trouvé dans le jardin. J'ai rien fait, c'est pas à moi. Ah non, non, bah... T'as trouvé dans le jardin? Bah tu vas m'emmener aussi alors. Mais je sais pas où, mais je l'ai trouvé par terre, mais y'a plus. Où est-ce que c'est? Je l'ai coupé. Ah mais ouais, ah bah ouais, bah là t'as fait une connerie là, donc c'était où? C'est où? Mais je sais pas. C'était là-bas, venez, mais lâchez-moi, je vous montre. Wesh, pourquoi vous le... Non, tu vas t'enfuir, tu vas t'enfuir. Parce que j'avais la 8 sur moi, mais j'ai pu partir. Ah bah ouais, Momo, tu fais pas de ce petit groupe-là, c'est là que tu dois en avoir sur toi aussi, Momo. Mais non, il a rien, moi j'ai rien sur moi, wesh. Casse-toi, Momo. Momo. Merci, Momo. Démenotez-moi. Démenotez-moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous voulez... Mais moi, j'ai déjà été fouillé, wesh, laissez-moi tranquille. Ah, mais j'ai pas la preuve. Mais démenotez-moi. Si, j'étais déjà fouillé, wesh. Démenotez-moi. Toi qui as les pipa haut. Démenotez-moi. Ta gueule. Démenotez-moi. Non, ta gueule. Démenotez-moi, s'il vous plaît. Mais ping-pong, t'as qu'un de faire une nouvelle clé pour le démenoter. Voilà, bon. Alors, tu vas m'emmener où c'est Comment tout se passe? Bah, il faut que je marche pour vous montrer. T'es chinois, je sais tout. Là, avancez, tout droit, tout au fond. À gauche. C'était là, ici. stop. À gauche, là. Là, oui, c'était ici, exactement ici. J'ai coupé. Ah, mais c'est bizarre, y'a rien. Ah, non. On a coupé, bête. Je suis déjà venu ici, y'avait rien. Vous êtes con, quoi, vous avez pris. Quand on coupe, y'a plus rien. Ah vas-y, lâchez-moi maintenant. J'ai trouvé, hein. En plus, c'est juste de l'herbe. C'est juste de l'herbe. Ah ouais. Bah oui, monsieur, c'est juste de l'herbe et il y a même pas rien, c'est juste un bout d'herbe. Vous voyez pas que c'est écrit d'herbe? D'accord. Bon, tu veux pas me dire où c'est? On va aller voir le directeur. Bah oui, c'est quoi? Mais putain, c'était une plante, j'ai coupé, vous êtes con ou quoi, monsieur? J'ai coupé une plante. Il est là devant vous! Ah, je suis gentil avec vous quand même, donc. M'en fous, moi, j'ai rien fait, moi! Ah, on a trouvé ça dans le buisson là-bas! Ouais, au secours, boutonneux, au secours! Les gars, je suis dans la merde, les gars! Je suis dans la merde! Bon, bah, on va aller voir le directeur. Tu t'attendais pas à une fouille générale, Paul de carotte ou quoi? C'est pour le Mais je m'en fous, c'est pas à moi. J'ai trouvé, c'est tout, on n'a pas le droit de ramasser. Mais t'avais ça dans tes poches, donc. C'est pas mon problème, ça, c'est pas à moi. Il est où, monsieur le directeur? Il est là. Et là, je suis KO. Merci, boucle, poté 1$. Merci, mon boucle. Monsieur le directeur, est-ce que vous êtes là? Monsieur le directeur? Oui? Vous voyez pas qu'il est devant vous, monsieur? Oh ouais, qu'est-ce qui se passe là, mon petit? Alors, comment est-ce qu'on procède? Parce que... Lâchez-moi, ça fait mal! 5 de budweed sur lui. Il avait quoi? Lâchez-moi. 145 de budweed. Oh là, vous avez ça? Montrez-moi. Ah, j'ai sur moi, ouais, attendez, je vais le mettre ici. Mais lâchez-moi! Démenotez-moi, putain! Laissez-le dans mon bureau, là. Démettez-le là, ou enfin, vous m'avez compris là. Libérez-le et laissez-le dans mon bureau, je dois parler avec lui là. C'est pas normal, il fume la doigt comme ça là. Hein. Mais c'était que de l'herbe, monsieur. Il y avait pas. Regardez, c'est que de l'herbe. Allez, va j'ai trouvé dans la cour. Va t'asseoir. T'as dit quoi? Donnez-moi la doigt là. Je vais donner ça. Rip ma vie, les gars, je me fais enculer là. HRP. Stream. Voilà, monsieur. Hack. D'accord, merci. Ah, je vais parler avec lui. Merci beaucoup, je vais gérer la situation. Merci à vous. Ouais, je suis pas content du tout, là. Mais monsieur, c'était dans la cour, j'ai trouvé, regardez, c'est de l'herbe. J'ai rien touché, hein. Bon. J'ai trouvé dans la cour. Bon, ne parle pas. Ne parle pas fort, petit, tu m'entends. Faut chuchoter, là, maintenant. Oui. Bon. Bon, je vais garder l'herbe, là, pour moi, là, parce que moi, j'aime bien ça, là, le soir, là, après. Mais faut pas le dire. Bah oui, mais... D'accord, mon petit. Vous me faites rien. Donc, je vais rien te dire. Je vais pas te mettre de retenue, mais ça reste entre nous. Parce que moi, j'aime bien un petit peu d'herbe, là, pour le travail, là. Tu comprends? Mais ça sert à quoi, ça? Moi, ça sert à rien, ça. T'inquiète. C'est pour mettre dans la...
dollars. C'est un baiser, ce mec. Soupe, c'est pour mettre un petit peu. Mais moi, je peux goûter. Tu vois, dans la soupe. Je peux goûter. Non, 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 pas maintenant. T'es trop petit encore. Mais tu donnes à moi, là. Quand tu trouves ça, tu donnes à moi. Moi, je vais donner une petite pièce pour toi, si tu veux. D'accord. Pas de soucis, monsieur. D'accord. Mais voilà, c'est... Voilà, mon petit. Ok. Bon, pour cette fois, je dis, je garde. Je garde dans ma poche. D'accord. Ok. Et toi, d'accord. Tu dis rien non plus. Allez, hop. Merci. Je veux plus te voir, là. Pile. Merci. Merci, monsieur. C'est un baiser, le mec. 2 dollars, merci. Viens, viens. Attends, viens, viens. Mais non, viens. Le proviseur m'a dit que je peux y aller. Je sais, c'est Sergei. Viens. Mais attendez, je vais aller manger, c'est l'heure de le repas, j'ai faim. Ouais, mais non. Viens. J'ai faim. Ah bah ouais, on a tué urinaire de Schnorr. Hein. Ah ouais. Tant quoi. Ouais, j'ai des gros soucis là. Tu me bloques. Qu'est-ce qui se passe, moi? Bah oui. Monsieur, j'arrive, je prends juste à manger. Merci. Ah, ouais. Je fais vite. Merci beaucoup. Je t'escorterai jusque là-bas. Ah ouais, c'était... Ouais. Momo, après, il faut que tu viennes avec nous. On veut de même. Ah, c'est le professeur, le pion qui est infiltré, qui est avec nous, Il nous a mis hérisson dans un coin, on va tabasser ses hérissons. On va lui mettre un coup de marteau dans la tête. Yes, les gars, vous êtes prêts, les gars? Hérisson, on doit se rassembler après ou pas, Mouka? Ouais, ouais. De pas comprendre. Il faut qu'on suive, monsieur. Ah ouais, après manger. C'est ça, monsieur, on doit vous suivre. Ok, merci. Nickel. On mange du thé, on veut tout, d'accord, monsieur? Tyrus m'a envoyé un message, je comprends mieux, là, je comprends mieux. Il est où, Hérisson? Je sais pas. Je l'ai vu apparaître devant moi, là. Voilà, il est... et Momo, maintenant t'es avec Warfia, je vais pouvoir te fouiller maintenant, Momo. Pour voir ce que t'as sur toi. Mais vous m'avez déjà fouillé tout à l'heure. Ah, je t'ai pas fouillé tout à l'heure, t'es parti. Mais il a rien. Mais vous êtes coup du nez, vous n'êtes pas tenté de fouiller. Donnez-moi à manger, wesh. D'accord, pas besoin de me fouiller. Okay. Vous êtes coup du nez. Ceux qui ont pris leur nourriture, ça dégage tout de suite. J'ai 34 graines ou t'sais le nom. Wow, oui, j'ai pas le droit de manger dans la cantine. Ouais, je peux avoir de l'eau aussi, s'il vous plaît. Eh ouais, j'ai plus mon téléphone. Mon téléphone est plus bloqué. Comment ça se fait, les gars? Tiens, du coca. Ah, merci beaucoup, voilà. Monsieur. J'ai aussi de la nourriture pour ceux qui veulent. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Ça allait plus vite. Ouais, vous allez plus vite que le coup de nez. Ouais, l'autre, il est un peu lent. Hein. Vous êtes un homme à tout faire, vous êtes fort. Hein. Merci beaucoup, monsieur. Les enfants, cet après-midi, voilà. Nous irons au bord d'un lac au vélo. Merci. Toute l'équipe pédagogue. Oh, cool. S'il vous plaît, hop, Michael, Marty. Qui peut me TP, je suis sous la map. Vous êtes rapide en motologie, vous m'étonnez plus dans plus, t'es incroyable. Et bon, il y avait que ça. Ah, j'ai que du café là pour l'instant. Je sais pas c'est qui. Hein. Paul de carotte, t'es blessé, t'as quoi? Non, c'est bon, ça va mieux, c'est bon. Ouais, moi aussi, j'ai passé là. Il y a un grand souci là. Bon, les puceaux, tout le monde dehors là. N'oubliez pas, mademoiselle. Oh, hein. Le puceau. Dégage dehors, le puceau. Oui, là. T'inquiète pas, petit. Bon, dorme. Venez, les gars, vite! On va le niquer, Hérisson. Hérisson va niquer sa race, les gars. Lui, il est avec nous. Il va mettre Hérisson dans un coin. Ouais, c'est qui, lui? Fouille-nous, tu vas comprendre. Acosta, t'es un bon gars, mon gars. Wow, je savais que je pouvais compter sur toi. Bien joué, les gars. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais lui, je vous présente le contact en scred. Et quoi? Mais les autres, regardez. C'est quoi ce chambre là qui vient? Oh les gars, je crois qu'ils nous entendent. On vous a invité. Oh les gars, on vous a invité. Eh, le chauve, c'est un gars sûr, la vérité, tu peux venir, le chauve. T'es sûr? Ah, t'es un bon, le surveillant, t'es un bon. Mais il est con, c'est validé, le problème. Bah ouais, c'est mieux. Non, t'inquiète. Il est con, donc il est où? Le surveillant, il nous surveille en vélo. Je te remercie, ça bouge. Le surveillant là-bas, il nous bouge. Bougez! Oh putain! Elf de merde! On va jouer au tennis, nous! On va faire une petite partie! Bon, c'est qui contre qui? Bon, tous au contre moi, la garbo! Allez, t'es parti! Vas-y! Comment ça se fait que t'as les graines, toi? Alors, je t'explique! Attends, mais j'ai peur qu'il y ait des petites oreilles qui traînent là! Mais bon, t'inquiète, c'est dégâtieux ici! Momo, il est passé où, tes graines, toi? Tu chantes, wesh! Moi, je suis chaud. Ok! Ouais, mais regardez!
Vous m'expliquez, c'est quoi le délire? On peut pas rester en groupe tranquille deux secondes sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous coller? Les graines de quoi tu as? Mais pour jouer du tout, on parlait des balles de tennis. Putain, je suis shoté moi non. Non mais moi aussi je suis shoté les gars, et au bout d'un moment il y a des oreilles qui se perdent, s'il vous plaît. On chuchote ici donc vous êtes pas censé entendre, merci. On parle entre nous. Vous êtes non, gentil, y a... monsieur, y a pas de soucis monsieur. Je parlais de... Rien. Ouais, on aime bien jouer au tennis ici. On parle de... Graines de quoi monsieur? On peut parler des graines de maïs, des graines de... Les tournesols, tout ça. Faites péter les graines de tournesol les mecs. Non, les pipas, vas-y, fais péter les pipas. Y a quelqu'un qui veut 31 TVR? Ok, voilà. Bon, je vous explique. Moi... Lui, c'est un bon gars. Si vous faites péter un truc, essayez de vous faire péter par lui, comme ça au pire, il vous le refourgue après. C'est grâce à ça que vous êtes sorti au calme. C'est un bon gars, ce type. C'est qui a pris mes graines? C'est un ami de mon papa, il a pris mes graines. Il est fidèle. C'est moi, viens. D'ailleurs, ouais, c'était à nous les graines. Ils sont passés où? Mais moi. Ouais, non, mais. Oh, c'est bon, tranquille, on a réussi à la récupérer, c'est déjà de la magie. Attendez, bougez. Ah, ouais, bien joué. Tu vois ce que je dis? En fait, les gars, moi, je vais vous dire quelque chose. Le chauve, il a pris les graines aussi, donc ça veut dire j'ai pas compris. Vous avez pris chacun des graines un petit peu comme ça? C'est quoi le bordel? Je les ai jetés au fond de la classe, vous êtes servi. Moi, j'ai pris au fond de la classe, je les ai trouvés, après je te les redonne. Au pire, on s'en fiche. On a récupéré les graines et y a pas de problème, ouais, c'est ça qui est cool. C'est bon, c'est pas fait griller. De toute façon, nous, on peut. D'accord. Nous, on peut. Mais t'es sûr qu'on peut lui faire confiance, un pion? Ouais, ouais. D'ailleurs, tu veux une preuve de sa confiance? Y'a moyen que tu nous arranges le hérisson là-bas, au même coin que tout à l'heure que tu m'as montré. Ouais, justement, je vous ai demandé où il était. Bah, justement, on sait pas. Mais nous, t'es un bon gars. Il est là. Ok, nickel. Bon, bougez pas les mecs, vous allez voir. Non, restez là. Mais lui, attends. Eh, écoutez-moi bien. T'as le marteau. C'est là. Momo, t'as le marteau. Faites de rien. Momo, tu lui mets un coup de marteau. Suivez-moi les mecs. Y'a que lui, y'a que Momo qui tape. Y'a que Momo qui tape, les gars. Comme ça, on se met pas tous à la gueule. Go les mecs. Mais vise bien. Qu'est-ce qui se passe ici là? Eh, bouge pas toi, bouge pas! Eh, mais le gars il joue pas RP, il se casse chaque fois, il y a tout le monde sur lui, il se casse en courant. Il joue pas RP le mec. Et Zabi il est parti ce bâtard là. Ouais, mais y'a tous. Y'a tout ce monde sur lui, il se bat en courant le mec, il se bat en courant, putain. Y'a tout ce monde sur lui, il se bat en courant. Pas sérieux le mec. Attends. Qui veut lui? Non putain, mais non, femme 4, mais non. Ah putain. Faut que t'arrives à nous le revoir. Je ressens qu'il s'échappe comme une merde. Vas-y là, je vais lui mettre un putain de coup de marteau et il a couru là, c'est bâtard là. T'as failli l'avoir, hein, dommage. Ok, on va se caler dans le coin, mais si jamais il y a un problème, on va à l'autre endroit. On est tout, on se balade. Et moi j'ai rendez-vous avec l'infirmière. On se balade les mecs, on fait rien de mal, on se balade. Ah, je vais prendre un vélo moi les gars. Prendre un vélo, on va la voir. Il est où l'infirmière les gars? J'ai un rendez-vous, je reviens. J'ai un rendez-vous. Ouais. C'est bon, il l'a trouvé. Il l'a trouvé, on est au même endroit que tout à l'heure. On arrive. Vite. Au fond, Momo, au fond. Désolé, ça va, désolé. Oh. Au secours. C'est un ouf. Oh, monsieur Sang, vous avez vu? Laissez-nous frapper. Oh, putain, mais... Oh! C'est un truc de malade. Vous êtes en danger, monsieur Sang. T'as allé, faut qu'on le nique. Et moi, j'ai rendez-vous avec l'infirmière, les gars.
putain, mais il faut retourner partout, celui-là, il me saoule. Monsieur, c'est un de mes deux, là. Oh, putain. Ouais, toi, t'es mort. Oh, putain, ça part en couille. Poil de carotte. Oui. T'as oublié le rendez-vous, madame, mademoiselle? Comment? Skatepark pour les BMX, dépêche-toi d'aller dessus là. Bah non, j'ai le droit de me balader, hein, foutre ma gueule là. Dépêche-toi avant que je t'enlève. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Qu'est-ce qui se passe? Cache ça! Ah, c'est bon, c'est Luigi, t'inquiète. Oh, c'est bon, c'est Luigi, c'était quoi? C'est tranquille. T'as cru que la plus, c'était tranquille. Quoi? Mais oh, c'est. Oh, le roux là, je te cause là. Qu'est-ce qu'il y a? Fais pas le malin! Fais pas le malin! Quand je te dis d'aller sur le skatepark, tu vas sur le skatepark. Et toi, pourquoi tu fumes là? Là, tu vois, tu veux m'allumer, toi. Toi, tu veux m'allumer là, toi. Vous avez vu, toi, je suis discret là, ça va, je me suis mis dans un coin et tout, tranquille. Monsieur, je m'envoie un briquet! J'ai pas de briquet! Donne un briquet. C'est bon, je l'écrase, c'est bon, voilà. Oh, les mioches, c'est à vous de montrer l'exemple là. Si vous montrez pas vous l'exemple, ça va pas le faire, hein. Oui. Ah, moi je suis dans mon coin tranquille, je dérange personne, c'est bon, wesh. Merci, putain, j'ai un briquet, frère. Y'a pas de thune pour l'instant. Ma thune, elle est où? Y'a pas de thune. Oui, c'est ça. Arrêtez de me prendre pour un con. Y'a pas de thune, j'ai rien vendu là. Attends. Je vous ai donné des téléphones hier. Les gars, ça me fait chier de voir le téléphone. Aujourd'hui, je vous donne des clopes, j'ai rien reçu. Mais la quoi sur roue là, toujours qui tombe, c'est. Ouais, je relève ton poil de carotte. Quoi, y'a rien? Qu'est-ce qui vous arrive? D'accord. T'es arrivé quoi, wesh? Rien. À la fin des cours, si j'ai pas mon argent, dis bien tous tes potes là que si à la fin des cours j'ai pas mon argent de les affaires que je vous ai donné, que ça soit toi ou tes potes, vous allez avoir affaire à moi. Quel truc? Attends, répète. Tu dis à tes potes qui se dépêchent là. J'ai donné 18 téléphones à l'autre la galop là. J'ai reçu aucun argent là. J'ai tout enregistré. Attends, j'ai. Allô, oui. Allô. Allô, mon cat. Qu'est-ce qu'il y a? On l'a chopé. Il est dans les toilettes. Mais nique lui, Saros. On lui met du sale. Vas-y. Lui mettre un coup. On arrive. Ok, on doit aller dans les toilettes, Momo. Il est là-bas. Wesh, mais gros, il faut vendre des téléphones. Il va nous niquer sinon, Luigi. Wesh, t'es sérieux, gros? Oui, mais t'inquiète, on va vendre. Mais. On les vend. Mais j'ai enregistré, non? Ah non, j'ai pas réussi à enregistrer. Viens, on va vite au talouette pour niquer le mec. Il est là-bas. Vas-y. Allô? Oh putain. Attendez une minute. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le directeur? Ouais, alors voilà, j'ai prévu une petite sortie à vélo à 2 km. T'as la fiamée, viens pas. Et là-bas, on va pouvoir se baigner tout le tralala, ça va être génial. Cool. Ok, c'est cool. J'ai hâte, voilà, c'est dans petits. Combien de temps, monsieur le directeur? Ouais, il vous reste encore un peu doué, quoi, pas de problème, cool. À tout à l'heure, les petits. À tout à l'heure, viens, Momo. Ok, bah moi j'ai envie de pisser, je vais aux toilettes. On va niquer le mec et après on va là-bas. Vite, faut faire vite. Ouais. Mais wesh, mais quoi tout le monde m'appelle, frère? Ça fait bugger. Allô? Ah, c'est boutonneux. Wesh, qu'est-ce qu'il y a? T'es où? Oh, il y a moyen que tu retrouves mon pied de biche. Il est où? J'en ai besoin. Il doit être dans le bureau principal, regarde. Mais je vais aller regarder. Je finis un truc et j'arrive. Je vais aller. On va niquer quelqu'un, on arrive. Vas-y. Alors, allez, on peut le défoncer jusqu'au bout. Allez, mets-lui un coup, ouais, pour lui faire tout oublier. Poil de carotte, recule, sinon tu vas recevoir. Vas-y, nique-le. Il fait le malin, lui. Ta grosse tête. Il est 50, lui, il sait lui faire le malin. Ta gueule, là, enculé. Qui fait le malin tombe dans le ravin, fils de pute, va. Allez, dans la tête, un coup de marteau. Dans la tête. Voilà, achève-le, ce bâtard. Eh, les gars, attention. Oh putain, Momo, je me casse, j'ai rien vu, moi. Oh, Vladimir. Ouais. Venez, mademoiselle, venez. Pire que ça. Venez, mademoiselle, ouais, venez. Attendez. Oui, petit. Les gars, attendez, je dois parler à l'infirmière et on doit se parler vite fait. On doit se parler vite fait à l'infirmière. Allez-y, je reviens. Ah, d'accord, ok, je croyais que. Monsieur le directeur, je reviens.
Va là-bas, je vais parler à l'infirmière vite fait. Dites-leur que vous voulez me parler tête à tête. Parce que je suis malade. Ouais, ouais, faut que je parle là-bas. Avec le petit en tête à tête. Dis aussi à Luigi. Il doit m'examiner. Tu peux partir vite fait, s'il te plaît. Il doit m'examiner. Il faut que je l'examine. Mais tu vas examiner rien du tout, ouais. Mais je vais l'examiner. Rien du tout. Mais si, bouge, je vais l'examiner, attends, c'est mon patient. S'il te plaît, c'est... D'accord. Comment on dit, c'est les deux, c'est privé, quoi. C'est... Bah oui, j'ai une maladie grave. Mais qui le... Maladie grave. Bah ouais, t'as pas vu ces boutons, là. C'est maladie. Viens, on va dans ma chambre, venez me soigner. Attendez, je suis occupé. Allez, les gars, c'est parti. Regarde où j'habite. Wow, j'habite ici, moi. C'est joli. Ouais, bah c'est joli. Tu te plais bien au lycée? Enfin... Ouais, regarde, c'est ici, ma chambre. Waouh. Regarde. Waouh. Ah ouais, t'es bien, là. Ouais. Si tu veux, ce soir, tu peux dormir ici avec nous. Ah non, moi, je dors pas avec les élèves. Bah allez. Ah non, moi je dors pas avec les élèves, je suis désolée. Mais si, s'il vous plaît, là, regardez, moi je. C'est ça mon lit, vous dormez. Ah, il est joli ton lit, mais. Que pour toi. Après, je vous montre un secret. Un secret? C'est quoi un secret? Bah, je descends mon pantalon. Ah non, 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 non. Non, 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 tu descends pas. Attends, ton regarde. Pantalon. Non, non, je regarde pas. Regarde. Non, non, je regarde. Regarde pas. Regarde. Non, non. Non, non, je regarde pas. Mais quoi, c'est un rendez-vous amoureux. Toi et moi, rendez-vous amoureux. Mais non, c'est pas un rendez-vous. Tu restes là avec moi. Je m'en fous, tu restes là. Ah, merde. Zoé. Hey, mais c'est fermé la porte, casse-toi. Ah, pardon. Ouais, mais Zoé, vite. Il y a un petit qui pisse son parcours, là. Mais non, non, il est faux, il est menteur. Ouais, ouais. Il est dans les toilettes. Putain, lui, il connaît où je suis à chaque fois, frère. Je sais pas, c'est le directeur qui sait ça, là. Faudrait que t'ailles voir. Ah ouais. Vite, vraiment urgent. J'étais avec l'infirmière, il m'a soigné, madame, elle m'a soigné dans la chambre. Madame, il y a t'arrêtes de faire le malin. Non, mais je l'ai soigné. Avec ce que j'ai trouvé sur toi tout à l'heure, c'est pas très bon, là. Il se passe quoi? Les gars, cassez-vous, on n'a pas le droit d'être ici. Moi, j'ai été examiné. Pas de carotte, viens vite fait, je dois te parler. Vas-y, viens. Viens. D'ailleurs, il pisse le sang. Ouais. Vas-y, dis-moi, t'as fait quoi l'infirmière là? Balance. Ouais, bah elle m'a fait des bisous. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah j'étais avec l'infirmière, vous avez bien vu, hein. C'est raison presque. Il était faire étudier un peu plus au calme. C'est médical. Médical parce que c'est un truc. Méfie-toi. Oui, bien sûr. Ouais. Merci. Ouais, je disais, il se passe quoi que l'infirmière la raconte? Elle veut me pécho, je te jure. Non, tu déconnes, mec. Si, je te jure, elle m'embrassait. Bon. Elle m'embrassait. Elle aime les jeunes. Elle a dit que c'est moi le plus beau. Ouais? Ouais. T'es chaud ce soir, on la ramène tu sais où là? Elle a dit, elle veut faire l'amour avec moi. Arrête tes couilles. Ouais, tu mens, t'es un mytho. C'est un mytho. C'est allez, arrête ça. Et toi, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, je te jure. Elle va aller avec un. Je te jure. Regardez bien. Restez ici. Elle est où là? Elle est où? Attends. Ouais. Ne t'es pas. Regardez bien, vous allez voir. Attends. Elle est où là? Bon, bah attends. Et au fait, il y a le. Comment ça s'appelle Les rissons. Il y a la gamme, il lui a mis une cuillère de vitamine, gros, t'inquiète pas, il a tout oublié. Hein. Ah bah t'inquiète, le coup de marteau qu'il a eu là, à mon avis, bah, il est pas prêt de s'en souvenir. Oh. T'es vrai, toi. Vas-y, on te regarde de loin. On l'a planté. Ouais, mais attends, elle est où là, l'infirmière? T'es pas, elle est pas en train de soigner. Elle a dit ce soir, elle va m'emmener dans sa chambre, on va faire des choses, elle m'a dit. Oh putain. Je vous jure. Mec,
plus sûr. Mais y'a moyen de faire un d'après vous, à 3 ou quoi? Eh, d'après vous les gars, vous trouvez pas ça bizarre qu'elle m'a emmené tout seul dans ma chambre? Franchement. C'est vrai, en plus, ouais, en plus dans l'internat c'est bizarre, ouais. Et. Ouais, bon. Oh putain, je dois récupérer un pied de biche, la boule de nœud. J'avais oublié. Je reviens les gars, un pied de biche. Mais, ouais. Il s'est fait confisquer, je vais le récupérer dans le bureau, j'arrive. Mais j'ai un avec toi. Venez, venez. Les gars, on doit voler le pied de biche, j'ai oublié le boutonneux, frère. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Vous faites le guet. Putain. Surveillez-vous. Restez ici. Wow. Envoyez-moi un message. Restez ici, restez ici. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Attends, mec. Putain, tu vas nous faire repérer. Mec, tu vas nous faire repérer, putain, arrête. Arrête reste tes conneries. Ici, reste ici, on monte la garde. Bah ben ouais, montez la garde. Viens, viens, viens. Vite, 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 ouais. Viens. Textez-moi. Apparemment, il y a un pied de biche. Où est-ce qu'il a mis? Ouah, c'est quoi ça? Ouah, les caméras! Lourd! Mais où est-ce qu'il est le pied de biche? Y'a pas de pied de biche! Faites-moi péter mon compteur d'amis les gens s'il vous plaît. Adri Gaming, c'est pas comme ça que t'auras de la pub. Ça va pas marcher comme ça mon pote. Y'a pas de pied de biche, qu'est-ce qu'il me raconte boutonneux? C'est bon, bouge. Attendez, restez ici, regardez. Restez c'est ici. Bon, reste. C'est bon, tu l'as ou pas? Il y avait pas, mais restez ouais. Ici, regardez. Ouais. Regardez ce que je vais faire, bougez pas. Oh, il va le voir. Il va être jaloux, hein, le mec. Bonjour, ma biche. Ça va? Petit. Non, pas de câlin. Tu fais quoi? Ouais, je t'ai dit quoi? Ouais. Ce soir, ah oui, ce soir, ouais, d'accord. Un rendez-vous ce soir, ok. Mais arrête, putain! Arrête putain! Mais arrête de le menotter, Luigi là! Ouais, il est fou! Il est jaloux! Vous faites quoi? Vous êtes jaloux ou quoi? Ping-pong, dégage! Mais c'est bon, lâche-moi! Pourquoi vous prenez? Ping-pong, c'est n'importe quoi! C'est ma copine! Dégage, je t'ai dit! Je vous ai dit de dégager tous! Je vous ai dit de dégager là! Mais là, je suis un canard pour mais... vous. Tu fais des canons professeurs toi maintenant? Aux infirmières? C'est elle qui veut me pécho! Elle m'a emmené de l'eau. On est allé tête à tête dans le lit avec. Tête à tête. Elle m'a dit rendez-vous ce soir. On plus de la gueule. Il m'en bat la kido, mon argent là. Ce soir, après les cours. Il va dégager là. Vous allez dégager là, les toutous là. Non. C'est quoi tes toutous là? Dans 3 minutes, je vous fais disparaître tous là. Dégagez là. Ce soir. De toute façon, encore une fois, tu t'approches de l'affaire. Oh, t'as pas de respect, je convoque tes parents tout de suite, t'as compris toi? Mais c'est elle! Putain, là. on est parti bon. Tête à tête! Et... Ouais? Elle t'a fait des attouchements? Oh, bah non, mais c'est moi qui a voulu. D'accord, donc c'est bien tes parents que t'as convoqué. Oui. Vas-y, laisse-moi, d'accord. C'est bon, j'ai rien fait. Tu continues encore une fois de faire de la merde comme t'es en train de faire. Je prends ta petite tête là et je te la fous là, ici là. T'as compris, Paul de Carotte? Ouais, d'accord, c'est bon. Zegumer, merci pour tes 5 euros, mais normalement t'es pas ban, hein. Mais vois avec les admins, moi je suis pas admin, moi frère. Vois avec allez, les admins. Dégage. Merci. Dégage. J'ai pécho l'infirmière! Et bientôt la réclé. Boutonneux, il est où? Boutonneux, il a installé le truc. Je vais l'appeler.
Vas-y, réponds, là, putain. Casse les couilles, là. Réponds. Oh là là, il me répond pas, frère. iPro dans l'arrière salle du bureau. Y'avait rien, les gars. Ouais, t'as des cheveux bizarres, toi. Y'avait rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Les cheveux dans la pub de McDo, là. Bah, parle pas, hein. C'est pas ma faute si t'as pas de cheveux. Hein. C'est vrai que. Vous, monsieur, là, monsieur Kraft. Bah oui. Est-ce que vous savez où on achète des armes? Parce que mon ami veut acheter des armes. On achète des armes. Oh là là. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah, tu veux acheter des armes? Il est dans l'école, il achète des armes. Ça dans l'établissement. Il est con, lui. Non, non, mais en gros, c'est pour ses parents. Il est fou, lui. Wesh. Et un jour. Attends, mon téléphone. Voilà, et un jour, vous. Ouais, t'es où, mec? J'ai pas trouvé ton truc là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais mec, c'est bon, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin, mais... Bug actualisé, les gars. Maintenant, il faut que tu dises au proviseur, je sais pas, que je suis malade ou... Je tourne les chiens. Actualisé, les gars. Moi, 10 minutes, quoi. Attends, bouge pas, attends. Les gars, actualisé, dites-moi que c'est bon. Ça a bugué, actualisé, je suis désolé. Dites-moi, c'est bon maintenant? Mais c'est quoi ces bugs qui coupent comme ça, là? Y'a Boutonnet qui est en train de trafiquer un truc là. Eh, c'est quoi qui tape là? T'es en train de trafiquer l'ascenseur là, mec? Ouais, mais attends, vas-y, mec. Ça va marcher, t'inquiète. Ça marche ou pas? Ça va marcher. Putain, on va pouvoir aller dans l'endroit secret? Normalement, ce soir, ça va être bon là, mec. Mais il faut qu'il y ait une sortie. Je suis pas là. Mais fais vite, mec. Après, y'a une sortie, mec. Faut que tu viennes vite. Sinon, on va se faire opérer. Finis vite ton boulot. Finis vite. Les gars, y'a Boutonnet qui va réussir. Oui, désolé, j'étais au téléphone. Je veux dire, c'est bébé. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Des trucs sur moi. Alors, qu'est-ce que t'as dit au prof de mécano, là? Oh là là. Mais alors, il est jaloux, c'est tout. Rendez-vous ce soir, toi et moi, bébé. Non, mais... Non, parle-moi pas comme ça. Ah ouais, il y a tout le monde. Dis-moi qu'est-ce que tu lui as dit. Je lui ai rien dit, t'inquiète pas. C'est toi qui m'as dit, bébé. Attention, j'étais à l'œil, moi. Non, moi, je t'ai rien dit du tout. Moi, je t'ai juste soigné. Poil de carotte, arrête de prendre la coupe. Poil de cul, je t'ai parlé, moi, désolé. Sérieux, en fait. Ah, de te croire, poil de carotte. Mais non, de te croire, poil de carotte. Non, poil de carotte, t'inquiète. Non, je rigole. Yo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Oh, vous êtes... Non, c'est qui, lui? C'est qui, lui? C'est le prof de commerce. Je suis votre professeur de commerce. Ah, d'accord, enchanté, on vous a jamais vu. Eh, Paul de Carotte. Ouais, malheureusement, j'ai eu... Vous êtes très belle. On se voit ce soir après les cours. Paul de Carotte, viens avec moi, c'est chiant, ce bug, les gars. C'est chiant, ce bug, hein. C'est chiant, ce bug, les gars, franchement. Ce gros bug, là. Paul de Carotte, viens avec moi, vite. Ah bah non, bah c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais d'abord. Tu peux en parler avec Ching Chong et comment il s'appelle Momo, c'est ça? Rick? Ouais. Tu peux te parler, s'il te plaît? Excusez-moi, les jeunes, hein, je voulais en prendre. Je suis parlé. Ouais, vas-y, les gars! Merci. Pas de soucis. Hein. Faites pas de bêtises, hein. Attention. Venez! Viens, Rick. La galeuse bâtard, il est sorti de la ville. C'est-à-dire comment? La galeuse bâtard, il est sorti de la ville avec. Costant. Ah ouais? Pourquoi? Il est parti. Ouais, je sais pas où il a été. Ils sont fous, eux. Je sais pas, mais il m'a juste dit qu'il est sorti. Ça vous dit, les gars, on s'en rend ville ou quoi? Mais moi, j'en ai marre de rester. C'est quoi, ces surveillants? Non, mais c'est surveillant, ils vont se faire. Ils sont ou pas? Bah non. Mais il est parti avec Costa, justement. Bah oui, justement, il va avoir des problèmes s'il se fait attraper, le surveillant. Ah ouais, il va être envoyé. Nous. Moi, personnellement, ce soir, je passe à l'action. Pour le shit, là. En fait, on a trouvé du shit. Ah ouais? Des graines, on va planter. Voilà. Vas-y, moi, je suis prêt à fumer. T'inquiète. Ah. Y'a Boutonneux qui est en train de préparer tout, là. Ça va pas tarder à sonner, là. Et Boutonneux, il est où, d'ailleurs? Il prépare le truc pour ce soir. T'inquiète, fais-lui confiance. Ouais, bah allez, moi par contre, il faudra qu'on. Maman! Une petite impression parce que. Boutonnez dessus!
L'ascenseur. Et gros, le surveillant. Le surveillant, gros, là, le Sanson, là. Ouais. Et faut faire gaffe, c'est un psychopathe, frère. Je lui ai parlé, gros. Il a dit, il a été interné pendant 6 mois et tout dans un hôpital psychiatrique, t'as vu? Et genre, il a dit, il a tué une personne, il lui a mis 116 coups de couteau, frère. Qui lui? Il lui a dit, après, il l'a mis dans un broyeur et il l'a haché, frère. Et je suis choqué. Genre, cette tapette. Ouais, non. Et lui, c'est en plus pour les graines et tout, les gars. Il a dit, il a entendu des trucs et tout, mais il dit rien. Il a dit, il dit rien et tout, t'as vu? Mais c'est un extraterrestre. Dans notre dortoir, il va nous tuer, frère. C'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Je sais pas. Non, Zdemit, il a un cœur de lâche. Parce qu'il est bizarre. Il est gars, vous êtes pas rapide. J'ai l'impression que c'est un extraterrestre. Il faut qu'on sache plus sur lui, les gars. Il doit avoir son vaisseau garé quelque part, je sais pas moi. Mais lui, il est pas humain, lui. Je sais pas, gros, mais il fait grave flipper, mon pote. Et la vérité, je suis parti, j'ai couru, gros. Il m'a fait tellement flipper. Moi, tout le monde, les gars, je voulais vous parler d'un truc. Vous venez, on balance Luigi. Luigi fait trop le fou. Non, 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 t'es fou. Oh, monsieur, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Parlez tranquillement. À mon téléphone. Momo, t'as pas expliqué. Allô? Je suis grave désolé de te faire chier, mais j'ai un putain de bon plan. J'ai un contact avec un pion et il peut aller nous chercher du matos, genre des marteaux et tout, en scred rien que pour nous. Et il fait 112, même pas besoin de sortir de l'école. Tu vois le délire? Bah vas-y, ramène un peu, c'est ramène juste un pour peu. Te dire ça. Bien joué, bien joué. Vas-y. Occupe-toi de ça. Ouais, d'accord, ok. Je comprends. Pardon, les gars, j'ai été à nuit. Oh. Ouais, désolé, j'étais au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ok, je comprends, y'a pas de soucis. Bah, du coup, en fait, lui, c'est le cuisinier, et en fait, il m'a grillé avec les graines, t'as vu? Et il a rien dit, donc voilà. Ah ouais? De toute façon, Momo va vous expliquer ça, mais... Et Kim Chong aussi, je vais expliquer. D'accord. Ouais, t'es un bon. De toute façon, on fait rien de grave. Bref, voilà quoi. Non mais façon, c'est, là, c'est que des graines. Hein. Non non non. Bah ouais c'est des graines. De toute façon on fait rien avec ça. Hein. C'est des graines. Hein. C'est voilà. Ouais, ouais. Après on va les manger. On va en faire des pipas. T'as vu? Comme j'ai dit à Bodecoro tout à l'heure. Enfin comme je t'ai dit tout à l'heure à Momo. Bodecoro j'étais obligé de les enlever parce que là je t'ai fouillé devant tout le monde. Moi je vous les enlèverai pas. Mais faites gaffe à votre. Ah cul, vas-y parce que vas-y. Je sais pas combien de temps pour faire ça. Ouais ben voilà. T'inquiète. Pas de soucis. Voilà, on fait gaffe à votre cul. Oh, si merde. Oui. Je le sens pas quand même, lui, hein. Ouais, il est chelou, ma tête. Je le sens pas. À mon avis, c'est un plan, ça, pour nous avoir. Les gars, je suis choqué, les gars, parce que sinon. Moi, je suis choqué, là. Et lui, là, lui, c'est un extraterrestre, c'est pas possible, regarde-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, je te jure, il est bizarre, il est bizarre. C'est le psychopathe. Non mais je vous jure, moi j'ai imagine, peur moi les gars. Il a tué 3 personnes gros. Imagine il vient nous tuer. Ou il nous enlève. Imagine il nous enlève frère. Oh, ça se trouve c'est lui ce soir à l'internat qui nous garde. Oh putain. Oh non, mais c'est lui les gars, moi je veux pas. Réfléchis. Et d'un coup j'ai un truc qui est arrivé dans ma tête frère. Ça a fait bam. Mais ça se trouve c'est lui là, tu sais le plafond dans notre dortoir. T'as vu? Ça se trouve, ouais. C'est lui en fait, il a fait le passage et tout. Ils sont c'est un pas au courant. Ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant, mais. Ah ouais? Ouais, mais ils sont avec nous. Ah mais merde. Lui, je le connais pas. Ah, mais lui, c'est monsieur propre. Mais il nous suit depuis tout à l'heure. Okay, il nous propre, suit. Eh, on t'aime bien, mais la vérité, reste pas tout le temps avec nous. Bah ouais. D'accord, j'y vais. Voilà. Merci, frère. Oui, nous, on a un passage secret dans notre dortoir. Un passage secret que personne ne sait. Et on a rien. Hier, on est sorti de l'établissement. Et on a son frère qui nous a ramené du shit, des graines. C'est nous qui a ramené ces graines dans l'établissement. Et on va planter ce soir. Il y a Momo. Il y a un passage secret. C'est un ascenseur. Là, actuellement, il y a Boutonneux qui est en train de installer toute l'électricité. Parce que lui, c'est un génie de l'informatique. Il a réussi. Il m'a appelé, là. À définir. Et en plus, à ce qu'il parlait, au-dessus de l'école. Ouais, depuis tout à l'heure, il a dit il lui reste 5-10 minutes et il a fini. Il a dit que ça devait être bon. En plus, mais désolé, jamais là, le truc de vélo, on a plus court là, c'est fini ou quoi? C'est quoi les bails? Bah, ça va pas tarder là, apparemment. On peut faire ce qu'on veut. Ça va sonner dans un instant, ouais. Et on avait 45 minutes, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Ah, ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? En plus, on a appris. Oui, en parlant du extraterrestre.
L'extraterrestre, tu crois que c'est lui qui a fait ça? Bah non. Ouais, ouais. Mais ça se trouve, il était. C'est possible, là. Poil de carotte, ça se trouve, il était à l'ancienne école. Il était à l'ancienne école au-dessus de. Au-dessus de cette école, toi. Ouais, ouais, il y avait une ancienne école ici. Apparemment, cette école était bizarre. Apparemment, il se passait des choses bizarres. Ça se trouve, c'était lui avant. Ouais, ça se trouve, il était dans l'école, il a tout tué. Ça se trouve, il avait un groupe d'amis comme nous. Et ils ont fait ça. Il y a moyen. Tu crois que c'est eux qui ont creusé? Il doit kidnapper. À mon avis, il doit kidnapper des élèves et les torturer jusqu'à la mort, frère, c'est sûr. Il faut le regarder, ça lui. Ça doit être un putain de faut enquêter sur lui, faut enquêter. Gros, j'ai peur. Faut enquêter, les gars. Ah bah, en parlant de ça, c'est bizarre parce que de l'élever un coup, il m'a foutu dans les toilettes et il m'a laissé là, ce fils de putain. Donc je sais pas, t'es normal, mais... T'as il m'a laissé dans les toilettes. C'était quand je vous ai appelé pour venir me libérer, les gars. Bah t'es lui, il m'a laissé là. Putain, c'est psychopathe dans les chiottes. Wow, le psychopathe. Non, mais il est bizarre. En plus, il m'a dit, j'aimerais faire cette chose alors. Hein, comme t'as bizarre. Il est trop bizarre. Voilà. Moi, de temps pas. Oh là 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 là, ça fait flipper, les gars. Faut enquêter sur lui. Mais vous pensez que c'est quoi? Il est pas humain. On est d'accord qu'il est pas humain. Moi, je sais pas, c'est un extraterrestre. Oh putain, je suis désolé de vous pousser les mecs. Je viens de faire un truc de ouf. Je nous ai prévu 2-3 marteaux, des bails comme ça. Et en plus, t'as abruti du flic qui m'a roulé dessus, mais ça, c'est autre chose. Mais nous, écoute, putain, ma jambe. Pour demain, normalement, on aura du shit. Vraiment du bon shit. Désolé, on va commencer à vendre pour le du petit bon coup shit. De marteau. Hein. Oh, faut faire gaffe, les gars. J'ai un deal à vous proposer. Mon collègue Lacosta, il peut faire la banque de shit. Tu lui fais stocker, tu lui files un petit billet, c'est bon, tranquille. De toute façon, il veut que mon père, il est à la bonne. Tu vois le délire, il veut que mon père, il rembauche. Ok, mais nous, on a du shit. Un bon gars. Toi, tu gères les armes, là. Tu gères les armes. L'armement, y a pas de souci, ouais. Je vous fixe un tarif, mais bon, je vous fais des prix à vous. Pareil pour nous, on vous fera. Je veux pas me ruiner. Nous, on veut pas vendre partout, nous, on veut vendre en gros les shit. Et c'est après quelqu'un okay, à répartir dans l'école. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux vendre en gros. Ouais, voilà. Ouais, parce que nous, on va planter, on va ce soir, on a. Voilà ce que je veux dire. Putain, je sais pas si on peut te faire confiance, mais voilà. On peut lui faire confiance, les gars. Ouais, t'inquiète. Oh, j'ai failli faire buter pour aller vous chercher. La garo depuis le début. Écoute, frère. Dès le premier jour, frère. Dans notre dortoir, dans notre chambre, on a un passage secret. Hier, on est sorti du lycée. On peut sortir comme on veut de l'établissement. Je te jure, il y a un trou dans le plafond. On sort. On est passé dans les égouts. Wesh, mec, c'est un truc de fou. Dis, on est sorti. Plus la merde, moi, je fais pas ça. Mais justement. J'ai le seum. Justement, il faudra pas en parler. Donc, si on veut se barrer des fois, aller faire la fête, préparer une bombe. Fais gaffe. Ah merde, oui, il y a les clous, les coups, on en parlera. Une petite boum. Guignol, là. C'est trop stylé. Rentre, j'avoue qu'une petite boum, ça fait cool. On avance. Allez, on rentre. Ça commence, là, les gars. Ça commence à avoir du business, là, les gars. Ça commence à avoir du business. Les gars, on va sortir. Ça tombe bien, là, il y a une sortie. Vite, il faut que Boutonneux, il arrive, là. Vite. J'appelle vite Boutonneux. Vite, Boutonneux, vite. Vas-y, réponds, Boutonneux. J'espère qu'il a fini. Pareil que c'est l'infirmière qui l'appelle. Il va se faire rattraper, sinon. Il va se faire. Vous voyez. Pourquoi il me répond jamais, ce bâtard? Range ton téléphone, poil de carotte, tu vas te faire griller, wesh. Désolé. Pas s'ils peuvent sortir les vélos tout seuls ou c'est nous qu'on doit leur sortir là. Oh, c'est stylé, ça, c'est des BMX, c'est quoi? C'est quoi comme vélo, wesh? Je vais leur sortir des BMX à chacun, mais faudra qu'ils les prennent un par un. Quoi, on va aller en BMX? En même temps, comme des gamins. On va faire une sortie en BMX. Non, moi je vais en VTT, wesh. Il est là, notre vélo, regarde, il est là. Attendez, on peut sortir. Il est là, nos vélos, regarde. Attendez, Luigi, on va sortir les bons vélos, wesh. Moi je peux sortir, on a accès. Si vous dites ça, il y avait personne qui était en rang. Il y a aussi des autres vélos, il y a pas de BMX. Oh non, j'ai bugué, putain. BMX, on choisit ce qu'on veut, c'est bon. Je peux plus répondre. BMX, petit à petit. BMX, ça veut la normale. Bah, on va faire une sortie, ça, on va pas prendre. BMX. Un petit VTT. Eh oh, les enfants. Bah, non, un à la fois, s'il vous plaît, sinon on s'entend plus. Non, regardez, merci. Attendez, les gars, je me reco parce que le téléphone a bugué. Mais pourquoi il me répond. Guy, putain, pourquoi tu me réponds jamais en avance? Enculé. Il est en train de faire des travaux, sûrement là. Oh putain de merde. Bougez pas, les gars. On règle ça tout de suite. C'est rien. Tac. C'est pas grave, les gars. RIP. Au moins, on va enlever le téléphone de notre main qui était bugué. Mais ça me fait chier. J'appelle quelqu'un. On dirait qu'ils reçoivent pas l'appel. On dirait qu'ils reçoivent pas l'appel.
Mais je crois parce qu'il me répond jamais au premier coup. Les gars, c'est bon, au moins on va enlever le bug du téléphone dans la main là. C'est bon les gars. Bon, là nous aura une sortie. Boutonneux, normalement il a fini là, il va m'appeler. A mon avis, il a tout préparé là. Il a tout préparé là. Dans la semaine, les gars, ça vous dit qu'après les cours, on organise une boum. Avec les gars sûrs, hein. Toute l'école, les petits russes, les gars sûrs, les potes, on les emmène, on s'évade de l'école et on organise une boum. On organise une boum, quoi. Nickel, voilà, c'est bon. Ah, moi aussi, je vais un VTT, frère. Waouh, c'est joli, ça. Moi, je veux celle-là aussi, moi. Hey, tu m'entends? Ouais, vous ouais. Avez un... Moi, je veux celle-là, moi. Je veux celle-là. Je veux celle-là, moi. Rangez-vous. Ah, bah non, tu l'as signé. Non, c'est avec à moi. Les vélos, c'est... C'est allez, les petits là, on s'arrête. Ah, bah maintenant, c'est à moi. C'est à moi, ça. Fais pas le malin. Ah, bah, je te dis que c'est à moi, c'est à moi. C'est à moi que je te dis, c'est à moi, c'est à moi. Ok, on va voir après les cours, on va prendre le cours. Personne le vélo. T'inquiète. Et bah, vous savez quoi, c'est moi qui prends le vélo. Allez, tu descends, allez. S'il te plaît, tu descends, c'est moi qui prends le vélo. Au moins, y'a pas de jaloux, y'a personne. S'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Non, il est où? T'es là. S'il te plaît. J'ai peur d'appeler, j'espère qu'il va répondre là. J'ai peur que ça bug encore. Allez, ce qu'on l'a en vélo, on va se rassembler là-bas là. Monsieur le directeur. Ouais, j'arrive. Vas-y, c'est vite, bon, mec, c'est vite, bon, c'est vite. Fait. Oh, t'as géré, ça marche. Vous êtes où? Devant le col, faut prendre un vélo, viens vite. On parlera. Vas-y, je vais arriver là, je vais arriver. Raccroche. Et voilà, j'ai encore le bug du téléphone. Mais putain, comment ça, tête de cul, qu'est-ce que je veux? Tu vas voir, toi. Tu vas voir ce que je veux si tu continues. Lui, tu ça l'a pas servi de leçon. Je vais faire tomber ton vélo, je vais péter en Y. Eh oh, s'il vous plaît. Faut aller où? Il est où le principal? Voile de carotte, doucement. Il arrive là, il sort des vélos et... Hé, hey, Boutonneux, il est là! Boutonneux, qu'est-ce que tu fais? Va prendre vite ton vélo! Non, je vais, mais il faut que je me charge! Je te suis! Il a eu un problème de cerveau, monsieur! Il a eu un problème de cerveau! Il va prendre son vélo, je l'accompagne! T'es, c'est stylé ce vélo! Il est où le directeur? Ça débarre là la sortie de vélo là. On a une sortie de vélo les gars et ce soir on passe à l'action. Boutonneux il a géré là à mon avis. Ensemble là, on se voit ensemble tous. On est là. Attendez, on attend tout le monde. Oh putain, y'a pas de klaxon. Mais y, ah non wow, mais, c'est calme, qui? Mais Hérisson t'es vraiment un sale con. Mais ouais, Hérisson il fait que de la merde. Hérisson il casse les couilles tout le monde, regarde comment il a tout Y de principe. Hérisson tu le vois. Regarde, il nous a monté un doigt d'honneur. Il nous a montré un doigt d'honneur. Il faut le rester ici, lui. Il faut le laisser ici. Putain, mais toi, t'es pas... Putain, t'es pas... T'inquiète pas, on va s'occuper de lui. T'inquiète. C'est ça, on va l'encoler. Monsieur, regardez-moi, il nous montre des doigts d'honneur. C'est... Manque de respect, il doit pas venir, lui. Qu'est-ce qu'il faut? Monsieur Sang, vous savez conduire un vélo? Non, mais le chauve, on t'a appris à sauter. Ouais, vous êtes sérieux, là? On est là, monsieur, on est là. Ouais, mais il manque encore des poivres, je crois. Arrête. Allez, bon, on y va. Allez. On va où? On avance doucement. Eh, c'est stylé. Non, mais c'est pas possible, ils savent pas avancer. Ouais, doucement, il a dit, wesh, bande de retard, va. Non, mais vous avez vu la fille, là, mais vous êtes sérieux, attendez, wesh, bande de con. Moi avant. Ouais. Il y a un décalage de son.
Comment ça, il y a un décalage de son? Vous êtes sérieux? C'est bon là, les gars, on est d'accord? Dites-moi, si c'est bon, vous mettez c'est bon. Là, regardez, je monte un doigt, est-ce que c'est bon? Je monte un doigt, voilà. Moi, je me mets sur le bas-côté, moi, frère. Partie qu'on a. Wouhou! Essayez de faire on ça. On va où? Ah, celui qui s'échappe, je m'en occupe. Ça, c'est à cause de... Boutonnet, il a pris un BMX. Il a pris un BMX, il va galérer. Coup, en sortie, on est encerclé bien comme Boutonnet, il faut. Boutonnet, t'es là? Ça va ou il quoi? A pris un BMX, Boutonnet. Il va pas nous suivre. Ouais, tu vas où? Il prend de l'avance. Vas-y, regarde son vélo. Et moi, je dis ça, je dis rien. Même si tu sens, il a pris un vélo aussi vieux que lui. Ah, d'abord, me t'étends, là. Il est vieux, votre vélo. Monsieur Sang. Mais comment vous allez faire comme ça? Pas klaxonner pour voir si ça fait un bruit de clairon. Point, point. Wouhou. C'est une grand-mère. Allez, c'est parti. Allez-y, doucement, les gars. Doucement. Suivez le proviseur. Faut pas doubler le proviseur. Putain, monsieur le proviseur, vous êtes un sportif. Ah ouais, ouais, ouais. On va aller faire une petite baignade là-bas, il fait beau. Cool. Attends, on va attendre Boutonneux, on va voir. Et c'est grave. Il est où Boutonneux? Boutonneux, Boutonneux. Il est où Boutonneux? Boutonneux, Boutonneux, roule en même temps que moi, j'ai besoin de parler. Tu m'entends? Attends, je chuchote. Tu ouais, m'entends, ouais. Boutonneux? Alors, c'est bon? T'as réussi? Boutonneux! Oh merde, je crois qu'il a bugué. Ouais, attends, on attend Boutonneux. Oh, allons, faut la cour. Boutonneux, allons. Vas-y, vas-y, viens, viens. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai vu. Et ça monte plus, frère. Wesh. Et ça monte plus, c'est quoi ça? Hop. Oh, c'est bon. Vas-y, pédale, enculé. Mais wesh, c'est quoi ça? Ouais, je suis pas sportif, hein. Eh hey, mais pédale, mon vélo il est bugué, frère. Ah c'est bon. Comment on accélère? Ah voilà, c'est bon. Voilà, enfin. il est baisé mon personnage. Mais regarde, ça accélère, après il est fatigué en fait. Mais je voulais parler à Boutonneux. Regarde, il va galérer la Boutonneux, regarde, il galère. Mais regarde, ça monte pas. C'est nep. Détruit la ville. Boutonneux, tu m'entends? Boutonneux. C'est ici, faut aller? Pardon? Purée, mais vous êtes combien, les gars? Ah, c'est l'autre côté! Je vais tous vous parbuffler. Mais putain, il va trop loin, le mec! Ah, mais c'est chiant, j'arrive pas à pédaler, frère, c'est quoi ça? Non, ça part plus vite que ça, ça, on est d'accord? Reste appuyé sur croix, mais je reste appuyé là! Ah, mais d'accord, c'est normal, tout le monde est pareil en fait, regarde! Go les 4000 là, hier on a fait 5000 là et je pense qu'on peut le faire cash facilement. Ah ils sont tous là-bas, ils nous attendent. En fait. On avait un problème de vélo. Allez on est reparti. On parlera Boutonneux après, les gars. Ah d'accord, on peut sauter. Mais regarde, on peut sauter, regarde, on peut avancer plus vite. Fallait me dire ça. En galère.
Vas-y, prends le carotte. Ah ouais, c'est dur là. Ah, vous voulez pas. Premier. Eh, j'ai rattrapé tout le monde. Ouais. Pourquoi je monte vite comme ça, frère? Ouais, c'est quoi ça? J'ai trouvé le rythme. Eh, je me casse, mon frère. J'ai trouvé le rythme. J'ai trouvé le rythme, frère. Eh, mais pourquoi il va vite comme moi, lui? Wesh. Allez. Poussez-moi encore, là. Pas derrière, c'est bon. Le bâtard, il triche. Spam, mais c'est quand je spam croix, les gars, ça fait pas. Parce que on a un bug, parce que vous savez, si on joue à la manette avec le vélo là sur le serveur, le croix ça. T'es mais pas t'es. Momo, il est où? Eh mais c'est un bâtard, pourquoi il nous amène dans des pentes comme ça, frère? Fais un croix. Allez, c'est bon là. Faut aller où? Allez, on est bientôt arrivé, les petits. Oh putain! Et on est arrivé. Ah ouais! Là, il faut montrer qu'on n'est pas des petits bonshommes là. Faut montrer qu'on en a dans putain, les putain, mais regarde, Hérisson, il fait n'importe quoi, Hérisson, il nous rentre dedans tout le temps. Arrête, tant, tu fais plus d'un métal. Fais que la merde. Pas fait exprès, hein. Allez, je crois qu'on a tout le monde. On est au party. Ouais, ils sont en train de se battre. Il a tapé mon pote. Wesh, enculé. Vas-y, relève-toi, on y va. On m'a frappé. Je l'ai niqué, c'est bon. T'as vu, je t'ai vengé. Ouais, j'ai vengé mon pote, frère. T'as vu comment je t'ai vengé, frère? Je laisse pas tomber un pote. Oh, c'est stylé ici. Par contre, là, je sais pas où faut aller. Hein. Il faut qu'ils nous attendent dans les croisés parce que je sais pas où aller. J'entends ici. Il faut qu'ils restent ici en fait, comme ça on nous voit. Je pense qu'il y en a, ils vont nous perdre. Hein. Wow, le lac, c'est là-bas qu'on va y aller. Ouais. Wesh, maman, t'étais où? Wesh, gros, il y avait la voiture rose, j'ai essayé de la voler, mais le Luigi l'a pris avant moi. Ah merde. Wouhou. Je le rattrape. Allez, les petits là, hop, on pose les vélos là, tranquille là. Ouais, là vous allez pouvoir vous baigner tranquille. Bon, on n'a pas pris les maillots de bain, mais ça va s'échouer avec le auto. Non, le auto, vous voulez en bus ou en vélo? Youpi! En vélo. D'accord. Je suis le premier moi, poussez-vous. Allez, vous baignez. Ping-pong. Attends. Oh, caca. Viens. Comment tu avances, frère? T'as vu comment moi je laisse pas tomber, moi, t'as vu? Je l'ai achevé. Y'a personne pour m'aider, mec, vraiment merci. Hein. J'ai fait demi-tour, je t'ai vu en train de le tabasser. Il m'a pris par derrière en plus. Je vais l'enculer. Ouais, mais c'est bon, je t'ai vengé. Je t'ai vengé, t'inquiète. Ouais, allez, merci. Allez, viens. Doucement. Wouhouhou! Ah merde, j'ai raté mon plongeant. Les gars, on laisse pas tomber un pote, les gars. Oh putain, il est mort le mec, il est resté. Moi je vais aller dans un coin, je vais aller fumer, frère.
Je vais leur dire, on va dans un coin, on va fumer dans un coin. On va leur dire, attends. Mais putain, mais arrête tes conneries, frère. Il m'a tapé lui. Mais pourquoi il tape? Ah, lui, il commence à me casser les couilles, le mec, il fait que de la merde. Monsieur, 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 monsieur. Là, ça commence à trop bien faire, là, monsieur. Là, Hérisson qui tape tout le monde. Ouais. Eh, faut vraiment. Non, faut l'expulser, lui. Ah, si, c'est désolé, depuis tout à l'heure, il frappe. Depuis tout à l'heure, il frappe. Faut arrêter, là. Ah, vous donnez. Il frappe dans l'eau, j'avais quelqu'un d'autre. Là, lui, là, Hérisson, là. Il tape tout le monde. Il va me frapper, il va me frapper. Il nous frappe dans l'eau pour nous couler, putain. Ah, il faut l'expulser, ce bâtard. Avec moi, je veux vous parler. Ping-pong. Et toi, venez, 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 suivez-moi, on va plonger un peu. Oh non, mais. Ah, ah mon. Venez, les gars. Il est chiant, le hérisson, putain. On va aller loin, les gars, on va faire un délire. Faut boutonner nous rejoindre. J'espère que Ping-Pong n'est pas mort parce que lui. Les gars, vous êtes prêts après pour la fête là, pour les gars? La fête du Discord. Tu filmes IRL iPro? Non, je filme pas. Je filme pas en IRL. Pas bon pour la santé ça. Les gars, on est tranquille ici pour fumer, les gars. Vous avez des cigarettes? Oh putain, non. Non, non, non. En plus, on m'a même pris. On m'a tout pris, on m'a tout pris. Vous avez pas de cigarettes, les gars? Attends, attends, non, je non. Attends. Non, non. Non, non, on n'en a pas. Bouge pas, bouge pas. Attends, on va. Et toi, on les a... Ah, j'ai plus mon téléphone dans ma main. T'es viens devant, viens devant. Ouais, moi aussi, ça. C'est merci. Merci, merci, merci. Le groupe il est où? Le club de 5 attends, il est où là? T'as un briquet? Ouais t'inquiète, allume ton moi, cigare. Pas de briquet. Attends, allume votre cigare. Attends, venez, je vous donne, allumez, après vous donnez moi, moi aussi je vais fumer. Faut donner le briquet sinon on peut pas allumer les gars. L'élève Anis est viré de l'école, continue de frapper. Et voilà. Bien vu. Je crois qu'il a été viré. Voilà, allume mais pas ça tu... le truc. Je crois qu'Hérisson s'est fait virer là je crois. Ouais, 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 bah bien fait, le gars il me bah ouais, tape, il tape tout le monde, il prend putain. Traite. Vas-y, drôle. Donne à Ching Chong, le cigare. Donne à Ping Pong, vite, vite, vite. Ah, le cigare, merde, le. Mais t'as encore commencé à voir là. Donne à Ping Pong, dépêche. Allume ton cigarette, après ouais, on passe. Hop, merci. Ouais. Ouais, c'est de la bonne. Ouais, c'est des cigarettes ouf. Chinoises. Ah, t'es tinois, t'as. Ah, ouais. Je m'en doute. Vas-y, on va, tiens, balance. Tiens. Faut qu'on fasse vite les gars par contre hein. On fume un coup, on se casse sinon on va se faire repérer. Ils vont faire l'appel là, on va être dans la merde. Tiens, tiens mec. T'as reçu? Impeccable les gars. Oh, viens, on avance là-bas, venez. Mec, viens, viens, viens ici. Si on bouge, on va pas perdre la cigarette. Non, non, t'inquiète. C'est une nouveauté ça. Mais après oh, ça s'arrête. Bien. Parce que t'as... Là t'as fini là. T'es putain, ah ouais, fumé, t'es arrêté. Ouais, défini. Ouais, bah mec, t'es chinoise, mec. Hein. Et on va pas avoir des ennuis qu'on est si loin là. On va replonger, attends, on va dire qu'on était dans l'eau. On va dire qu'on était dans l'eau. Et pour l'odeur, ils vont sentir, non? Ben. Ouais, t'inquiète. Je sais pas, manger quelque chose, avec les gars, manger quelque chose. Manger quelque chose. T'as une chic? Ah, j'avoue, je mange un truc. Ouais, buvez un truc, je sais pas moi. Donc ce soir on passe à l'action hein, Paul de Garotte, je vous ai compris hein. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on, mais il faut qu'on trouve Boutonnet. Boutonnet, je sais pas s'il a réussi là. Allez viens, on va le retrouver, on mais... va. Il y a un mec qui arrive, fais gaffe. Ouais, ouais. Il y a un mec qui arrive là, je le vois là. Est-ce que c'est Boutonnet? Est-ce que c'est Momo? J'ai vu une tête là. Je suis pas con, j'ai vu une tête, je suis pas con. Je suis pas fou. Tête. Ouais, j'ai rien vu. J'ai de moi, mais j'ai vu une tête. Attends, il est plongé là. C'est la. Attends. Non mais j'ai mal vu, alors j'ai mal vu, c'est les cigarettes ça, excusez-moi.
Ah si, il est là, regarde, ah, regarde si, il est là, devant. Ouais, oh, il est pas c'est avec Enzo, nous. Je crois, Enzo, ouais, Enzo. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, il s'appelle Enzo, lui. Vas-y, démerdez, on y va, les gars. Ah, il plongez pas trop, ne vous noyez pas, les gars. C'est cool des sorties comme ça, les gars, hein. Vous kiffez ou pas? Bon plan. Cassez-vous, ouais, c'est stylé, je kiffe trop le RP de l'école. Vous pouvez pas savoir comment c'est stylé. Là, il commence à avoir du trafic là dans l'école, là, c'est trop beau. Des sorties de vélo comme ça, c'est beau, hein. À la fin, je vais vous donner le Discord, on va aller tous sur Discord après, on va aller faire la fête. Ah, t'inquiète pas, The Gamer, t'inquiète pas. T'inquiète pas, The Gamer, tout va bien, mon pote. Oui, oui, Momo, qu'est-ce qu'il fait, Momo? Wesh, frère, t'es fou! Qu'est-ce que tu fais, frère? Wesh, t'es fou! Moi je voulais aller de l'autre côté avec le vélo, wesh. Wesh, ah mais t'es un malade, t'es un ouf toi. Hey, on est parti dans un coin, on a fumé un pétard, nous frère. Wesh, t'es sérieux, vous m'avez pas appelé, bande de bandes. Mais on te cherchait, on te cherchait, viens, vas-y, vas-y, ben viens, tu veux venir? Attends, vas-y, bouge pas, attends moi, je vais chercher boutonneux avant. T'es boutonneux. Vas-y. Eh mais, eh, ping-pong. Attends. Ping-pong, amène-le dans notre coin. Allez toujours dans notre coin, je vais chercher boutonneux. Viens, Momo. Mais nage bien sous l'eau, faut pas. Vous te fais pas remarquer. Vas-y. Oh merde. Ah mais je suis trop crevé là, monsieur. Il est où, boutonneux? Ah non, boutonné. Boutonné, c'est perdu. Mon pauvre petit boutonneux. Je crois qu'on a perdu boutonneux. Hein. Encore, il a fait comme le vent celui-là. Mais il a pris un, il a pris un VTT. Il a pris un VTT, je sais pas moi. Je vais le taper lui maintenant. Je vais le taper à fond celui-là. C'est pas lui là bas. Oh. Attends, je vais voir. Quelqu'un veut t'aider. Et bah, on se rappelle. C'est lui ça. Je sais pas si c'est lui. Je crois que c'est lui en VTT. Enfin, en VTT en BMX. Je sais pas si c'est lui, hein, mais je crois qu'il était en BMX en tout cas. Je crois qu'il s'est perdu. Hein. Ah bah je crois qu'ils sont partis à sa recherche les surveillants. Elle peut-être c'est lui, hein. Pas l'attaché. Vous avez pas des jumelles? Bah là-bas il y a des élèves là-bas. Oh putain, je le vois, oui, là-bas. Bah non, c'est pas des élèves. Oh, bon, regardez. Si, c'est des élèves, oui. Ah, ouais, monsieur, oui, tu vas aller me chercher le petit malapoué là-bas, là. Il fait du vélo, il se croit où, là? Imaginez ces boutonneux. Il faut se réveiller, voilà, voilà. Ah, excusez-moi, monsieur le directeur, là, j'ai eu un gros problème de code là, ça voulait pas se remettre. Oh putain, c'est du barrage les autres élèves là-bas! Mais n'importe quoi, c'est pas les élèves ça! Ah si, je te jure, c'est les élèves! C'est bataille Poucave! Ah, bataille la Poucave! J'ai vu quelqu'un sauter du barrage! J'ai eu un gros problème de code vocal, ça voulait pas se remettre là. Bah, moi j'ai pas vu, moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ce qu'on nouait là? Non, mais ça m'a déjà sauté! Ouais, maintenant je suis tombé dans l'eau là, ça sonne mes cigarettes, ça sonne mouillé là. Ah non, c'est pas boutonneux, putain. Dites-moi, je pense pas que ce soit très normal et logique qu'il n'y ait que la moitié des élèves ici présents. Hein. Ouais, ça c'est vrai, c'est un peu bizarre, comme vous dites. Bon, moi je vais plonger, moi. Il m'a fait pas mal d'élèves. C'était peut-être pas une bonne idée. Ah, je me casse, moi. Je vais aller les rejoindre. Ils sont fait remarquer de loin, il faut que je vais leur dire. Boutonneux, il est pas là. Ils vont se faire attraper, putain, allez. Ah ouais, je vais appeler boutonneux, attends, je vais appeler, vous avez raison. Ils se font remarquer, frère. Je
crois qu'il s'appelle Enzo, le mec qui a balance là. Oh non, le con. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je sais pas, wesh, il est tombé du barrage. Oh, il a essayé de plonger, je sais pas ce qu'il a fait, il y avait les flics. Fais-lui du bouche à bouche, vite. Vite, y'a un mec qui arrive. Y'a Luigi qui arrive, frère. Mais ouais, mais je peux pas, moi, wesh, vas-y, fais-le, je suis pas pidi, moi. Vas-y, putain. Luigi arrive, on va se faire niquer. Mais lui, on peut le parler, attends. Mais ce Luigi, y'a quelqu'un qui il fait un malaise. C'est qui? Lui. Non, on voulait... Monsieur Luigi, on voulait venir ici pour fumer et... Il y a le petit Enzo qui nous a poucave, putain. Il vous a poucave. Enzo. Ouais, le petit, là. Déjà poucave. Il vous a vu de loin. Il s'appelle comment, lui? C'est... Comment, lui? Moine. Le moine. Mais je sais même pas son nom entier. Il est où, ping-pong? Ping-pong. Marouane. J'étais avec lui tout à l'heure là, et on était dans l'eau avec et il a plongé et je crois qu'il est au fond de l'eau, je suis pas sûr, faut qu'on aille voir. Oh non, ping-pong! Au fond de l'eau, juste ici aussi. Attends! Ils sont pas sérieux, ne me dis pas qu'il est là. Oh non, mais les mecs, ils restent trop longtemps sous l'eau en fait. Y'a Ping Pong qui est sous l'eau aussi. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai pas vu mais je crois qu'il est sous l'eau. Il faut... J'ai un peu de m'occuper. Monsieur Luigi, on peut fumer tranquille là, ça va, tranquille. Alors venez, voilà. Mais vous inquiétez pas, bientôt on aura votre argent. Vous en voulez? Vous voulez... Allez, tenez, je vais vous donner quelques trucs. Ah, cyber, c'est gentil, pieu. Départ dans quelques minutes, putain. Oh merde. On attend une petite cigarette et puis on y retourne, c'est bon. Adri. Merci le roi du troll pour tes 4 euros. Wouah, il m'a donné un paquet de 40. Ah ouais. Vas-y, fais péter une clope. Fais péter une clope, wesh. T'as pas? Vas-y, donne-moi en deux, je t'en ai donné deux tout à l'heure. Vas-y, hein, tu m'as donné, t'es fou toi. Si, je t'en ai donné deux tout à l'heure là. Tu grattais. Vas-y, arrête tes conneries, je t'en donne un moi. Vas-y, t'es un bâtard, voilà. Vas-y, c'est bon. Ah non, c'est bon, t'inquiète, y'a rien. Je lui donne 5. Il est là, votre ping-pong, là. Le voilà, votre ping-pong. Oh, ping-pong, t'étais où, putain? Vas-y, merde. T'es parti quoi, des paires de connaissances? Bah, je sais pas, moi, à toi de nous dire. Hey, lui, il est en train de noyer, monsieur. Aidez-le. Moi, je vais fumer, on va pas tarder à partir, là. Le soleil commence à se coucher, vite. Ah, mais t'es bugué, vous faites quoi? Il vous a donné des cigarettes. Vous nous accompagnez, monsieur? Je veux en avoir une dernière, s'il vous plaît. donnez à ping-pong un briquet. Donnez à ping-pong un briquet. S'il vous plaît, monsieur Ludier, on vous paye après. À fin de quoi on vous paye? D'accord. Hey, roi du troll. Ah, roi du troll, tu commences là. Je me souviens de toi. Merci, frérot. Il est gentil, mais il pue de la gueule, t'as vu? Merci, frérot, roi du troll. Tu voulais, on vous achètera des bonbons à la menthe la prochaine fois. T'inquiète pas, je peux pas de la gueule, moi. Par contre, toi, tu fais du cul. Par contre, t'as senti son cul? C'est le cas d'entre vous. Pourquoi t'as senti son cul? Si vous voulez. Il a senti ton cul, il a dit que tu peux du cul. Tu l'as fait sentir son cul ou quoi? Non, mais il a dit de s'essuyer son cul. Si vous voulez, vous pouvez sentir mon cul pour voir, y'a pas de soucis. C'est lequel qui a les cigarettes chinoises? Tourne-toi, on voit tes taches là. Regarde tes taches là. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a pas de tâche, ouais. Vous êtes sérieux? Anonyme, c'est qui anonyme? Si, toi, tu vas voir. J'ai les stocks, c'est 2000 le marteau. Ouais, j'avoue, t'as une petite... Ou 3000. Vraiment, petit. Ouais, ça, je crois que c'est l'eau. C'est l'eau, je crois. Wesh, je me suis caché dessus, vous êtes fous. Je crois que c'est l'eau. J'ai dû mettre du Nutella ce matin, t'as vu? Bon, moi j'y vais. Par contre, quand on vous appelle pour rentrer, vous rentrez. Sinon, prochaine fois, je vais être plus sévère. Ah, mais faut y aller de toute manière, je pense, parce que là, on va se faire niquer nous aussi. Ah frère, il m'a laissé le briquet, c'est normal. Le bout de nuit, il est où? Attends, j'ai combien de 4 marteaux, les gars. Vas-y, on bouge. Ouais, j'ai bout de nuit, il est où? Mais on l'a perdu, justement, on va aller voir. Putain, il commence à faire nuit, là, on se casse. Merci, roi du troll. J'ai commandé 4 marteaux, les gars. Parce que Momo, il a déjà 4 marteaux.
Ça passe non, 4 marteaux c'est bon. Ah ouais, faut que j'appelle Boutonneux. A mon avis, Boutonneux il a fait demi-tour, il est parti à l'école. On va rentrer là les gars. Non, j'ai dit manteau, bah ils vont comprendre les gars. Comment on fait pour intégrer dans l'école? Bah c'est simple, les modos vont vous partager le Discord. Et les modos, partagez le Discord de Flash Cool pour qu'on puisse qu'ils puissent faire leur candidat. Ouais, c'est mon vélo. C'est mon vélo ça. Non, c'est le mien. Le vélo. Vélo, prenez n'importe quel vélo, il y a des vélos partout. Ah d'accord. Allez, prenez les vélos les petits. Monsieur le directeur ? Oui. Moi je vais vous laisser ici parce que j'apprends. Ah merci Blue. Si vous voulez rejoindre Flash Cool, ouais, c'est là-bas. Là. Allez-y, passez votre candidature. Vous, tout le monde est, même les petits, à partir de 14 ans, 14 ans, il y a possibilité ouais, bon, que vous rejoigniez. La fin de soirée. Bonne soirée à toi, Charlie. Vous mettez. Allez, peut-être allez, bon allez après-midi, les enfants. Au revoir. Je crois que Boutonneux il est retourné à l'école hein, si je me trompe pas. Ouais, okay. Je suis sérieux lui, mais lui il a un peu. Oh merci tête, le roi du troll. On va jusqu'à l'école là. Let's allons go. Ça va être pas jusqu'à l'école. J'ai mis un point moi les gars. Allez, allez monsieur le proviseur. Il va y avoir beaucoup de descentes là maintenant les gars. Moi je me casse mon frère. Elle va prendre un raccourci aussi. Fais une blague au principal en appelant sur son téléphone. Oh putain, t'es un génie le crime. Eh hey, je peux pas te dire non le crime. Ah, je m'en bats les couilles, je coupe le chemin moi. Oh putain, on va mourir, non, 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 non. Yes. Oh putain, j'ai réussi. On est oh, de fou, on est de fou, frère. Stylé, oh là, les gars, on se casse, stylé, on ouais. Est de fou. Oh, oh, ça va trop vite, mon frère. Il faut aller à droite, là, après, hein. Elle est encore à droite. Ah nous on était fous frère. Ah ping pong il a fait comme nous. Il a fait on comme nous ping pong. Bah à l'école. On va mettre en place le plan. On y va les gars. Ouais t'as roule. Là, c'est stylé ces vélos. Wouhouhou ah, franchement ça. Ah y'a une grande descente. Eh la descente est trop nickel frère. Je l'ai tracé, je les ai tracés. Ah non, j'ai pas oublié ma voix, les gars, non? Je suis là avec ma voix, là, les gars. Ah, et pro, faut un bon PC pour jouer à Flash Cool. Ouais, mon gars, faut c'est GTA. Faut avoir un bon PC quand même, mon frère. Je suis déjà arrivé, la descente est trop cool. C'était pas mal ce petit balade de vélo, hein. Le principal, il gère, hein. Il organise bien les trucs. Et je vois que vous kiffez, on est là, vous êtes là, ça fait plaisir ou quoi? Faut aller là-bas. Ils sont bien organisés, hein. On est là! Pour
poteau, je dois y aller. Bonne soirée à toi. Merci Tounzi d'être passé. Merci mon pote. 10, 16 balles, tu balances comme ça, frérot. Merci à toi. Gros big up à toi. Ah, c'était cool la descente, frère. Au KLM. Eh, on est les trois premiers, gros. Ouais, on a gagné. Les autres, ils nous ont suivis. Ils ont raté, t'as vu. On est les premiers, monsieur. On est les premiers. Raton laveur, là. On est les premiers, monsieur. Oui, bon, les ratons... Vous allez vous calmer. Le directeur, il est où? Il est là, regardez, il est là. Moi, j'ai dû ramener trois guignols. Il est juste derrière vous. Ah. Il est où? Il est boutonneux, boutonneux, boutonneux. Je sais pas où il est, gros. Depuis tout à l'heure, il est peut-être parti se... Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Allez voir. Peut-être en train de prendre une douche, toi en train de péter ses boutons devant la douche, t'as vu? Ouais, bah attends, je l'appelle tout de suite là, parce qu'on a besoin de lui. Ah, ouais, j'étais où, frère? On est retourné à l'école. Ouais. Je suis dans un cours, moi là. Ouh, ouh. J'étais avec l'infirmière. Ah ouais? Ouais. Hey, tu le touches pas, c'est à moi. J'ai failli la pécho. C'est moi qui l'a pécho. Il est venu dans ma chambre tout à l'heure. Il est venu dans ma chambre tout à l'heure. Arrête de dire des conneries, il est venu dans ma chambre. Moi, elle a pris soin de moi là. Hein. Ben moi aussi, hein. T'inquiète pas. Bon, vas-y, vas-y, je m'en. Mais ramène-toi, putain. On a besoin de parler du plan. Vas-y, j'arrive, j'arrive. Ouais, ouais. Pas ouais aussi. Le petit chaud là, elle tombe à la falaise là. Ouais, voilà, il a un petit peu vu, mais en fait, non, il a pas perdu. Hein. Ouais, moi j'ai fait aussi. Je me suis un petit peu mal aux hanches, mais c'était vraiment bien, ouais. En tout cas, bien joué, les jeunes. Je vais enlever ma tenue, moi j'arrive. Ils sont perdus sur le chemin. Ouais, ouais. Tenue de civil, j'ai quoi comme tenue de civil, moi? Ah, ouais, j'ai pas fait. Moi aussi, je me mets en jogging, gros. J'ai pas fait ma tenue de civil. T'as vu comme je suis beau gosse, tu kiffes ou quoi mon t-shirt? Ah ouais, ouais de ouf. Moi je kiffe de ouf les t-shirts de moto comme ça, t'as vu? Nagasaki, il est là mec. Ouais, c'est dédicat à toi, t'as vu? Big up, c'est ton pays ça. Ouais. Nagasaki, y'a pas une bombe comme ça qui est arrivée en Antilles là? Une bombe nucléaire? Nagasaki, ouais, non? Je sais pas, gros, t'as vu Discord avec Premix. Ah, t'es pas, hein. Moi c'est d'origine. Ah non, ouais, moi, c'est un petit peu craqué, tu vois mon truc là, c'est un petit peu vieux, il est un petit peu craqué, mais t'as pas. On va voir là-bas, vous inquiétez pas, les gars. C'est pour traîner, t'as vu, ça sert à rien. Pour la fête Discord d'un instant. Parce que ici, y'a pas de go, ouais, ça pue. Vas-y, moi je suis chaud là, on va voir. J'avoue, y'a pas de. Et au fait, bah moi j'ai envie de me balader depuis longtemps, gros, mais de te parler comme vous voulez. Moi, vous me barrez, je me barre. Moi je suis chaud là ce soir, là, t'as on se pète. Pas toi, adieu. Ouais, vas-y, je te sens, mais t'as raison. Ils sont où? C'est bon, les gars. Ouais, je parle de carottes, c'est quoi cette chaîne? Ouais, je t'ai cru que t'étais un thug life ou quoi, ma tête? Ah, je l'ai volé, frère. Wesh. J'ai volé. Salut, dans le bureau du principal. Ah merde, il est là, le pion. Ah, merde. Ouais. Ah, non, je rigole. C'est pas te taquiner, non. Monsieur. C'est pas vous taquiner. Voilà. C'est une petite blague, on savait que vous étiez là, t'as vu? Ouais, oui. Ouais, ouais, dites tout de suite que vous êtes pas content de me voir, quoi. Ça ira plus vite, hein. Monsieur, vous avez un vaisseau spatial? Ah, ouais. Monsieur, ah, dites-nous la vérité. Venez de planète. Planète. Vous venez d'une autre planète, dites-nous la vérité, monsieur. Pourquoi vous dites ça? Bah, comme ça, je sais pas. Bah, monsieur, bah, vous êtes bizarre. De Peter. Pourquoi? Vous indiquez quelque chose sur moi, peut-être? Ben, on vous trouve bizarre, monsieur, vous êtes... Vous nous faites peur. On dirait que vous venez pas de cette planète. Ouais, un petit italien comme ça, là. Bah, vous parlez pas trop, vous avez vu, et vous venez nous voir, vous approchez nous. Et puis vous nous observez, ouais, de loin, là. En fait, vous observez, vous êtes extraterrestre, genre, vous prenez... Vous donnez sur nous, et après, vous allez nous attaquer et tout. Un truc comme ça, non? C'est ça. En fait, quand je crois que vous allez à des groupes, j'entends un mot là-bas, un mot là-bas. Putain! Pour moi, c'est un puzzle. C'est un raptor, le mec! Puis je le réunis, puis. Ça, mais j'ai la réponse, faut. Faut être vraiment flippé, hein. Vous. Oh putain. J'espère que c'est pas vous qui allez surveiller l'internat ce soir, hein. Moi, de m'avoir peur. Hein. Oh, vous savez, bah, je sais pas, d'un côté j'entends raquette, de l'autre j'entends graines. Mais vous êtes vraiment. Côté, vous venez pas de cette planète? De l'autre côté. Ah bah écoutez, ça vous est découvrir. On va enquêter sur vous, monsieur, vous inquiétez pas, on va tout savoir sur vous, on va vous dénoncer à l'FBI! Ah bah ils ont déjà essayé, mais bon,
Comment ça, monsieur? Oh, il est glauque. Y'a que lui qui a dit ça. Moi, je vous enquête sur vous. Moi, je vous aime bien. Moi, je veux pas de problème. Non, mais je vais dire enquêter du bon sens, hein. Vous inquiétez pas. Dans le bon sens, monsieur. Non, y'a que lui qui a dit ça. Ne me poussez pas à battre mon record, parce que. Comment ça? J'ai un record à battre. C'est pas votre record. Record de quoi, monsieur? Qu'est-ce que. Il a demandé. Record de quoi? De. 116 coups de couteau, non? C'était vrai? Non, je l'aurais pas dit. Vous avez dit que je le dis. Il fallait pas que je le dise, je l'ai pas dit. T'es vrai, 116. Tu sais, tu nous as dit 116 coups de couteau. Non, c'est une légende, ça, c'est pas possible. Putain, moi je me casse, mon frère. C'est pas avec lui, moi. Oh, il est bizarre, lui, putain. Il est bizarre. Eh, t'as vu, je t'avais dit, gros, je t'avais dit, t'as vu, c'est un fou, wesh. Mec, il faut qu'on enquête sur lui, moi je m'en bats les couilles. Votre pote le boutonneux, là, il a des problèmes. Il est où? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Y'a. Comment il s'appelle là? Y'a Igor qui l'a attrapé. Non, il est où là? Il est où? Oui, il est là-bas là. Je vous dire, demain il y a grillade. Hein. S'il ouais, manque quelqu'un de votre groupe, vous étonnez pas. Hein. Putain. Oh putain. Il fait flipper lui. Ah, il fait peur. Ah, il fait peur de ouf. Wesh, t'as entendu ce qu'il. Le cuisinier, t'as entendu ce qu'il a dit, wesh? Mec, il va nous. Et s'il te donne de la viande, ne prends pas. C'est un malade ce gars. S'il te donne de la viande, prends pas, ça doit être de la viande d'humain. Il tue les humains. Moi je te le dis, moi. Tu les élèves, c'est pour ça. Mais si, il rigole pas, c'est vrai. Il y a de moins en moins d'élèves, frère. Ouais, il y a de moins en moins d'élèves. Putain, wesh, c'est lui qui bute. Il y a de moins d'élèves, ça. Il est bu pendant qu'il dorme. Et c'est lui, il donne la viande, il fait les McDo avec. Ah, boutonneux, enfin. Ça se trouve, on mange de la viande d'humain depuis le début, wesh. Oh, putain. Non, c'est bon. Si. Oh, putain, il fait nuit, là, bientôt. Bon, monsieur, ouais. Bah, c'est pas grave, vous passerez un de vous les prochains. Club de 5, rassemblement! Tuer, non. Club de 5, rassemblement! Ouais, je vais. On va rassembler! Ouais! Vas-y, on rassemble tout. Où est-ce qu'on se rassemble? Dans le coin là-bas, là? Dans le. Où est-ce qu'on est parti, vous? On reste ici? Oh, je sais pas, là-bas, c'est bon, y'a personne. Reste ici, au pire. Et gros, t'as vu, c'est un ouf ce gars, t'as vu? Boutonneux, attends. Mec, tu sais le pion là? Le mec qui s'appelle Sang, je sais pas quoi là. Avec la veste en cuir là. C'est un extraterrestre. Il est pas humain, il a tué quelqu'un. T'as pas vu qu'il y a Il y a de moins en moins d'élèves. Il a tué un élève en 116 coups de couteau. Et il nous donne à bouffer. Mais oui, c'est vrai, demande à Momo. Dans le McDo, frère, la chair d'humain. C'est pas de la viande qu'on mange, c'est de la viande des humains. Moi je voulais juste venir je m'approche plus de lui hein. Mais il est bizarre, il faut enquêter sur lui. Il est pas. Attendez, je vais acheter à manger, à boire, j'arrive, bougez pas. Les gars, on est devient fous. Les gars, ça passe, on va passer à l'action dans un instant. Fais le radar, t'as dit t'as eu des clopes, t'as pas passé, ouais, j'étais sérieux. Moi j'ai un gros paquet de clopes, frère. J'en avais pas. Alors pourquoi t'as dit que t'en avais, wesh? Tu dis plus rien là. Voilà, mon gars. Vas-y, filme le. J'en ai que 6. Moi j'en ai 40, frère. On va aller, on dort toi, t'inquiète, on dort toi. Allez, on est en rang, nous, on reste devant ici. On va passer un peu, parce que moi j'en ai aucune. Les gars. Attends, tu seras pas avec nous, mec. Mais un peu de clope. On va faire la mission, t'inquiète. Ça va pas de notre chambre, on va faire la mission pour toi. D'accord? Demain, on aura le business. Attention, parlez plus, il est là. Je viens avec vous. Il y a un extraterrestre qui arrive. Il y a un extraterrestre, quoi. Terminator. Arrêtez, dites pas ça. Putain. C'est Terminator, mon pote. Il va arriver, il va tout niquer. Dis pas ça. On claque une chaussette. Allez, on rentre. Non, quand j'ai occupé, c'est bien occupé, t'inquiète, hein. De toute façon, bébé, on se retrouve. Bébé, on se retrouve à l'intérieur. Pas, comme on avait dit, bébé. Hein. Non, mais. Bébé. En plus, oui, j'ai acheté des meufs. Bébé, on a dit quoi tout à l'heure? On s'en fout de ce qui. On s'en fout de ce qui. Allez, bébé, c'est pas avec tes trois petits boutons. Sortage de. Mais j'ai trois gros boutons dans mes pantalons, si tu veux voir. Zoé, mais c'est comme sortage joue, laisse tomber le. Zoé, allez, il est temps de monter dormir. Allez, monter le petit là. J'ai acheté des menottes, Zoé, t'inquiète. Merci! Oh putain.
T'as toujours la marchandise? Chuchoté. Oui. Ah, t'as acheté des nouvelles tortures ou quoi? Bon, hein? Ouais. Boutonneux. T'as des nouvelles tortures? C'est redonnez mon faux clé comme ça, je peux venir. Ah, bon monsieur Luigi. Mais on a juste une clé, frère. T'inquiète, on va t'ouvrir, t'inquiète. Mais fais pas remarquer. On va t'ouvrir. Attends, l'argent. Mais il fout quoi dans notre piole? Eh, mais vas-y, bouge! Mais non, mais tu verras, on va t'expliquer. Oh. Monsieur, viens! Oh. À l'argent, ouais, ouais, bouge pas, je te donne. Moi, j'ai pas d'argent, wesh. Déjà, on paye pour venir ici, moi, je te fous, wesh. J'avoue, déjà qu'on paye pour t'inscrire à cette Un billet de 200 dollars. Vous travaillez bien, franchement. Demain, vous aurez encore meilleur. Faut qu'on voit du meilleur pour Ouais. Eh, des cigarettes, toujours, hein, n'oublie pas. Oui, faut avoir des cigarettes. Ouais, nous on va pour dormir. Demain, je vais vous préparer un truc. Écoutez, j'ai un secret. Pour demain, j'aurai peut-être. Vous voyez des bangs. C'est des. Oh, c'est des bangs. Oui, merci de nous souhaiter bonne nuit, monsieur Luigi. Vous êtes gentil. Oui. Merci. Monsieur le principal, c'était une belle journée. Merci pour cette journée. On a bien profité de la récré et tout ça. On était chasse. Ah, mais c'était bien. Profitez, c'est un point, mais demain on commence le boulot. Il y a cours de commerce et votre nouveau professeur de APK. Quoi? Le professeur RP? Me donne pas une pipao parce que je vais te taper dessus, hein. Oui, votre nouveau professeur de APK. Demain, casse-toi, ping-pong là, peut-être. Demain, c'est une grande journée là, alors putain, les gars, il y a coup RP demain, putain. Y'a coup RP, putain. Ah ouais, demain, votre nouveau professeur de RP. Et d'ailleurs, ça va être votre professeur principal à vous, là. C'est qui le professeur RP? Ah, on peut savoir c'est qui. C'est une femme. Il s'appelle... Non, c'est un monsieur, il va vous serrer la vis, il va vous taper dans les boîtes, là. Professeur de RP. Ah ouais, merci la crème, je vais l'appeler, regardez, je vais l'appeler. Professeur principal. Je vais l'appeler tout de suite. Ah, maintenant, on préfère vous, monsieur. Vous êtes bien, vous. Ouais, vous êtes bien, travail. Moi, c'est toi qui m'a petit choix là. Oh, mais de là mon numéro. Allô? Ah ouais, tu m'as téléphoné, petit. Hein, c'est pas moi? Bon, faut pas dire que t'as mon numéro, hein. C'est pas moi? Bon. Ah merde, vous avez mon numéro, merde. Je voulais vous faire une petite blague, excusez-moi. Ouais. Ah merde, fallait pas dire. Ouais, c'est pas. C'est pas que j'ai ton numéro, c'est que je te vois sortir ton téléphone devant moi. D'accord. Demain, un nouveau professeur de RP et votre nouveau professeur de commerce aussi. Vous allez apprendre à vendre des choses. D'accord, cool. Ça va être une belle journée demain. Encore une bonne journée pour nous faire chier à faire des coups, mais c'est pas grave. Déconne pas. Allez, on va compter pas des conneries maintenant, les petits. Allez, bonne nuit. On va fermer la porte. Bonne nuit. Hey, attendez. Hop, il est où là le petit? Hey, je t'ai à l'œil toi Nicolas, hein. Ah, c'est bon. Ouais. Chef de bande là, petit caïd. Demain j'ai besoin. Ouais, je veux voir comment ils font dans les autres dortoirs, t'as vu. Là, dans cette chambre. Par ici les mecs, c'est ma chambre privée. Ouais. On va discuter business ça, là. Wesh. On va discuter business. Ouais, c'est ma chambre solo, ouais. Ferme la porte, non. Wesh, t'as un passage secret. Ah ouais, d'accord. Wesh. Ouais, elle est secrète, c'est cool. Bon, j'ai pas un trou comme vous, mais au moins elle est secrète. Tu nous as parlé de... Ouais, j'ai du matos. J'ai trois marteaux disponibles, là. Si vous voulez, right now. Demain, je passe à commande de poids demain, d'accord. Je paye pour mes amis, je paye. C'est 2000 balles le marteau. Frère. 2000, ouais, je t'abuse, ouais. Tu l'as acheté 50 dollars. Ah, mais tu les me mecs, racontes. Non, mais tu rigoles, 50 dollars, c'est un truc de ouf le tarot. J'ai failli me faire défoncer la gueule. Non. 1000 dollars, parce que nous aussi on aura du business pour toi. 1000 dollars. 1000 dollars, après. T'inquiète. Mais je fais pas de marge. Je les paye 1100, moi. Je les paye 1100. Il me faut 1500, ça vous va. Allez, 1500 alors. Ouais, je les paye. 1500, mais écoute, nous qu'on aura du business pour toi, on va pas oublier, d'accord. T'inquiète pas, frérot. D'accord, vous êtes bon, écoutez, bougez pas, j'appelle le gars. Ouais, mais commande pour demain.
Demain dans la récré, tu me donnes après, d'accord? Ok, 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 ok. J'en veux. Demain. Tout pour toute ma bande, demain, j'en commande 5. 5 pour toute ma bande. 5, je sais moi qui paye. Okay. C'est bon, t'en as déjà un? Allez, 4 alors. 4 à la récré. Okay. À la première récré, d'accord? Première récré, on se retrouve quelque part. Oh, et... les points américains, ça vous intéresse aussi? Je l'ai pas fait pour mais c'est lourd. Oh, points américains, ça c'est plus crède. Hein. Nous là, hé, là, frère. D'avoue, ouais. Là, on va aller. Je peux vous trouver ça aussi. Là, on va aller planter. Du shit, Nathan. Après, ça c'est. Enfin, on va aller voir. Ok, ah ouais, carrément. Oui, on aura du on a du bon truc pour toi demain, t'inquiète pas. Ah, ok. Ok, ok. Mais écoutez, les gars, là, moi, j'allais me coucher et tout, entre guillemets, mais demain, je vous fais ça. Il y a grosse commande. Les bons américains, ça vous dit. Par contre, ils sont vraiment plus chers, quoi. Genre, je les paye 1005, t'as vu. T'inquiète, donc, t'inquiète, c'est bon, on va voir ça demain. Gosses. Ramène demain, on va voir la marchandise. Ok. Allez. Ok, ok. Vas-y, ouais, bonne nuit, Vladimir. Oh putain, faut que je vais changer dans votre chambre. Ça fait galère d'être solo ici. C'est bloqué. Oh non. Je pousse. Ok, nickel. Allez, c'est bon. Allez, les gars, on te trouve demain. Demain, les gars. Allez. Bonne nuit. On a très bien compris ce que vous faisiez là. Ouais, il est là. C'est madame quoi. Et madame Zoé, non, je vous voyais autrement, la vérité, je vous voyais autrement. Non mais il a la gastro. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous avez vu sa gueule? Mais c'est. Mais. Ouais, mais qu'est-ce que c'est ça toi? Vous m'écœurez madame. Mais pourquoi? Ah. C'est bon, j'ai fermé la porte, elle est à nous, elle est à nous. J'ai fermé la porte, on va partager les gars. De quoi? J'ai fermé la porte. Bloquez la, bloquez la. Attendez. Mets-toi tout nu. Attends, bouge pas. Attendez, deux secondes. Mets-toi à Wall. J'ai fermé la porte, de toute façon, je m'en bats les couilles. Tu bouges pas. Je reste ici. Vous restez ici, madame. Vous restez ici, madame. Non. Sans le marteau, si elle bat. Sans le marteau, regarde ça. Mais putain, je vais m'énerver là. Arrête, putain. Calmez-vous. Partage, frère. Mais non, vous la laissez. Elle est gentille en plus. Arrêtez là. Vous avez quel âge là? Et alors? Dites-moi, vous avez quel âge? Vous faites des choses avec le boutonneux. Fais-moi un bisou. Et déjà, vous faites des choses à nous aussi. Fais-moi un bisou. Fais-moi un bisou, après on te laisse partir. Non. Fais-moi un bisou, on te met un coup de marteau. Vas-y. Arrête. Eh, la porte est fermée, putain. Vous avez. Monsieur, la porte est fermée, putain. Monsieur. Regarde, j'ai pas vu. Et ça. Vous la laissez tranquille, non, tais-toi. Vous avez quel âge? Allez, fin. C'est la fin de journée, wesh. Bon, allez, vas-y, on laisse partir, on a du boulot. Un bisou chacun, pas bonne nuit. Ouais, non, bah, si vous voulez, un bisou chacun, s'il vous plaît. Allez, un bisou chacun. Soyez gentil, madame. Je me retourne, madame. Allez, on veut un bisou. Mais un bisou chacun, putain, non, un câlin. Au boutonneux. Un câlin, putain. Vous faites des bisous au boutonneux, vous pouvez faire un bisou à nous aussi. Laisse-la. Pas laisser, maintenant. Ferme ta gueule, toi. Allez, vas-y. Allez, dors un peu, là, t'as cassé les couilles. Un câlin. Mon petit. Câlin. Vas-y, c'est bon, hey, gros, elle est chelou cette meuf. Un câlin, putain, mais tout à l'heure on était bien avec là. Un câlin. Ouais, moi je suis gentil, moi. Mais vous êtes chelou. Mais là. Vous êtes fou. Vous êtes. Allez. Bizarre, vous êtes des bandes de tarés. Vas-y, attends, mais t'as déjà profité, c'est face de. Cupoule, va. Madame de Saint-Bébé, s'il vous plaît. J'ouvre la porte, elle est ouverte. Vas-y, nique-le. Vas-y, dégage, vas-y. Restez la porte là. Est vas-y, bouge, voilà. Monsieur, la porte est ouverte. Allez, au revoir. Elle a un sgeg, c'est ça en fait. Trop tard, c'est fermé. Allez, au revoir. Tiens. Oh là là. Les gars, vous êtes sérieux? Putain, tu partages pas, frère. Tout à l'heure, je l'ai pécho, je l'ai. J'ai le boutonné, t'es un bâtard. Toi, tu fais des trucs en scred et tout comme ça. Vas-y, c'est bon. On est rentré. Tu peux partager, truc, frère. Elle était en train de pomper, frère. Elle était en train de pomper. Wesh, elle était en train c'est de le pépon, frère, je te jure. Ah ouais? Elle était en train de le pépon, mais oui. La pompon, comment c'est-à-dire? Mais genre, tu vois, elle était accroupie, l'autre, lui, il était assis par terre et il était. Et voilà. Petit garnement, va. Son petit affaire, t'as vu? Petit garnement. Elle m'aime bien. Ouais, mais partage, hein, fais tourner, frère. Mais qu'est-ce qu'elle a pour. De toute façon, tu sais très bien, t'es pas amoureux. Elle est trop vieille pour toi, mais fais partager, on a envie de découvrir aussi, nous on sait pas comment c'est. Quoi? Bon, bref, c'est bon, j'ai réussi à mettre l'ascenseur en route. Oh putain, viens, on fume un coup d'abord, venez les gars, venez, on fume un coup.
Il n'y a plus qu'à appuyer. Putain, t'es en full. Putain, il a remis les palettes et tout. Ce mec, c'est un génie de l'informatique, frère. Attends, on filme un coup avant d'y aller, les gars, parce qu'on va avoir du boulot là. Vas-y, ah, j'ai les graines. Hey, les gars, j'en ai 62 des graines. Attends, boutonneux, attends, on fume un coup avant. Putain, il est fou lui. Tiens, boutonneux, viens prendre une cigarette là. Boutonneux, attends, on fume un coup. On fume un coup avant, tiens. Tu lui donnes ou je lui donne? C'est bon. Je lui donne, bouge pas, je lui en donne 5. Tiens, t'as un briquet, frérot. T'as un briquet, frérot, c'est bon. Ouais, vas-y, tiens. Non. Moi, t'as un briquet, tu peux envoyer. Vas-y. Vas-y, viens, je te donne, viens. Tu veux un briquet, c'est ça? Les cigarettes partent vite, les gars. Ouais. Ah, mais après, tu me le rends, hein. Il s'appelle Reviens, je te rappelle. Hein. Tiens, 5 cigarettes, voilà. Ça coûte cher, les briquets. Oh, vu. Nice, Martin mal. Oh. Enfin, les gars, on va profiter, les gars. Mais Boutonnet, t'es parti voir ce qu'il y avait à l'intérieur? T'es parti regarder? Ah, tu kiffes. Non, même pas, mais... Tu kiffes les cigarettes, ça y est. Vas-y, attends, moi, je casse. Attention, non, il faut qu'on se recule, on va se mettre des patates dans la gueule, sinon. Et voilà. Tu me tords. Je t'ai donné ton briquet. Ah, je l'ai pas eu. Il ment le bâtard. Regarde dans mes poches. C'est un gros voleur ce mec. Ah, c'est Greg. Arrête dégonner, j'ai pas eu. Vas-y. Eh, je vous dis direct, donnez-moi. Je te jure, j'ai un briquet, frère. J'ai juste un briquet. Je vous balaye un par un. Je vous balaye un par un. Ah, tes conneries, donne-lui son briquet, frère. Mais je te jure, tu l'as donné. Pourquoi tu me donnes? Mais oui. Tu as donné à lui, putain. Je te l'ai donné à toi. Vas-y, donne-lui son briquet, là, frère. Arrête tes conneries. Ah voilà, putain, il a sorti le marteau, putain. Bon, attendez, les gars, je vais casser, chacun son tour, vas-y. Vas-y, enlevez-vous, reculez-vous. Reculez. La mission commence, les gars. Lampe par contre. Oh putain, ils se frappent entre eux, les bâtards. Ils sont sérieux. Les gars, je me demande qu'est-ce qu'il y a là-bas. Par contre, ce que nous allons voir là, les gars, ça, je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui a fait l'ascenseur. Je ne sais pas, c'est pas moi qui l'a fait. C'est Guy qui l'a fait. Donc on va découvrir ça en 25. J'ai hâte de voir ce qu'il a fait, Boutonneux. C'est lui qui a préparé tout ça. J'ai hâte. Putain, ils sont en train de frapper ces bâtards. Putain, mais arrêtez de vous taper, putain. Ouais, qu'est-ce que vous faites, les gars? Je crois que là, il faut appeler l'infirmière. Là, je crois qu'il est dans la merde. Non, t'inquiète, je vais le masser, moi. Vas-y, allez. Vas-y, masse-lui les couilles. Tiens, je lui mets un doigt dans son cul, regarde, tu vas voir s'il va pas. Voilà. Viens, putain. Viens. Mais je vous ai dit, mettez pas vous trois à côté, venez. Attends, mais parce que moi, je vous vois genre. Dans le. Ah, c'est bon. Reste ici, frérot. Putain, j'ai hâte de voir ce que t'as fait, frérot. Merci mon pote, pour tes 4$! Poil de carotte 2. Eh, arrête Cyril, arrête de me prendre pour un con. Je sais que c'est toi. T'inquiète, demain on va voir. Mais le moine il peut pas venir, il est dans sa chambre, les gars, on va se faire opérer sinon. Là on est à 4. Parle pas, abruti. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, j'ai plus de lampe, moi j'ai perdu ma lampe. Putain, c'est pas grave. Oh, j'étais sérieux, wow. Comment on va faire? Bah ouais, j'ai perdu ma lampe, frère. C'est pas grave. Attends, moi j'ai un petit peu soif là, putain. Vas-y, bois un truc. Il arrive. Non?
Si, si, il est là, c'est bon. Nickel, les gars, c'est parti. Bonne chance, les gars. Vas-y, on te suit. Je me mets à la première personne. Passage secret, les gars. Attends, attends, attends. Ah, ouais, merci Doumé, merci 5 euros. Putain, merci mon pote. J'arrive dans un instant de façon. Ouais, putain. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait. Mais qu'est-ce que t'as fait, boutonneux? Y'a rien de changé. Allez, en fait. Ah, ouais, regarde. Wow, c'est quoi ça? Y'avait pas ça? Wesh, c'est toi. C'est toi, t'as fait ça. Mais comment ça fonctionne? Mais j'ai remis le panneau de contrôle. Comment ça fonctionne, frère? Tu l'as trouvé où? Comment t'as fait ça, wesh? T'es fou dans ta tête. C'est un génie, ce mec, c'est un génie. Il est fort dans l'informatique, dans la technologie, le mec. T'as plus qu'à... C'est sa spécialité. Mais t'as plus qu'à quoi? Attends, je clique. Bah vas-y, fais-le, fais-le. Monte-nous, là. Et après, j'appuie après. Ça marche pas. Après. Attends. Ah, ici. C'est là. Passage secret, c'est quoi ça? Wesh. Allez, on descend, les gars, on descend. Wouah. On est où? Oh, c'est quoi cet endroit, mon mais pote? Attends. Mais... What the fuck? C'est bien, c'est bien un ancien. Regarde, mais c'est un ancien école, regarde. C'est une école. C'est l'ancienne école dont je vous ai parlé. Wouah. Oh, c'était vraiment petite école en fait. C'était vraiment. Les gars, faites attention, je suis sûr que le pion là, il est là, le pion, l'extraterrestre. Il doit habiter oh ici. Non, frère. Wesh, ça se trouve, c'est son repère, wesh, ça se trouve, c'est son repère, gros. Mais je te jure, frère. Mais attends, faut voir. Ouais, ça fait flipper. Attends, je prends mon marteau. J'ai pas de marteau, passe devant, t'as un marteau, frère. Wesh, vous êtes. Ouais, je passe. Mais non, wesh, j'ai pas de marteau. Vas-y, passe devant, t'as un marteau, frère, mais donne-moi ton marteau là. Tiens, je te donne mon pied de biche. Tiens, vas-y, je te donne mon pied de biche. Vas-y, donne, balance. Attends, me donne pas dans la gueule. Hein. Vas-y, on avance. Attends-nous, les gars, attends-nous. Doucement. Fais gaffe qu'il débarque pas du canet ou c'est pas doux. Wow, merci, frérot. Vas-y, ramenez-vous, dépêchez-vous, les gars, wesh. Il m'a donné un pied de biche, vas-y, doucement, les gars. Passez devant à deux, beaux armes. Passez devant. Ouais, gros. Attention à ce que vous faites. J'y vais en rampant, moi, les gars, j'ai peur, mon frère. Faites pas de bruit. Mais c'est quoi ici là? Mais c'est quoi cet endroit? Wow, on est où, frère? C'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Boutonneux, t'es un génie, t'as réussi à nous faire amener quelque part là, frère. T'es un génie, frère. Mais si je vois le... On va avoir les stocks de la cantine ou quoi, tu crois? Mais c'est pas le travail. Ça n'a rien à voir avec. C'est quoi ce couloir? Ça, ouais, ça fait flipper. Par contre, je vais pas là-bas. Désolé, j'ai peur, frère. J'ai peur. Je vais pas là-bas. Wesh. Imagine qu'il apparaît là en face de nous, wesh. Mec, c'est obligé, ça. Il va nous mettre des coups de couteau, gros. C'est obligé, c'est son repère, frère. Vas-y, je t'ai passé un pied de biche. Mais toi, vas-y, toi, tu rouvres ta bouche là. Vas-y. Vas-y, on y va. Les gars, je vous casse pas, je vais pisser dessus là. Je vous casse pas, j'ai peur. Le courage d'habitude, mais là, les gars, j'ai vraiment peur. Voilà. C'est obligé que ce soit Robert, c'est obligé, frère. C'est pas normal. J'ai entendu un bruit. Arrête tes conneries! Non. Sérieux? T'as entendu un bruit, moi? T'as pas entendu? Viens ici, ping-pong. Ça doit être une porte. Ouais, j'étais sérieux, gros, y'a quelqu'un, ça veut dire. Vous entendez pas, les gars? Boutonneux. Non. Mais y'a rien. C'est de la merde, toi. Attends, j'écoute. T'entends des trucs, hein? On aurait du grincement d'une porte. Arrête tes conneries, frère. Tu me fais flipper. Entendu, wesh. Fais des blagues. Vas-y. Vas-y, on continue. Ouais, mais t'es sûr, frère devant, hein. T'es sûr? Moi, j'ai peur, mon gars. Frérot, ça fait peur. Passe devant avec ton pied des oreilles. Attends, j'ai peur, moi. J'ai peur, frérot. Fais gaffe à la porte, Bobo. J'ai peur, les gars. Bobo, fais gaffe. Putain, il était... Frayeur d'or. Mais t'es tôt, mec, ça marche loin.
J'ai une porte pour toi, ça, mon mot. C'est fermé, toutes les portes. Toutes les portes sont fermées, les gars. Boutonneux, t'es sûr que t'as entendu un bruit? Boutonneux, t'as vraiment entendu quelque chose? Ouais, y'a tout qui est fermé, j'essaie là depuis tout à l'heure de rentrer, ça marche pas. Les gars, c'est pas... C'est quoi ça? C'est un ancien pourquoi établissement. Pourquoi elle est allumée, la machine à café, wesh? Attends. C'est dans le sous-sol, frère. Pourquoi c'est allumé? Ça dirait que quelqu'un l'habite ici, gros. Mais je te jure, y'a quelqu'un qui s'habite ici, c'est obligé. Vas-y, la voyez, venez, les gars. Être... Wesh, c'est quoi cet endroit, mon pote? Où? Oh, maman. T'en es des vas-y, fous, les gars. Vous voulez pas qu'on remonte, là? Vous voulez pas qu'on remonte? Pas de bruit. Quoi, il y a des bonbons de gaz et tout. Attention. Vous croyez qu'on peut ramper là-dessous? Oh, il y a une porte là. Oh, il y a de la lumière. La porte où on passe en dessous. Attends, t'es sûr? T'es sûr tu vas y aller? Ouais. Il fait quoi lui? Il fait quoi? Mais viens là! Mais tu fais quoi? Arrête, va pas là-bas! Vas-y, reviens, reste avec nous, boutonneux! Fais gaffe, Attends, t'es mort ou pas? Va pas là-bas, reviens! On ouais, ouvre pas! Il va se fermer la porte. On ouvre pas! Oh les gars, ça fait flipper! Regarde, on est dans un assiette! Quoi? C'est quoi? C'est un ancien vestiaire, non, ça regarde. Bon. Y a des casiers. C'est quoi ce délire, mon frère? Fais gaffe. Hein. Il peut débarquer de n'importe où, tu es dedans. C'est tout pourri, c'est tout crado ici. Ouais, ça sent mauvais aussi, vous sentez? Y a rien. Ça doit être périmé. Regardez la date des trucs là, c'est périmé les dates. Wesh. 1940. Oh, mec, y a même des sprites. Wow, 1940, 1949, frère. Non, 49. Ouais, 49, ouais. C'est quoi, 1900 comment? 49, ouais, t'as raison. Je vois mal avec les gars, j'ouvre la porte, les gars, j'ouvre attends, la porte. Attends, pas de conneries, frère. Attends, qu'on est là. C'est quoi ce bordel, là? Ouais, c'est quoi tout ça, là? Pourquoi il y a des trucs, genre, des trucs de nettoyage, tu sais, de... Pour les mères, wow. Putain, ils utilisent les balais, t'as vu? Il y a les produits, tout. Attends. C'est quoi, ça? C'est quoi, frère? Pourquoi il y a des herbes, ici, là? C'est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac, là, on est dans un cul-de-sac. Oh, mec, c'est une porte bizarre, là. Une porte bizarre. Attends, mais bon, attends. Oh, c'est quoi, c'était quoi? Y'avait quoi là? Wesh, je crois que j'ai quelqu'un, je suis pas sûr. Arrête tes conneries, mec. On se casse, t'es sûr? Elle a pas été ouverte depuis combien de temps? Vas-y, on se casse, j'ai trop peur, wesh. Y'avait quelqu'un, je crois. C'est des malades. Y'avait quelqu'un. Mais non, mais. Casse-toi! On va se faire niquer, les gars! Mais gros, on se casse, on remonte, les gars! Je m'en bats les couilles, je remonte, moi! T'es fou, j'ai pas envie de mourir, moi! Les tapettes, bah oui, on joue notre rôle! Wesh! Wouah! C'est quoi ça, les gars? On est sortis de haut! What? Wouah, c'est quoi ça, les gars? Elle l'a tenté, lui. Venez, c'est ici! Ah, c'est un bug de monter ça. Mais avance, on va se faire repérer. Passe, vite. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? T'es sûr que t'as vu quelqu'un? Oh, gros. Bah, je sais pas, tu vois, je suis pas sûr. Je sais pas, ça donnait. Il y avait un truc qui bougeait, tu vois, genre. Je sais pas, j'ai tout de suite fermé en fait, tu vois, j'ai à peine entrouvert. J'ai pas eu le temps de vraiment bien voir, mais j'ai vu un truc bouger et ça m'a fait rêve. Je suis revenu en arrière, t'as vu. Qu'est-ce qu'on fait? Un report? Les gars, on a pas fait tout ça pour abandonner. Moi, j'ai dit on y va, les gars, on part. Mais oui, il y avait quelqu'un. Les gars, on a pas fait tout ça. Ça doit être le pion, c'est obligé qu'il habite là. Les gars. Imagine, on est tombé dans ce putain. Ouais. On y va pas, wesh. T'es boutonné, t'as vu quelqu'un, t'es sûr? Vous avez vu quoi en fait, vous? Mais lui, il a entendu des bruits de porte. Rien vu, hein.
Bah moi en fait, ouais, si je m'en fous, toi... venez on y va. Les gars, venez on y va. Vas-y, on y va. Un truc bougé, je sais pas c'était quoi. On lui met un coup de pied. On lui met un coup de pied de biche. Allez. J'ai passé 2 heures à réparer, c'est pas pour rien. Vas-y, viens boutonneux, viens ici. T'es maintenant au damé. Attends. Boutonneux. Attends, boutonneux. Ouais, t'inquiète, je regarde juste. Boutonneux, il est là, t'es bon. Pour l'instant, la voie est libre, venez, on y va. Bon, vas-y, restez accroupi pour pas faire trop de bruit. Merde. Restez accroupi. Ok, on reste accroupi. Restez accroupi, ouais. J'ai senti comme un courant d'air qui me glace. Ouais, moi aussi, quand t'as ouvert la porte, là, ça nous a glacé. Quand t'as ouvert la porte, ouais. Ça a fait froid derrière, un coup de courant d'air. Ouais, je m'attends. Ça se trouve, dehors, c'est genre, ça donne sur une sortie, en fait. Mais on est au sous-sol, je sais pas où on est, on est au plus bas, on est sous terre, frère. Tu crois, toi? J'ai l'impression qu'on est sous terre. On est sous notre établissement. J'ai l'impression qu'on est sous notre établissement. Et on a regardé sur internet. Ça, tu vois, côté. Oui. J'ai vu un truc bouger. Donc ça se trouve, c'est l'air. Ça l'a fait bouger. Ça se trouve, Je sais pas, gros. Il y a peut-être un ventilateur d'allumé ou quoi. Un ventilateur sous terre, c'est malade, toi. Quand t'es parti chercher du shit, la mère. Tu te souviens? Nous, on a regardé sur internet l'histoire de l'établissement. Et ils ont parlé que. Avant, en 1948, il y avait déjà un lycée, enfin une école déjà ici, et même un orphelinat. Il a été détruit par rapport, il y avait des problèmes, je sais pas quoi, frère. Mec, ouais. Moi je suis sûr que le pion il est derrière les tout problèmes, ça. Le problème, c'est le pion. Le pion. Ouais, gros, ça me fait flipper la vérité, j'ai pas envie d'y retourner, les gars. T'entends ça là? T'as entendu? Non, j'ai rien entendu, gros. Non, on a entendu. Allez, les gars, on porte nos couilles. Mec, on lui met un coup. Si c'est le pion, on lui met un coup. Vas-y, tu passes en premier, poil de carotte. Vas-y. En vérité, je préfère être là, allez, les gars, on porte nos couilles. Les gars, je vous kiffe, les gars, je vous aime. Putain, il est fou. Wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, frère? C'est quoi cet endroit, gros? Putain, le sol est froid. C'est quoi, les gars? Le sol est froid, il fait froid. T'es mouillé. Wow. Gros, c'est un marécage le truc. Wouah! Gros bordel. Regardez en haut. Il y a des arbres partout. On est dans une forêt, frère. Boutonneux, vas-y doucement, boutonneux. C'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu bouger en fait, gros. Il fait froid. Ouh. Il fait froid, ouais. En plus, c'est des arbres, frère. C'est trop. Mais regarde-moi ça, ces arbres. Ça sent le pourri, frère. On dirait des trucs. Là, on dirait. Ça sent le mort, frère. Ça s'arrête là. T'es où? Où? On est. Ça s'arrête là? Ça s'arrête là, y'a plus rien. Ah non. Attends, les gars, doucement. Allez doucement, j'ai pas envie de. Envie de mourir, les gars, on est trop jeunes pour mourir. C'est quoi cet endroit, gros? C'est un truc de ouf. Bah, j'en sais rien, frère, j'en sais rien. Mais on est où là exactement? J'arrive plus à savoir où on est, gros, je suis perdu. On est carrément sous. Putain, notre école est immense en fait. Notre école se cache beaucoup de trucs. Il y a une histoire. Je suis sûr que le pion, c'est lui qui va pouvoir nous informer, mais j'ai peur que si c'est lui qui est derrière tout ça. Oh les gars, ouais, il y a un feu. C'est pas normal, les gars. Un feu peut pas être allumé. Reculez. Un feu peut pas être allumé pendant des années, les gars. Un feu peut pas être allumé. Il vient d'être allumé. C'est pas possible. Tais-toi. Mais un feu peut pas être allumé, frère. On va te faire un bain. Tais-toi. Oui, désolé. Mais un feu, les gars. Un feu ne peut pas être allumé. Un feu ne peut pas être abîmé pendant des années. Passez, ceux qui ont des armes, passez devant, les gars. Putain, vas-y, c'est toujours moi, je vais me faire niquer en premier, c'est comme dans les films d'horreur, frère, je te jure. Vas-y, doucement.
C'est toujours le rebut en premier, bande de fils de pute. Vas-y, c'est bon, j'y vais. Par ton marteau. Alain Saouf, bande de fils de pute du... Il est fou, il est fou. Oh, il y a des abeilles. Oh, mec, il y a plein de mousse et tout. C'est dégueulasse, quoi. Oh, ça pue. Wow. Ouais, c'est vrai. Oh, des mousses, l'odeur, mec. L'odeur, elle est bizarre. Ça sent bizarre, ça sent le mort, les gars, ça sent le mort. Ça sent mort, c'est horrible, mec. Oh, putain, ça pue. Mais gros, c'est quoi ce bordel? Pourquoi y'a un feu d'allumé, c'est quoi? J'en sais rien, j'en sais rien. Que le feu, il est allumé, wesh. J'en sais rien, frère, j'en sais rien. On voit le ciel au-dessus de nos têtes. Hein? Je vois pas le ciel, je vois des... Mais non, des feux, gros. Ouais, le ciel, regardez le ciel. Wesh, pensez à V, pensez à V. Vous entendez les moustiques? Eh, y'a des moustiques, wesh. Pensez à V, les gars, pensez à V, regardez le ciel. On voit les étoiles. Oh, t'es vrai, on voit des étoiles. Mais mec, on est dehors, là, on est où? Mais c'est quoi ce délire, les gars? On est où, là, wesh? J'en sais rien. On est dehors, les gars. Wesh, mais... Oh, mais tes mains, wesh, y'a... Gros, on dirait un rituel satanique. Tes mains, il y a des pierres tout autour de nous, il y a un feu au milieu. C'est quoi, mec, ça, on est d'accord, il y a quelqu'un qui habite ici, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui habite ici. On est en train de faire, frère, c'est l'entrée de Satan, je te jure. Redonne-moi mon pied. Non, c'est à moi, arrête. C'est à moi, arrête, casse-toi. Vas-y, qu'est-ce que tu fais? Donne-moi mon pied. Mais non, vas-y, arrête. Boutonneau, calme-toi. Vas-y, tu vas pouvoir t'en servir. Attends, on va examiner le feu. Attendez, les gars. Le feu. Attention. Hein? C'est pas un vrai feu, les gars. C'est pas un vrai feu. C'est pas un vrai feu, les gars. Attends, c'est une illusion. Comment ça, c'est pas un vrai feu? C'est une illusion. Montez dessus, vous allez voir. Ouais, frère. What? C'est un hologramme, on dirait. Ouais, c'est quoi, ça? Mais gros. Tes mains, les pierres, elles sont tout genre en cercle et tout. On est dans un... C'est ça, exactement ça. C'est un rituel ou un truc comme ça. Il se passe des choses bizarres dans cette... De cet établissement, il faut qu'on découvre c'est quoi, frère, parce qu'on va pas rester comme ça. Chair de poule. Bah, moi aussi, mec, moi aussi. Venez, on se tire, wesh. Non, les gars. Les gars, il y a des bruits par là-bas. Il y a des bruits. Les gars. Wesh. Vas-y pas. Venez, on plante nos cannabis ici, les gars. Pourquoi, je vois. Venez, il y a de l'herbe, il y a de la terre. Venez, on plante ici, les gars. Venez, on plante ici, on s'en fout. Mais moi, je retourne pas ici, gros. Non, je... Mais peut-être y'a personne, peut-être c'est un truc abandonné, peut-être y'a que nous. Tu vas la fumer, l'herbe. Tu vas fumer l'herbe, tu vas voir les fantômes, arrête. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, wesh? Ok, les gars, on se casse. C'est quoi ça? On se casse, wesh. C'est quoi ça? Oh, maman, fils de pute. Casse-toi. Putain, c'est quoi ça? Wow, les gars, c'est quoi? J'étais pas prêt pour ça, là, frère. La vie de Wham, les gars. J'étais pas prêt pour ça. La tête de Wham, j'étais pas prêt pour ça. Je me casse. Casse. J'étais pas prêt pour ça, les gars. Regarde, Momo, comment il a couru. Boutonneux, il est où? Attends, Boutonneux. Boutonneux, on l'a jeté là. On peut pas le laisser, frère. Il est où, Boutonneux, gros? Mec, on peut pas le laisser, frère. C'était quoi ça, wesh? Mais je sais pas, j'étais pas prêt pour ça, frère. Déretombe pas, moi, t'es mort, hein. Voilà ce qui explique les histoires, les gars. Non. Et qui repose en paix, gros. Mais non, mec, je peux pas. Frère, vous pouvez pas laisser Boutonneux, frère. Putain, les gars. Les gars, j'ai peur, les gars. Moi aussi, j'ai peur. J'ai pas envie de mourir, mais les gars, on peut pas laisser Boutonneux, les gars. J'y vais pas. Non, je m'en fous, les gars. On va mourir, mais c'est pas grave. On peut pas le laisser. C'est notre pote. Les gars, wesh, vous êtes sérieux? Vous mettez dans des trucs comme ça? Je veux pas mourir. On peut pas mourir aussi, mais on peut pas le laisser, frère. On peut pas le laisser. Putain, les gars. Je m'en fous, frère, je vais le récupérer, moi. Je m'en fous. Non, poil de carotte, wesh, reviens. Putain, wesh, moi, on est obligé d'y aller. Frère, on peut pas le laisser. Voilà ce qui explique l'histoire. C'est pour ça que tous les établissements étaient fermés. Ils ont été détruits. Parce qu'il y avait des trucs bizarres qui se passent ici. Allez, frère. On va le récupérer, les gars. Je suis passé en premier tout le temps.
Vas-y, vas-y, fais pas de bruit, gros, fais pas de bruit. Oh, les gars, je n'entends pas du tout. Boutonneux, t'es là? Boutonneux, on vous entend. Boutonneux, Boutonneux, arrête de planquer là. C'est Boutonneux, bon, allez viens. Boutonneux. Eh, hey, Boutonneux, si t'es là, fais péter un de tes boutons. Oh, bâtard. Boutonneux, Boutonneux, fais pas le con, s'il te plaît. Il est pas là, frère. Boutonneux. Attention, attention. Boutonneux, fais pas le con. Boutonneux, fais pas le con, Boutonneux. Dis-moi que t'es là, Boutonneux, on est là. Ne nous laisse pas, Boutonneux. Oh, Boutonneux. Il a dit, il va mourir. Doucement, doucement. Parlez pas, parlez pas. C'est bon, les gars, j'enlève la musique si vous avez peur. Les gars, désolé. Bouton, pourquoi t'as pas stylé tes amis? Les gars, j'enlève la musique, vous inquiétez pas si vous avez peur. Excusez-moi, les gars. J'ai oublié qu'il y a des jeunes, les gars, qui me regardent et moi je mets des trucs musique comme ça. Mais la musique, ça nous permet de rester dans l'ambiance, les gars. Mais je mets une petite musique, attendez. Juste une petite musique. Voilà. Vous inquiétez pas les gars, on est là, vous êtes avec moi, n'ayez pas peur les frérots. Mettez-vous en chuchoté, mettez-vous en chuchoté. Je suis juste. Ok, ouais. Caca. Je vois rien pour l'instant. Ouais, je vois rien. Boutonneux. Boutonneux. Les gars, j'en ai pas entendu. C'est ma maman, elle m'a dit j'avais rendez-vous ici. S'il vous plaît, laissez-nous. Il est où notre pote? Il est où notre pote? Il est où notre pote? S'il vous plaît, rendez-nous notre pote, s'il vous plaît. On a rien fait, on part, on vous laisse tranquille. Et on part. Dégage. Il est où notre pote? Il est où? Eh, s'il vous plaît, on est gentil. On a rien fait de mal. Vous allez mourir. S'il vous plaît. Non, 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 on veut pas crever. Rendez-nous, s'il vous plaît. On veut notre pote, s'il vous plaît. Rendez-nous notre pote. Rendez-nous notre pote. On peut vous vendre du shit si vous voulez. On peut vous vendre du shit en échange. On vous le donne gratuit si vous voulez. Oui, d'accord. Oui, mais on ne s'approche pas, Rendez-nous Boutonneux, on se casse. Rendez-nous Boutonneux, on se casse. Il est sorti. Il est sorti, je t'ai dit. Mais vous êtes qui? Laissez-nous. À trois, si vous n'êtes pas partis, vous allez aussi sombrer. Vas-y, vas-y, je me tire. Vas-y, c'est bon. On se casse. Eh, va niquer ta mère, fils de pute. Arrête tes conneries, frère. Je suis un bâtard, il a su va niquer ta mère, fils de... Wesh, les gars. Oh, c'était qui les gars? Franchement, là, j'étais. C'est les extraterrestres, c'est pas possible, frère! Mais gros, c'est le surveillant, c'est le diable, frère! Attends, qu'est-ce que tu fais? Mais t'étais où? Vas-y, remonte! Viens, on remonte vite, viens! Reste pas ici, reste pas ici! Remontez, remonte! Venez, venez! On revient dans notre... On part dans notre chambre, les gars, je m'en bats les couilles! Ouais, j'arrive pas. On se casse, les gars! Vas-y, boule! Putain, je suis perdu, je sais même plus où je suis!
Ah merde. Attends, pousse-toi, je vais casser les palettes. Ouais, ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Enlevez-vous, les gars, faut reculer, reculer. Reculez bien, surtout, les gars. Wesh, mec, c'est un bordel, le truc. Et boutonneux. Mais vous sentez pas bien, les gars. Pourquoi il a un boutonneux, t'inquiète pas, on arrive. On va te soigner, on va te soigner. Boutonneux, tiens encore un petit peu. C'est bon, les gars. On va dans la chambre. Attends, attends, attends. Vas-y, passe, boutonneux. Ah, je me sens pas bien. Vas-y, boutonneux, vas-y, en deuxième. Putain, qu'est-ce qui s'est passé, frère? Là, vraiment, les gars, j'ai... Le truc du monstre, là, je sais même pas ce qui se passe. Allez, boutonneux. Je connais pas, je suis comme vous, je suis surpris, là, les frères. Pas mal. Aïe, je suis surpris. Vas-y, non, c'est pas grave, t'inquiète, gros, y'a pas de soucis. Vas-y, recule, Tchang-Tchang. Momo, t'as pas compris, pourquoi t'as pas compris, là? Pourquoi il est revenu? N'ayez pas peur, les petits, n'ayez pas peur. Je sais pas, c'est le gars là, il a dû le libérer, je sais pas ce qu'il a fait, gros. C'est Luigi la voix. Non, là, c'est lui. Moi, derrière ton Non, le crime, c'est peut-être lui. Il n'y avait plus d'amis. Mais gros, c'était le bordel. Merci pour des deux, mais je pense pas que c'est lui. J'étais un truc de ouf, mec, j'ai cru être dans un film d'horreur, mon pote. Ils sont pas sensibles, ils savent pas ces trucs, ils savent pas. Ça se trouve, t'es le surveillant là. Monsieur Tang là. Ouais, à mon avis, c'est lui. Vas-y, attends, j'y vais, je pense qu'il a fini. Boutonneux, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi tout! Je me sens pas bien. Mais dis, qu'est-ce qui s'est passé, frère? J'ai mal à la tête, je me sens pas bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Viens t'allonger. Vas-y, tu peux passer, c'est bon, Chang. Vas-y, ping-pong, tu peux passer, gros. Viens t'allonger. Allonge-toi, frère. Allonge-toi ici. Allonge-toi un peu, on va s'occuper de toi, ouais, t'inquiète. Gros, c'était un bordel, le truc, frère. C'était l'esprit du Shaitan, mon pote. Ah ouais, c'était là, c'était... Je sais pas ce qu'il sait, mais mec... Mais gros, tu l'as vu? Mais c'est ça que je veux savoir. Allonge-toi, monte sur le lit, allonge-toi. T'es battu quoi, alors? Assis-toi, mais je sais pas, on va discuter. Mets-toi par terre, alors. Mets-toi par terre, là. Assis-toi, là. C'est bon, tranquille. Mets-toi par terre. Merci, le crime. Merci, mon pote. Allez. Mais tranquille. Assis-toi, là, assis-toi. Dis ce qui s'est passé, boutonneux. C'est important, gros, parce que là, c'était un truc grave bizarre. Allez, dis-nous. J'ai pas quelque chose qui m'a attrapé. Mais c'est quoi le truc? Tu l'as vu? Décris-nous le truc. J'ai rien vu. J'ai mal, les gars. Écoute, on va le laisser se reposer. Peut-être les souvenirs vont le revenir. Allonge-toi ici, mon pote. Allonge-toi ici. Au pire, demain il nous racontera tout. Oui, ta vie. Ouais, c'est bon, je m'allonge. Vas-y. Frère, on n'a pas pu. Gros. Moi qui voulais planter mon cannabis tranquillement là, putain, c'était quoi ça? Les gars, décrois pas là. Les gars, de dessus. T'inquiète, Chang, ça va? Les gars, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Gros, c'est ok. T'inquiète pas, Chang, tout va bien se passer. Ouais, de traite là, les gars, t'es la première fois devant un truc comme ça. Ça doit être. Je sais pas, c'est le pion. C'est horrible, wesh. Mais non, les gars, j'ai peur, les gars. T'as entendu sa voix? Les gars, j'ai pas envie de vous faire flipper, les gars. Écoutez-moi, j'ai pas envie de vous faire flipper. Si nous, on a réussi à aller le voir, ben lui aussi peut arriver à nous. Si on a ce passage, c'est qu'il peut arriver par là. T'avoue, bah oui, il a le même. Oh putain, wesh, me dis pas ça, wesh. Tu vois ce que je veux dire? Si nous, on peut aller à lui, lui, il peut venir à nous aussi, frère. Si peu, voilà quoi! Au Starfool là! Moi je vais plus. On va fermer les yeux, frère, il sera devant nous. Moi je dors là-bas, moi ce soir, je dors là-bas, moi! Moi je dors l'autre côté, moi! Non, c'est moi de l'autre côté, vas-y! Moi je vais dans le. Moi c'est ici, moi vous c'est là-bas! Non, c'est. Non, vous c'est là-bas, j'étais là avant! Je m'en fous! J'étais là avant! C'est toi qui demandais de dormir là-bas! Ouais, c'est toi, Chang! Tu voulais là-bas, Chang, vas-y! Vas-y, on doit partir, je m'en bats les couilles, on dort tous ici alors! On reste avec, les gars! On dort tous, on reste avec! Vas-y, au pire, on reste ensemble! Mais il est où? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où lui? Mec, quoi? T'es où? Quoi? Il parle à qui? Wesh! Non, montez pas, wesh! Mais c'est quoi ce casier? Il est où? Wesh, il est passé. Il est reparti, il est hypnotisé ou quoi? Attention, je vais frapper, attention. Non, c'est déjà ouvert, Je vais faire une crise cardiaque, mon pote. Attends. Voilà, je vais faire une crise cardiaque. Voilà, je me sens pas bien, wesh. Il va le chercher. Reviens ici, boutonneux! Venez les gars, venez. Boutonneux! Putain, il est sérieux! Putain, faut l'attacher là!
Boutonneux. Ouah, il est où? Boutonneux. On y va ou... Mais je sais pas où il est. Gros, il est possédé, frère. Il a été chétanisé. C'est le chétan numéro 2, lui, maintenant, frère. Il faut... tu vois l'exorciste, tu vois. Ouais, attends, je l'appelle. L'exorciste, c'est pareil, gros. Ouais, je te jure. C'est pareil, gros. Attends, je l'appelle. Très mal. On va tous crever, gros. On va se faire déchiqueter par un démon de... je sais pas quoi, là. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Et gros, je me sens pas bien. Mon cœur, il bat à 20 000, là. Je vais faire un... cardiaque ou quoi, je te promets. Oh, les gars, il me faut des nems, là. Mais vas-y, mange le mien si tu veux. Il est tout chaud. Non, pas te dor de nems. Ok, comme tu voudras. Il répond pas. Les gars, il répond pas. Moi, j'y retourne pas. Voilà, et qui crève, qui repose en paix, gros. En plus, on pourra se taper l'infirmière comme ça. T'inquiète. Ouais, mais voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais j'espère que tout va bien se passer. J'ai pas envie d'y aller, moi. Ah bah. Bon, go, ripé sa vie, on y va, les gars. Qui repose en paix. Vas-y. Hein, qui repose en paix, comme je te dis. Non, on doit y aller, les mecs. Non, qui repose en paix, frère, je vais me reposer, moi. Non, bah, vas-y, ton temps, moi j'ai. Ah, vous faites quoi, les gars? On peut pas le laisser, venez. Mais on a pas d'âme, frère, on a pas d'âme. Peut-être il est pas monté, attends. Peut-être il est en bas. Mais non, c'est pas possible, gros. Non, il est pas là. Faites pas du bruit, tout le monde dort. On ferme la porte. On ferme la porte à clé et on dort, gros. Ouais, pis. Vas-y. Et gros, pour pas l'abandonner. Vous êtes sûr, les gars, attends. Il est parti. On l'a pas abandonné. Venez, les gars. Ouais. Et venez les gars, on fait un truc avec les palettes là. On prend des palettes, on les met au-dessus là. On met des clous, je sais pas, il faudrait qu'on trouve des clous. Et puis on. Mais attends, on ferme, là on peut gros, pas, on peut pas, y'a boutonneux. Ça se trouve, c'est. Attends, en gros, t'as cru qu'en mettant des clous, il y a. Non, moi je le sens pas. Je le sens pas vraiment. Il faut qu'on achète de l'oignon à Skip, ça fait repousser les vampires ou je sais pas quoi. C'est quoi le truc? De l'ail. Ouais, c'est ça. De l'ail et une croix de Jésus. Il faut une croix de Jésus aussi. Vas-y, attends, faut qu'on essaye de trouver une croix de Jésus, mon pote. Putain. Ça va le faire partir. Si jamais il s'approche de nous, tu vois. Ah ouais, moi je suis quoi, croix Jésus, frère. T'es musulman. T'es musulman, tu fais croix Jésus. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Bah oui, mais le chétan, frère. Le chétan, c'est christianisme, tout ça, t'as vu. Non, quoi, t'inquiète. Tu mélanges tout là, frère. Attends, j'ai entendu un bruit d'herbe là. Bouddha là, gars. On peut mettre Bouddha. Arrêtez vos conneries. Boutonneux. Putain, il est où, les gars? Vas-y gros, on peut pas faire péter là, on peut pas faire brûler un truc, on peut pas faire un molotov, je sais pas quoi, un truc. Je m'en fous, je vais tout péter alors. Ça pète pas ça. Ouais, je calme toi gros. Non, arrête. Ouais, je vais pas te calmer. On va avoir des problèmes, Boudou Badé, arrête toi, t'es malade toi. Ok, désolé. Putain, ça me fait chier. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, mais moi les gars, je dis on y retourne, on peut pas l'été. Attends, silence, j'ai entendu. J'ai entendu comme un bruit, quelqu'un qui grimpe sur un grillage là. J'essaie de le rappeler, attends. Oh, Starfalla. Eh gros, je me sens pas bien, je te jure. Moi je veux partir, je veux partir d'ici, wesh. T'as moins saoulé là. C'est bon. Allez, il raccroche, putain, il raccroche dans ma gueule, ce bâtard. Bon, écoute. Demain on partira à sa recherche quand il fera jour. Hein. On va pas y aller, hein. Ah, c'est risqué, hein. Ah non, moi, gros, là j'en peux plus, hein, je te jure, hein, je me sens pas bien. La demain, on repart à sa recherche, les gars. D'accord? Pendant la récré, tout ça, mais on va. Demain. Mais peut-être il va revenir, hein. Peut-être il est parti prendre de l'air. Mais on peut pas se permettre de mourir, les gars. Si on le retrouve, ça se trouve. Il est possédé, gros, t'as vu, il lui parle, il lui a fait oh salut, machin, monsieur, t'as vu, genre il lui a dit normal. Ouais, ça se trouve, il est possédé, gros, ça y est, il est sous son emprise. C'est ça? C'est Satan, le truc. Tu crois qu'on doit en parler? C'est devenu un psychomaniaque. On doit en parler avec le proviseur, tu crois? Sinon, on n'aura plus notre cachette, les gars. Malade, toi. On va pas...
Non, on peut pas en parler. Mais je sais pas ce qu'il faut penser. La pour être malade. Peut-être on a des coups. Peut-être personne ne sait. Personne ne peut être là. Si on monte la cachette là, on pourra plus jamais s'évader de l'année. Et après, on va se faire niquer parce qu'ils vont savoir qu'on a cassé les palettes. T'as vu? C'est ça, c'est ça. Donc, dans, c'est pas un bon bail. Oh, les gars, tout ça pour du shit. Putain, tu vois où on en est arrivé là? Ouais, je te jure. Ouais, mais là, ça nous permet, tu vois, c'est l'ascenseur là. Pourquoi il a trifouillé l'ascenseur? Fallait pas y aller. On avait la sortie, juste on pouvait sortir. Mais là, tac, aller en boîte et tout. Maintenant, mec, maintenant il y a l'ascenseur et ouais, il peut venir chez nous. C'est et ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, j'ai tout compris, frère. T'as... Il faut en fait, voilà pourquoi, voilà pourquoi l'ascenseur, il était, il a été enlevé les boutons, etc. Sûrement, il y avait des habitants ici avant. Ils ont cassé l'ascenseur pour pas que le monstre monte. Et là, le monstre peut monter à tout moment, frère. On doit les péter. Mais non. Mais on peut pas le péter, on peut pas le péter, nous. Je me sens pas. Mais je te jure, c'est ça, frère. Je te jure, c'est ça. Fallait pas réparer l'ascenseur, on pouvait pas savoir, frère. Faut qu'on pète l'ascenseur, mon frère. Faut qu'on pète l'ascenseur, hein, je te jure. Vas-y, moi je prends mon marteau, gros. Je vais taper dedans. Mais faut que tu feras rien de tout. Mais là, on peut pas, frère. On peut pas laisser le. Il faut qu'on cherche d'abord boutonneux. On peut pas le laisser, frère. Ouais, boutonneux, nique sa mère. C'est bon, il a saoulé, gros, avec ses boutons. C'est bon, vas-y, on va pas en faire tout un plat. C'est bon, il est mort. Tu reposes en paix. Non, on peut pas, gros. C'est bon, un bâtard, frère. C'est notre ami. Mais je l'aime bien, mais la vérité, j'ai pas envie de mourir pour lui, gros. T'es où, toi? On se dérouler au pire, on va péter l'ascenseur, on prend tous les trucs là. Ah, t'es un bâtard, frère! On peut le gagner et tout. Non, bah, il vous donne dedans au pire. Au pire, c'est bon, ils exploseront. C'est un bâtard ce moment, frère! Là, je me donne envie de pleurer, frère, arrête tes conneries, on peut pas le laisser! Mais n'importe quoi, mais au pire, on prend un peu de tout. Sinon, Ching-Chong, tu peux pas le chercher? Ching-Chong, toi, vas-y, toi, on t'attend ici! Non, ouais, vas-y, toi, au pire, c'est pas grave, ton espèce, on a plusieurs milliards sur Terre, c'est pas grave. Nous, on est en voie de disparition, mon frère. Gros, tu crois que j'ai encore envie de manger des chiens dans ma vie, ok? Attends. En plus, tu manges des chiens, vas-y, bah, faire manger, tu vas voir. Qui sait le chien? Ouais, non, mais ça, c'est le chien. Gros, t'as cru, moi, le seul Dieu que je converse, c'est Bouddha, frère. Ah, j'ai mal au ventre, là. Ah, vas-y, mais je sais pas, moi j'ai pas envie d'y aller en tout cas. Moi je veux bien y aller, mais y'en a un qui vient avec moi, je veux pas. Ton espèce, y'en a beaucoup, nous on envoie ta disparition. Ah, je te jure, ouais, lui. Je sais pas, gros, attends. Quoi, ouais, toi, vous les rebeux, vous êtes tous en prison, c'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes en voie de disparition, lui, il est partout, frère. Attends, t'arrêtes. J'ai mal au ventre, frère, j'en peux plus là. J'en veux plus. J'ai mal au ventre, attends. J'étais pas prêt là, mec! Heureusement que tu es là pour nous faire rire, mais wesh! Oh putain, wesh, arrête de me faire rire là, c'est bon! Mais je te jure, tu m'as donné mal au ventre, mal à la tête! En voie de disparition! Ouais, mais c'est pas con ce qu'il a dit, c'est vrai, nous on est. Nous les rebeux, on va tous en prison, mais toi t'as beaucoup, toi, y'a beaucoup comme toi! Vas-y, t'inquiète! Ouais, ouais. Il y en a plein Paris, au pire. À Paris, ouais. Y'a plein de ténors, on t'en fout. Bah ouais, vas-y. Agoubou de Badi. Les gars, on est en train de rigoler. De toute façon, les Chinois, ils sont partout, gros. Agoubou de Badi, putain. Vas-y, t'inquiète pas, pleure pas, frère. Ils vont dominer le monde, frère. Bah ouais, vas-y, un jour, tu seras président. Allez, vas-y. Allez, maintenant, vas-y. Ah non, papa, reviens, non, je plaisante. Non, je plaisante, frère. Ah putain, je rigole, frère, arrête tes conneries. Vous t'es vraiment que vous êtes très bien en train de me dire, vous le croyez? Ah putain, il m'a donné mal au vent ce bâtard. Alors on doit y aller, on doit montrer, on doit porter nos bols ce mec là. On doit y aller. On y va, on va sauver le boutonneux là. Et non gros, moi j'y vais pas, j'y retourne. Non pas, c'est gros. Bon, voilà. Écoute, demain on fait ça. Demain on va le chercher, d'accord? Promis. Mais ok. Mais mec, il sera mort d'ici là. Vas-y demain, il est sur un truc de chétan. Vas-y, bah demain, vas-y. Tu sais quoi? Parce que tu vois, genre là si on le reprend, après il va retourner, t'as vu? Là, on l'a recherché. Bah ouais. Et il est déjà reparti. Là, au moins, nous, on est là. Gros, il est hypnotisé, il est chétanisé, gros. Nous, on peut aller chercher des armes, on peut aller chercher des oignons, on peut aller chercher tout pour aller le niquer après, mais on peut pas y aller tous. Imagine, on se fait tous capturer, qui va nous sauver? Personne n'est au courant. Personne n'est au courant qu'on est ici. Ouais. Ouais, gros, on va finir en zombie, gros. Je sais pas, genre, il va nous charcuter, il va faire des merguez avec nos intestins, t'as vu?
Ouais, oh, voilà. Mais, oh, mais putain. Vas-y, on fait comme ça, les gars. Mieux pas. Ne vous inquiétez pas, les gars. Mais vas-y, mais on, il faut, hey, faut fermer l'entrée, là. Attends, vas-y, moi, je mets un truc, là. Le... On peut pas prendre un bidon, on le met sur le... On va remettre les palettes, les palettes, d'accord. Je te laisse. Tu remets les palettes, alors. Vas-y. Vas-y. Je vais aller voir. Ping-pong, aide-moi, on remet les palettes. Je vais aller voir. Moi, je vais préparer les lits pour vous, les gars. Je prépare vos lits. Allez, vas-y, pose-en une là. Bam. Vas-y, tiens. Oh, putain, c'est dur tes palettes de merde. Oui, j'avoue. Allez, hop. Voilà. Ah, il m'a tué le Momo là. Navex, il m'a tué de ouf, les gars. Ouais. Allez, je te la passe. Voilà. Oh, il m'a donné envie de tousser, frère. Oh. Et toi, vas-y, toi, t'en es un plein de ton espèce. Nous, nos espèces, on voit disparition. Ah, vas-y, ouais. Ouais, mais moi, j'avoue, c'était bon, toutes les rebus, mais en prison, frère. Ils sont tous en prison. Au moins, ça bloque carrément. Aïe. Il m'a tué, là. T'as des muscles, quoi. Ah, voilà, c'est bon. Là, le pauvre chinois, il a pu. Il savait plus quoi dire, le mec. Moi, j'ai dormi, bon. Allez, bonne nuit, les gars. Bonne nuit, les gars. On dort ici. Venez tous ici, on reste avec. On reste avec, les gars, on dort. Vas-y, prenez le lit, moi je dors en terre, je m'en bats les couilles. Prenez le lit, vous inquiétez pas. Je pourrais pas dormir ici, hein. Je pourrais pas dormir. Je dors sur le tapis, moi, vous inquiétez pas. Vas-y, ça marche, mais bonne nuit, les gars. À demain, les frérots. À demain. De toute façon, je vais pas dormir, je vais guetter, moi. N'hésitez pas à nous réveiller. Oui, je guette, moi, t'inquiète. Pas à réveiller. Tu guettes toute la nuit, hein. Tu comptes sur toi. T'inquiète, frérot. Bonne nuit à vous. Au pire, tu réveilles, gros. On fait une tournée, t'as vu, genre. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Vas-y. Allez, à demain, les reilles. À demain. À demain. Wouh ! Putain ! Wow ! Quelle belle soirée, les gars ! j'ai kiffé de ouf, frère. J'étais pas prêt, je savais pas qu'il allait se passer ça. Attends, me quittez pas, les gars. Les personnes qui veulent me parler, qui veulent passer un moment avec nous, c'est l'anniversaire du Discord, les gars. C'est l'anniversaire du Discord, les gars. On va aller tous sur Discord, les gars. On va faire la fête. Il y a des cadeaux à gagner, il y a des passes VIP à gagner, les gars. Rendez-vous tous à Discord, les gars. Attends, je vais ouvrir Discord. Oh, on a passé un bon moment. J'ai hâte d'être à demain. Je sais pas vous. J'ai hâte d'être à demain, les gars. J'ai vraiment hâte. Oh, c'était énorme, les gars. Je sais pas si vous avez kiffé. Mais moi, j'ai surkiffé, là. Là, sur Discord, il doit y avoir du monde, là. Putain, laisse tomber, wesh. Ouais, on est déjà beaucoup, les gars. La fête continue sur Discord, les frérots. On est plein, les gars. Je vous envoie le Discord. Apparemment, il faut aller dans Showdive Premix. Apparemment, je vais passer à vous parler. Il y aura des lots à gagner. Il y aura des trucs. Ils ont préparé un petit truc, là. Une petite activité pour vous. C'est l'anniversaire du Discord. C'est un an de Discord. Donc on y va tous, vous êtes tous invités, les frères. Tous invités. Je vous partage le Discord, bougez pas. Le Discord, il est en train de... En tout cas, Doumé, il sera pas là ce soir. Il a dit, demain, désolé, je reste pas pour l'anniversaire du Discord. Fais un bisou à toute la communauté de ma part. Demain, je serai là à 17h. Je prépare un super joinet de cours. Ah, merci mon frérot. Doumé, j'espère que t'es là. Gros big up à toi, ta joinet s'est bien passé. Merci à toi, frérot. Merci beaucoup à toi. Merci à Luigi aussi. Luigi, on se retrouve. Si t'es là, on se retrouve sur l'anniversaire de Discord. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. Toute l'équipe, les gars. Tous les surveillants. Les pions, etc. Samsung, tout ça, là. Vas-y. Je vous envoie le Discord, les frères. Je vous envoie le Discord. C'est la fête. Hop. Vas-y, j'ai même pas. Je peux pas me copier. Je peux pas copier le lien du Discord. Il faut aller dans Showdive Premix. Ah, il est là, Doumé. Gros big up. J'ai bien kiffé. Demain, ça va être mieux, les gars. Demain, il y aura un peu plus de cours. Ça va être drôle. Il y a de l'action demain. Hop, je vous envoie ça. Hop. Ah, c'est pas ça. Spammer, les gars. Mais c'est des liens inspirés. Attends, je peux pas copier. Il y a trop de monde sur le Discord. Regardez, les gars. Je vous partage. Regardez. Je vais aller parler à tout le monde, là. Regardez. Hop. Regardez tout ce monde. Regardez, c'est l'anniversaire du Discord. Venez, les gars, il y aura des VIP à gagner, il y aura plein de trucs à gagner. Venez, regardez où on est là, regardez, on est à combien là, regardez-moi tout ce monde. Faut venir dans Showdive Premix. Il y a Ndial Eljela, voilà. On va faire gagner aussi des places, les gars. On va faire gagner aussi des places à Flash Cool.
Vous voulez ou pas? Des places VIP, vous aurez même pas besoin d'attendre des semaines. Parce qu'il faut attendre des semaines. Il y a 400, plus de 500-400 joueurs qui veulent jouer. Et je vais vous faire gagner des places en VIP pour jouer venir sur Flash Cool. Vous êtes pas chaud ou quoi? Bon, je peux pas copier le lien, c'est quoi ce délire? Attends, je vais copier, inviter des gens. Voilà, voilà le lien du Discord, les frères. Il y aura tous vos personnages préférés, il y aura tout le monde. Même moi, je sais pas ce qu'ils ont organisé. C'est l'équipe du Discord qui a tout organisé, je sais pas. Tout le staff du Discord. Gros dédicace à Ariel avec Ariel, Monsieur Geek, Blue Sharkin, mon pote, merci à toi. Merci à. Je crois que Zena Gamers a organisé aussi. Il y a. Comment il s'appelle encore? Rekamas, il y a aussi. Akil, le petit Akil. Toute l'équipe, big up à vous. Voilà, vous venez dans Shodai Premix. Hop. Regardez, oh là là, là ça va bugger de ouf. Par contre, je sais pas pourquoi mon truc de sponsor il est plus activé, frère. Regardez, ouh là 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 là. Le nombre de monde, frère. Venez là-dedans dans Shodai Premix, vous cliquez ici. J'arrive. Je sais pas ce qu'ils ont organisé, les gars, on va voir. À mon avis, ça va bugger. Hein. Il y a toutes les VIP qui sont là. Les sponsors, je vais réactiver le truc là parce que c'est pas normal, j'ai envie de parler aux sponsors, moi. Vas-y, on se retrouve là-bas, les frérots. D'accord? Merci à vous pour tous vos petits dons, etc. Là, et vos petits likes et tout, comme d'habitude, les gars. Merci, frérot. Les gars, les frérots, on a passé une bonne soirée, les gars. Quoi demander de plus? Cette semaine est emplie. Demain, je relive, les gars. Demain, je suis encore là, les gars. Demain, il y aura une journée de cours encore. Voilà. C'est la fête, les gars. C'est la fiesta. Il y a plein de trucs à organiser, là. Ah ouais, gros dédicace à Freeman aussi. Freeman qui est toujours là, actif sur le Discord. Gros dédicace à lui ici. Voilà. Allez, c'est parti les gars, on se retrouve là-bas. J'arrête le live.